Salut Pierre, comment vas-tu? Bah écoute, euh, ça va, ça va, je suis assez content d'approcher de, de la fin du bac Sandal, peut-être pour passer à autre chose. Euh, C'est l'ultime chapitre. Bien de finir ça, normalement euh, on a pas mal d'images et de belles choses à regarder. Il ya quelques bûches là, euh, il y en a d'autres sur le ferron. Effectivement, il faudrait peut-être les ramener. Salut Flibiding, bienvenue à toi, bienvenue. Euh, ouais, je vais profiter du petit décompte pour aller chercher quelques bûches. Les gens, je vous laisse. Euh, Bavardez, vous saluez entre vous, j'arrive tout de suite. Il y a. Ouais. <laughs> Salut Docteur Wack. Ouais, la commande bûche existe enfin. Normalement, elle doit fonctionner. Moi, je l'ai pas la entendu la parce la que j'ai pas de retour. La bûche Il va y avoir une commande bûche et une commande bagarre normalement. Voilà, le bûcher dedans Salut Suze La marche bonne bûche Ok bonne 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 très bonne bien bonne Comment allez-vous J'ai pas de retour donc je n'entends pas vos mornings, vos bûches et vos bagarres mais euh, morning à vous aussi. Il a deux heures, Pierre, à bagarre. Comment veux-tu que ça marche Bah oui Suze, qui veux-tu que ce soit Alors <coughs> qu'est-ce que j'ai fait J'ai ce bouquin J'ai fait un truc, j'ai même pas fait le calage sur les images Oui ça marche Un peu jaune ça hein euh, J'ai pas configuré la balance des blancs mais voilà un peu jaune c'était pas ouf je pense qu'on est beaucoup plus proche voilà ce sera mieux bah oui c'est logique ah, ça ça doit marcher aussi ouais ça fonctionne parfait donc tout est prêt hum, bouquin normalement on a que ça la librairie à Piccolomini et un petit peu de, de Frangelico. ça va être agréable ce sont des fichiers, alors quoi de neuf, les gens? On s'est pas vu pendant quelque temps parce que j'étais, comme vous le savez, peut-être à Paris pour le calage d'un bouquin, le calage des couleurs avec les éditeurs. C'est très bien passé par ailleurs. Ce sera assez joli avait des gens très compétents et vraiment diligents. Oh je sais Sus que c'est ton passe-temps favori à regarder les autres bosser quand tu branles rien. Faudrait donner un nom à cette activité. J'avais proposé ergoscopie mais c'est un peu savant, ça fait un peu chichiteux. Est Ce que vous en pensez, Faudrait inventer un truc un petit peu plus fun que l'ergoscopie, <laughs> <laughs> évidemment, oui, c'est vrai, Pierre, tu n'as pas tort. Mais c'est bizarre, parce que ça met, ça met Suze dans la position du patron, c'est quand même assez étrange. Faudrait y impliquer... <laughs> Un côté vraiment euh, contemplatif et spectaculaire. Une espèce de joie paresseuse devrait euh, ressortir de ce néologisme. Qu'on n'entend pas vraiment euh, dans Patron. Euh... On n'entend que la brutalité de cette position actionnaire, dit Docteur Wack. Vraiment, vous ne faites aucun effort. Vous avez décidé de rendre cette activité antipathique, en fait. Alors, que je vérifie un petit peu la ligne ici. Hop. Comment ça se passe là? Très bien. Suzer, verbe intransitif, ne rien foutre en regardant les autres bosser. Mmh, c'est pas mal ça. C'est un peu, euh, j'allais dire, auto-centré euh, pour Suze, mais en fait, c'est un non, peu su bien. très Suzo-centré du coup. Je, je suis bien. Voilà, bon, Agnès est convaincue. Elle se sent un petit peu insultée par les propositions au patron et actionnaire. ce que je comprends <laughs> Pas mal. Docteur Wack propose lion malisé. C'est le lion mal, regarde les lions chassés en, se... ah en se léchant les couilles. Euh, je sais pas. Alors, est-ce que c'est une légende Moi, ouais, j'en sais rien. C'est peut-être faux. J'avoue n'avoir pas euh, assez bossé. Euh, la lionité pour pouvoir vous dire ça. Le lion est-il vraiment ce gros branleur qu'on décrit euh, dans la légende ou est-ce que c'est pas vrai Il faut pas trop s'user, ça use, dit Pierre. Mais... Je crois vraiment qu'on peut euh, épuiser une telle activité alors moi je m'y suis pas souvent livré hein, parce que je suis toujours en train de bosser donc j'ai pas beaucoup de temps pour regarder les autres travailler. Mais des fois c'est chouette, c'est des grands moments. Ça hein. fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu C'était quand le dernier live Alors... Hein. Alors, c'est une mi-légende, d'accord. C'est en grande partie vrai, mais il y a des moments dans la vie d'un lion mâle où c'est faux. Enfin, bah, ça va vraiment nous aider, ça, pour y voir clair, Suze, franchement. En gros, la réponse, c'est ça dépend. C'est super, on est vraiment ravis avec ça, on va aller loin. Allez, on va interrompre ça. Minimiser. Ça devient un petit peu tordu, hein. difficile de se faire comprendre. allez ouf. Voilà. Bon. Ben, J'espère que vous allez donc pas mal. Et que vous êtes prêtes et prêts pour cette dernière partie du travail entamé sur la lecture de Bac Sandal. Forme de l'intention sur les rapports d'explication des tableaux et euh, notamment d'enquête sur l'intention qui présiderait à leur réalisation, à leur création. Alors quand les lions sont adolescents, ils quittent leur famille et là ils sont bien obligés de chasser. Mais en plus ils tentent de combattre des mâles plus vieux pour leur voler leur harem. Donc des fois, ouais, comme les loupes, quoi. des fois ils font des trucs. Ok. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez à peu près où on en était la dernière fois. On a, on en avait fini avec un long chapitre assez passionnant sur euh, Chardin et sur une approche lockienne de Chardin. C'est-à-dire, euh, entre euh, bon, les théories scientifiques qui se développaient pas mal à, à l'époque de, de Chardin euh, autour des philosophies de Locke puis de Condillac, donc des euh, philosophies euh, d'empirisme radical ou du sensualisme de Condillac. Une approche de la peinture en questionnant euh, son objet d'une autre façon, posant la question c'est de de la nature même de cet objet, à savoir est-ce que cet objet était alors je fais un truc parce que mon notre chat n'est pas au bon endroit, ça va me faire chier. Je vais le mettre plutôt dans ma zone de travail. Voilà, c'est mieux comme ça. Sinon, ça va être un peu compliqué. Je vais avoir du mal à vous lire si je le fous là. Voilà, je pourrais vous lire en même temps. Très bien. Donc oui, si l'objet euh, supposé de la peinture était effectivement son référent, à savoir, euh, pour dire les choses grossièrement, les, les choses peintes, les choses représentées à l'intérieur du tableau, ou simplement les conditions du regard, ou les conditions de compréhension, les conditions de connaissance perceptive de ces objets. De quoi, en fait, le tableau rend compte Est-ce que c'est conceptuellement une scène ou est-ce que c'est euh, de la perception de cette scène Et autour de Chardin, il a été développé par euh, Bach-Sandal une série de propositions assez passionnantes sur euh, cette dimension-là, comment on pouvait la saisir dans la peinture de Chardin par le côté, on pourrait dire, hétérogène des formes de la perception à l'intérieur d'un tableau qui laissait supposer une division à l'intérieur de, par exemple, de cette euh, femme à la théière là. Une division en plusieurs moments, finalement, du regard. À savoir, non pas euh, l'image d'un tableau comme un instantané fugace, mais plutôt comme un, une certaine durée, un, une insistance du regard, avec tout ce que ça peut vouloir dire hein, de déclinaison perceptive à ce moment-là. Donc en tenant compte aussi de, comment dire, des nouvelles théories optiques de l'époque qui mettaient en lumière euh, cette. Euh, propriété du regard, de ne pas être euh, instantané et fugace, mais bien justement d'être euh, prise dans un flux comme ça de, de moments perceptifs différents. Alors, Sus nous dit qu'il y a d'ailleurs une histoire vraie. De qui la tiens-tu De quel éthologue la tiens-tu D'un gang de chillons, cinq frères et un collègue <laughs> Décrit comme ça, c'est plutôt drôle. À qui la soif de pouvoir est montée à la tête. Et au lieu de combattre un mâle pour lui voler son harem. Ah, attends, j'ai raté là. Ils ont combattu des tas d'autres mâles, étendant leur territoire. Puis ils se sont mis à tuer eux-mêmes des femelles et à s'entretuer. C'était vraiment des lions C'est sûr que c'était pas des gens, tout simplement, ce que tu ça décris plus... des... Ça ressemble beaucoup à des gens. pas hein. des Borgia, par hasard <laughs> Ouais, euh, ou des macronistes, hein, ça ressemble un petit peu à une séance normale, euh, ministérielle. Mais euh, non, pas comme les loups, dis-je. les loups, les ados qui partent rencontrer des ados. Ah, les ados qui partent rencontrent des ados qui partent du sexe opposé et font ainsi une famille. Ah, pas Ah, d'accord. D'accord, c'est ce qu'on appelle à tort une meute de loups, mais en fait c'est un mâle, une femelle et leurs petites, plusieurs générations. Ceux qui ont décidé de ne pas quitter la famille. ouais, je vois, je vois le genre hein, qui reste chez papa et maman jusqu'à 30 ans. Ah, ouais, ouais. On, on voit bien le genre de look, c'est. Je Loulou. Voilà, raison pour laquelle seul un couple se reproduit, les autres sont frères et sœurs. Alors, c'est des lions qui sont un peu pris pour des humains, faut croire. Oui, c'est l'image que ça donne. Hein. Franchement, là, pour le coup, ce que tu me décris m'a l'air terrible... <laughs> terriblement humain. Bon. Euh, donc voilà pour la situation de notre beau récit euh, Baxandalia récit à la fois de l'intelligence des formes et puis du, du cadre finalement euh, de euh, comment on pourrait dire ça, du cadre de l'enquête que propose l'historien pour euh, sur le, les motivations à être d'un tableau, le, 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 toutes les suppositions sur lesquelles on fait reposer la nécessité à un certain moment, salut Samusasa, de produire une image qui va bien. Donc Bach-Sindal, on a épuisé quelques propositions. Il a surtout évidemment mis à mal, avec beaucoup de finesse, le comment on pourrait dire ça, la connaissabilité de, du cadre d'un du, projet et d'une intention artistique à la base d'une création, mais surtout en dehors de cette connaissabilité, donc du fait de, de pouvoir ou pas être saisie, être déduite également de la durée effective de l'intention. C'est-à-dire qu'effectivement, salut Louisa, il se trouve, a priori, hein, que les directives, l'intention, sont solubles dans euh, l'exercice même de la création, qui a lui-même une temporalité, qui a une durée. Et cette durée, bah, elle est changeante. Comme disait mon vieux prof Gilles Leguennec, la pratique est imaginante. Et à partir de là, elle est également, vous pouvez l'imaginer, très transformante. Donc peu importe hein, qu'il y ait eu effectivement des directives très claires, très, très lisibles, euh, très énoncées, Alors, ça, on l'avait vu ensemble puisque je vous avais amené un préfet, hein, vous savez, le, en gros le bon de commande d'une certaine manière qui pouvait être euh, fourni à un peintre pour lui passer commande d'un tableau. On avait pris le... le préfet d'un tableau d'Anguirre en carton, de la grand, du grand couronnement de la Vierge. Euh, de Villeneuve-les-Avignons. Et on avait vu ensemble, évidemment, toute la, la plasticité, finalement, qui s'offrait à lui de tenir vraiment compte dans les détails de ce qui lui était dit. Et on peut l'imaginer, d'avoir réussi, tout simplement, euh, avec ses commanditaires, bah, à leur faire accepter cette plasticité comme euh, bah, les conditions normales pour produire des images, au fond. Le sens, il se motive aussi euh, dans cette espèce de durée qui n'est pas que celle, finalement, de. Bah, des transformations historiques du sujet qui existent. Enfin, en gros, il se passe des trucs entre le moment où vous décidez de faire une toile et euh, le moment où euh, vous, vous, vous rentrez de plein pied dans sa réalisation et le temps que ça prend pour la réaliser. Il se passe beaucoup de choses qui peuvent changer euh, votre désir, votre vision, etc. Il y a des, des tas d'événements de, qui peuvent complètement dévier ça. Salut Sarah. Et ces événements peuvent venir de toutes sortes de choses. On avait pu voir dans la construction au début du, du pont sur le force que ça peut venir tout simplement d'une rencontre hasardeuse et fructueuse avec tel technicien qui offrait une opportunité par son savoir-faire bah, de transformer la forme même de votre objet, de votre pont, puisque ça permettait d'alléger certaines nécessités, de les changer, de les déplacer, et donc d'ouvrir à des nouvelles perspectives formelles pas simplement un problème technique, un problème technique, il est porteur d'un dialogue hein, avec la matérialisation, avec la réalisation, avec la faisabilité des choses, et euh, on pourrait dire avec l'orchestration sentimentale finalement de la construction. Voilà. Voilà, voilà. Donc le chapitre de ce soir, c'est le dernier, et oui, on arrive à la fin, et euh... c'est chouette. On va voir comment, euh, comment notre bac sindal va, va finir cette affaire, où il va nous conduire, à quel point l'orgue il va mener son forme de l'intention. Voilà, j'espère que vous êtes installés, que vous êtes bien. On va pouvoir y aller. Hop. Vous n'avez pas de questions à poser avant qu'on démarre, c'est bon Vous me dites, n'hésitez hein, pas. C'est parti, où j'ai foutu s'en cendrier, il est là. Trois fonctions des mots anciens nécessité, étrangeté et super-ostentivité. Je ne sais pas encore ce qu'il entend par super-ostentivité c'est un concept qu'il va développer dans, dans son chapitre. On ne va pas tout de suite sauter sur la question définitionnelle. De la même manière, il va parler de plusieurs trucs, et notamment à un certain moment euh, de ce qu'il appelle, euh, je crois, euh, la théorie euh, des baptêmes. Euh, donc, moi, je n'avais jamais entendu parler, théorie des trois baptêmes. Donc j'ai dû chercher un peu à ce propos. Et en fait, je n'ai pas rencontré, en tout cas pas sous cette forme ailleurs que chez lui. Donc il va falloir compter finalement sur Baxindal et puis sa façon de définir les choses, d'en parler, pour donner du sens à cette théorie. Et de la même manière, super ostensivité, je pense que ça va être très lié à sa propre position théorique. Donc on va voir ça. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi s'est donné tant de mal pour ne rendre que à demi une catégorie qui traduit un type d'intérêt visuel propre aux hommes d'une époque Donc vous avez compris dès le départ, il avait posé cette question de l'intérêt visuel qui était un, un subtil mélange de réalités socio-historiques définissant les rapports de, on pourrait dire, d'une société à un moment M avec la fabrication des images. Et donc, euh, c'est une façon intelligente de passer au-dessus de la question euh, des usages ou de la mode pour en faire plutôt un phénomène de construction collective, mélange de culture et de désir, si vous voulez. Ce serait une erreur de revenir au projet de reproduire les mécanismes intentionnels de la pensée de Pierrot sur un mode narratif. Ce projet, par ailleurs, serait bien difficile, vous imaginez bien, à, à, à mettre en branle. On ne voit pas très bien comment on pourrait l'atteindre, hein. euh, comment on pourrait toucher à ces mécanismes d'intention de la pensée de Pierrot. On parle de Pierrot de la Francesca, vous vous souvenez On était sur un, ceci. Attendez. Euh, hop. Qu'on qu se remette dans le bain, on était sur le baptême du Christ de Pierrot de la Francesca. D'accord Donc c'est autour de ce tableau qu'on finit le bouquin. Mais on pense parfois que c'est dans cet esprit que la critique inférentielle s'intéresse aux termes du passé. Donc on pense parfois que c'est ce que cette critique chercherait finalement à atteindre. Et on s'empresse de nous rappeler une fois de plus qu'il n'est pas possible d'entrer dans la pensée des hommes comme je viens de le faire de notre époque. Et qu'en persistant dans ce projet, on risque les pires déconvenus. Donc il nous met en garde de ne pas surinterpréter le désir d'une critique dite inférentielle que c'est pas ça que cette critique voudrait toucher. Elle ne voudrait pas toucher effectivement cette chose parfaitement intouchable, qui serait euh, le désir ou l'intention d'un artiste à telle ou telle époque à fortiori quand celle-ci est désormais aussi éloignée de la nôtre. Alors, inférentiel, rapidement, je vous l'avais déjà dit, hein, mais euh, comme le terme est employé souvent euh, par euh, Baxendal et que vous avez peut-être oublié, je vous rappelle, inférentiel, c'est donc relatif au mode des propositions logiques par. L'inférence, hein. euh, si vous voulez, c'est une espèce d'enquête de, sur des propositions. L'inférence, ça, ça se détache pour ça ben, du mode descriptif de la référence. Donc ça part plutôt des propositions, des énoncés, d'un faisceau de propositions, et ça conduit à travers un faisceau de propositions, à partir d'un faisceau de propositions, d'un maillage de propositions, l'inférence euh, conduit son chemin logique. C'est une conduite de pensée. Par l'inférence, par elle, quand vous êtes devant une proposition, devant un ensemble d'affirmations, alors vous savez pas encore si ces affirmations sont des affirmations vraies ou des affirmations fausses, vous allez les mener à une conclusion. Ces affirmations par vos inférences, vous allez inférer. Et vos inférences, ben, je vous l'avais dit la dernière fois, il y a deux types d'inférences. De, hein. a des déductions. Alors, ça c'est purement un travail logique, ça découle logiquement des propositions. En gros, si vous avez déjà fondé une, une certitude sur le statut euh, de vos prémices, de, de vos premières propositions, si vous avez déjà établi en quelque sorte leur statut de vérité, vous pouvez déduire à quelque chose de leur cohabitation, de leur intrication, etc. La déduction, c'est une inférence logique donc, qui va être, permettre d'être tirée de vos propositions. Et sinon, l'autre... Je vous l'avais dit aussi, mais on ira bien. Ça ne sert pas à rien de temps en temps de répéter répéter encore. Parce que ce ne pas des notions euh, si simples finalement. Hein. Elles ont l'air comme ça, très très simples, très banales. Mais euh, on les, déjà, on ne les formule pas. Donc, c'est le grand intérêt de ce genre de choses. C'est de s'arrêter un moment. Et dire, bah, ces choses qu'on manipule plus, plus ou moins intuitivement, on prend rarement le soin de les formuler. Et de, de dire, euh, quelle est la forme de ce que je sais exactement Donc, déductive, les déductions ou... Inductive, les inductions, c'est enfin, un autre type d'inférence qui est plutôt probabiliste, plutôt statistique. Et là, par euh, bah, extension logique, depuis des choses qui sont plus évidentes, plutôt des lieux communs, qui, en tout cas qui, qui semblent tomber plus ou moins sous le sens, eh bien, vous les entraînez pas à pas vers des choses plus inévidentes. Vous allez de propositions singulières vers des propositions plus générales. Voilà. Déduction, induction. Il vaut donc mieux justifier notre position, donc la position, la fameuse critique inférentielle dont, dont il nous parle, et mis à part quelques motifs mineurs, comme le plaisir qu'on peut prendre à explorer et les richesses lexicales d'une époque, ou à mettre en avant un mot pour révéler des goûts pour l'inférence, ou la position du producteur, il semble que nous ayons trois raisons essentielles de persister dans ce projet. Donc euh, les, les exemples, enfin, la, la, il joue lui-même hein, en, en rappelant euh, que en tant que théoricien, en dehors du, je dirais, des motivations euh, apparemment rationnelles à théoriser sous telle ou telle forme, Bakhtin n'oublie pas de nous rappeler que le plaisir à théoriser est assez fondateur finalement de telle ou telle voie. La première et la plus évidente et que nous ne possédons plus aujourd'hui de catégories ou de concepts tels que la « commensuration ». Vous vous souvenez, hein, euh, comme il l'avait dit lui-même dans le chapitre précédent, l'emploi du mot « commensuration » qui revenait hein, dans les théories de l'image de cette époque, que ce soit sous le, la plume de Pierrot de la Francesca ou celui des intellectuels et des chercheurs de son, de son époque, euh, le mot « commensuration » Apparaît et renvoie à la mise en œuvre dans l'arrangement général du tableau de principes, des principes mathématiques. Je vous avais dit au fond, ça n'était pas très éloigné de ce que les Grecs appelaient la symétrie, hein, qui conduisait à ces principes, à une interaction étroite, voire une imbrication, euh, qu'on appelle nous, euh, perspective et proportion. Voilà. Ce serait ça, ce serait cette combinatoire, en gros, à laquelle renverrait la commensuration. Mais c'est un concept propre à cette période, et dont parle pas mal, d'ailleurs, hein, comment hein, Daniel Arras, dans ses essais, sur, euh, notamment sur les annonciations de Frangelico, il parle beaucoup de la fonction du commensurable et euh, du dialogue constant qu'il y a entre l'objet incommensurable, c'est généralement euh, des sujets mystiques, spirituels, donc, euh, dont la seule mesure est Dieu, autant dire aucune mesure, et le commensurable qui est la construction du tableau lui-même. Comment mettre de l'incommensurable dans le commensurable C'est une chose qui revient souvent dans la théorie de Daniel Arras. Alors, il y a aussi les abductions, et c'est avec les extraterrestres, c'est vrai, Dr. Wax, c'est vrai, et ça n'a donc aucun rapport d'habitude. Euh, cependant, nous devons être prudents, car il serait faux de dire que nous ne partageons aucune des catégories de l'Italie du XVe siècle. Même si les systèmes de référence ont changé, les théories d'Euclide valent toujours. C'est aussi le cas d'un concept comme celui expliqué par le mot proportion. Alors, euh, Euclide, je suppose que vous voyez qui c'est, grosso modo, je pense qu'on en a tous... Euh, on a tous eu le droit à un petit peu à de en mathématiques. Voilà, je suis un mathématicien, donc je sais pas, je crois qu'on ne sait pas grand chose sur sa vie. Ça devait être autour de 300 avant l'ère chrétienne. On n'est même pas sûr qu'il soit, euh, qu soit grec, même s'il si vivait en Grèce, après tout, il pourrait aussi bien être égyptien, je crois. Il a fondé, c'est de ça dont on parle, hein, une science de l'espace et du plan. Avec bah, pour seul instrument de mesure, vous pouvez bien vous en douter, pas grand-chose. Donc une règle et un compas, qui sont restés, hein, les instruments de base, finalement, de la, la pensée du système euclidien. Et il va déterminer des éléments qui seront fondateurs de, des calculs géométriques. Point, segment, droite, demi-droite, plan, R, cercle, voilà. Et il va déterminer en, en, des rapports, des règles pour la mesure des figures. Voilà, voilà, voilà. Mmh. Donc, ces concepts euclidiens sont toujours valables aujourd'hui, même s'ils étaient plus fondateurs des rapports à, euh, des Italiens du XVe siècle à la pensée de l'espace, ils n'ont pas disparu, ils ne sont pas dissous dans le temps. Même si les gens de l'époque les utilisaient autrement ou faisaient usage d'un mot de forme tout à fait différent. Les concepts, même s'ils ne sont pas universels, sont partagés par des cultures à des époques différentes cependant, lorsqu'on en fait un usage à travers le temps pour se rapprocher de ceux qui les utilisaient, ils deviennent des concepts très généraux, presque aussi généraux que les signes mathématiques eux-mêmes tels que et ou qu'on utilise pour représenter certains d'entre eux. évidemment, vous, vous doutez bien que, à partir de là, le danger est grand hein, de, de confondre, hein, de déshistoriciser, par exemple, les catégories logiques. Bon, on a souvent parlé ensemble de, de mon goût pour euh, les logiciens, euh, du e et du treizième, qui font reposer sur Aristote leur logique formelle, mais vous pouvez imaginer que même en conservant le vocabulaire aristotélicien à travers les âges pour la logique formelle, en fait la plupart des concepts manipulés, même à l'intérieur de ces systèmes logiques, se sont déplacés entre Aristote, euh, euh, Guillaume de Cam, et plus tard au XXe siècle Russell. On ne va pas abandonner tout un un vocabulaire et pour autant, euh, faut être méfiant si on, on pense qu'à travers ça, on, on est tout le temps, à travers le temps, en train de parler d'exactement la même chose. Il y a une grande ductilité au fond du concept aussi. Pourtant, ce qui nous intéresse, c'est une qualité particulière. Il s'agit de différencier le terme de proportion, c'est-à-dire de, de le dégénéraliser pour mieux le qualifier. Ce que nous voulons saisir, c'est la couleur exacte de la proportionnalité chez Pierrot. Ce qui veut dire que nous allons devoir quitter ce niveau de généralité pour nous tourner vers des catégories moins stables dans le temps et plus directement liées à une culture particulière, la sienne ou la nôtre. Bon, avec ceci, évidemment, euh, qu'on doit garder en tête, vous pouvez l'imaginer, je pense que ça ne vous échappe pas. Euh, Attends, je vais légèrement la caméra, j'ai un peu tendance à aller plutôt vers là, voilà, comme ça, on reste un petit peu dans le champ. Salut maman, comment vas-tu Vous pouvez imaginer que euh, chaque concept étant observé bah, depuis le présent, on pourrait faire tous les efforts du monde pour circonstancialiser, pour contextualiser une idée, une image. Nous l'atteignons depuis le contemporain, c'est-à-dire nous l'atteignons par le prisme même de cette longue histoire hétérogène et impure du concept. À partir de là, d'une certaine façon, c'est toujours le contemporain qui l'emporte dans la détermination des objets qu'on embrasse, même si ce sont des objets du passé. Nous ne pouvons évidemment pas y échapper, on ne peut pas faire semblant d'être ailleurs, de quoi qu'il s'agisse, c'est toujours le contemporain qui l'emporte à la fin comme position. Donc, euh, ça veut dire aussi que quand bien même la notion d'anachronisme euh, peut avoir un sens, elle peut... Elle peut, comment dire, elle peut être envahissante des fois dans les obsessions de certains historiens d'art. Euh, elle reste relativement insoluble. Il ne faut pas être obsédé par l'anachronisme au point de ne plus oser penser imprudemment, de ne plus oser avancer vers les objets du passé, parce que de toute façon nous n'avons pas de choix. Et mieux encore, il n'y aurait pas vraiment de sens à le faire, puisque l'idée, au bout du compte, est de féconder le contemporain par les idées. Donc retour sur contemporain, de toute façon, au bout du compte. L'idée n'étant pas d'aller expliquer à Piero de la Francesca ce qu'il est en train de foutre, mais bien nous, de tirer de ce qu'on va en comprendre quelque chose pour notre rapport à Piero de la Francesca, autant dire qu'on fait un va-et-vient du contemporain vers le passé et du passé vers le contemporain. Notre culture n'offre aucun terme qui est le sens précis de commensuration. Son sens vient en grande partie de l'histoire des différents usages qui en ont été faits. Histoire dont j'ai essayé de rappeler brièvement les étapes. Une traduction du grec, le concept aristotélicien du beau, l'annexion euh, partielle euh, de ce que Cennino Cennini entendait par disegno et colore, donc euh, dessin et, et culture. Alors, euh, vous vous en souvenez peut-être, on a parlé un peu de Cennino Cennini, c'est un peintre. Euh, qui est resté pour nous plus important euh, non par rapport à sa peinture hein, par ce qu'il a écrit que par ce qu'il a peint euh, je suis pas sûr qu'on connaisse grand chose par ailleurs de la peinture de Cennino Cennini donc il est beaucoup connu par nous euh, et par les historiens d'art d'une façon générale essentiellement pour un bouquin qui s'appelle le Libro dell'arte le livre de l'art quoi et c'est un traité de peinture un traité extrêmement important c'est pas le premier il y en a eu d'autres avant lui il y en a d'autres qui sont célèbres il y a le traité de Moine Théophile mais euh, celui là est est un peu particulier parce que réellement, ce n'est pas, pas un livre de compilateur chimiste euh, euh, qui, qui, euh, qui tourne autour de la question art de façon beaucoup plus hétérogène, non, il est vraiment dedans. Par exemple, quand euh, Pline l'Ancien euh, écrit son histoire naturelle, je crois que c'est le livre 30, 35 ou 31, un ben, des deux, je crois que c'est 35, euh, qui est consacré à l'art. Vous, y, vous seriez surpris de, de voir que sa façon de tourner autour mêle les pans qui vous sembleraient extrêmement différents d'un point de vue épistémique de euh, l'analyse. Ah oui, il parle à la fois de vie de peintre, mais aussi euh, de, euh, de l'extraction de tels minerais. Enfin, tout ça a l'air un peu bordélique. Bon, Cenino Cenini est vraiment tout autour de son objet. Ah, il, a, il a, comment dire, ça, ça reste un peintre, donc c'est en tant que peintre qu'il a écrit ça, c'est important quand même. C'était un élève d'Agnolo Gaddi, donc euh, il, a, il a peint avec lui, il a peint des fresques à Florence. Et à partir de là, sa position est différente. C'est plus seulement la position du savant, comme c'était celle du moine Théophile par exemple, ou de Pline. Donc, euh, l'annexion partielle de ce que Cennino Cennini entendait par disegno e colore, l'apparition d'un terme mathématique en lieu et place, du terme albertien de composition. Donc, le terme albertien, on parle là de Alberti, le célèbre théoricien de la Renaissance et notamment théoricien de la perspective mathématique. Type assez important, mais je crois qu'on en a déjà causé pas mal. Euh, penser sur le modèle du langage. Et enfin, l'imbrication progressive des deux notions de perspective et de proportion. Qui ne peuvent pas, à vrai dire, aller vraiment l'une sans l'autre. En gros. L'idée de la perspective comme geste fondateur de l'espace, c'est d'être habité. Et s'il doit être habité par des figures, par la figuration, alors son histoire est étroitement liée à celle de la proportion. Ce ne sont pas là des significations faiblement reliées au terme commensuration, pas encore qu'il ait pu avoir une valeur affective forte. Ce sont les constituants même d'un concept défini dans l'usage. Et ils le rendent compte d'une manière distincte d'aborder et d'organiser l'expérience. Or, nous avons besoin du mot commensuration pour rassembler un ensemble de qualités liées dans la peinture de Pierrot. Donc là, je vous remets devant euh, le, euh, comment, le bouquin de Pierrot de la Francesca. Voilà, qu'on qu ne s'y perde pas. Puisque c'est bien de ça dont il va être euh, devant ce tableau. J'ai dit bouquin. Hein. Euh, devant le tableau de Pierrot de la Francesca, à savoir son baptême. Et puis on, va, on va avancer dans le texte en quittant pas de l'œil l'image qui en est en vérité l'objet. La seconde raison tient au fait que comme nous aide aussi à rendre étrange Pierrot et son tableau. Bon, je dirais que Pierrot n'a pas forcément besoin de ce concept pour que nous soyons confrontés à son étrangeté. Mais c'est bien de temps en temps de nous rappeler ça. Juste ça. Quand on regarde les tableaux de la Renaissance, on est tellement accoutumé à les manipuler par le concept, par l'histoire, par la définition, par la détermination historique, et par l'usage qu'on en a, et notamment l'usage de les affubler de certains termes évidents, la beauté, la Renaissance, le canon, l'idéal. En fait, tous ces mots font un peu obstacle à notre regard, ils font écran à un certain moment à notre façon de regarder ces tableaux, et on oublie assez facilement leur profonde étrangeté. On oublie de voir ce qui, en elle, est toujours immensément étrange, mal foutu, bizarre, impénétrable, absurde, aberrant. Comment euh, toutes ces figures, au fond, échappent à l'idée complètement incongrue dans laquelle nous avons cru devoir plonger la Renaissance comme un âge du réalisme. Les peintres et sculpteurs de la Renaissance seraient soucieux, croit-on, d'un réalisme qui renverserait à ce moment-là euh, l'ordre des rapports aux images euh, qui n'existaient pas, dit-on, au Moyen Âge puisqu'on dit sur le Moyen Âge autant de choses aberrantes que sur la Renaissance. Donc ne l'oublions pas, la Renaissance c'est un coup de force théorique Coup de force qui est décisivement euh, tenté par un homme, hein, Vasari, euh, assez tardivement au XVIe siècle. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui coule de source, pas quelque chose euh, qui est collé euh, à des réalités factuelles que sont des œuvres, des tableaux, des productions. Et à partir de là, il ne faut pas que ça fasse écran à notre regard. Il faut que nous soyons encore capables de regarder l'étrangeté, la belle, fascinante étrangeté. Des tableaux de Uccello, de Piero della Francesca, de Botticelli, de Guirlandaio, etc., etc. Nous voyons beaucoup de tableaux, et le baptême du Christ ne fait pas exception là, à la règle, à travers le terrible vernis, bon, il parle finalement, de, je crois, de ce que dont je viens d'évoquer, d'une fausse familiarité qui finit par constituer une carapace que la réflexion a bien de la peine à briser. On retrouve peut-être là le syndrome du musée sans mur, mais le problème semble venir surtout de l'art lui-même. La plupart d'entre nous ne sommes pas des exécutants habiles dans ce domaine, en tout cas pas à ce niveau de réussite. Le contraste avec le langage, nous sommes tous des exécutants incroyablement habiles, n'est-ce pas Et particulièrement frappant. En gros, nous sommes habile à décrire et peu habile à peindre, mais je dirais personnellement que globalement nous sommes aussi peu habiles à regarder. Et je pense que c'est le même problème par ailleurs. À partir de là, on a tout fait de placer entre la chose et nous tout l'univers des descriptions. Par la familiarité évidemment que ces descriptions nous offrent de quelque chose qui nous échappe. Nous percevons immédiatement la distance qui nous sépare d'une langue ancienne, parce qu'elle diffère de la nôtre. Un tableau du XVe siècle, hormis peut-être quelques détails du sujet comme le costume, est moins évidemment éloigné de nous que l'anglais de la même époque. Alors évidemment, tout ça est illusoire. Il aura fallu le vernis d'une familiarité construite par l'histoire euh, des relations sociales et historiques avec les tableaux. Pour que la peinture de Piero della Francesca nous choque moins au regard que l'anglais du XVe siècle nous choquerait à l'oreille, mais évidemment tout ceci se dissout dans notre regard dès l'instant où on le pose vraiment sur ce tableau et comprendre notre temps pour le faire C est très important. Qu'on commence à détailler, à laisser la, le tableau se révéler devant nous avec toute son intensité et son intense étrangeté. D'une certaine manière même, il est moins éloigné de nous que le portrait de Kahnweiler de Picasso. Une offre, réellement historique, demande donc souvent qu'on commence par faire l'effort de comprendre à quel point un tableau et l'esprit qu'il a conçu nous sont étrangers. Ce n'est qu'à cette condition qu'il deviendra véritablement possible de, se, de saisir ce que ce tableau a humainement de commun avec nous. Pour nous rapprocher de Pierrot tel qu'il est, nous devons commencer par le mettre un petit peu à distance. En faisant allusion à l'idée de rendre étrange, je n'entends pas bien sûr défendre la fonction poétique du procédé, encore qu'il respecte l'esprit du romantisme. Comme le dit Novalis, le romantisme s'attache à rendre le familier étrange et l'étrange familier, et ça semble un bon programme critique. Ne pas le faire est en tout cas une des causes principales d'erreurs historiques pures et simples. Je ne vous rappelle pas qui est Novalis, on en a parlé la dernière fois. Hein, donc, euh, le... Je vous rappelle juste brièvement euh, que c'est un poète et un romancier romantique important du premier cercle des romantiques, du cercle d'Iéna, avec Goethe, Schiller, Schelling et ses Ozola, Donc allemand. Enfin, il est né au royaume de Saxe. Voilà. <coughs> On ne va pas s'étaler. Je l'ai fait la dernière fois sur euh, certains aspects de son œuvre. Des concepts étrangers à notre culture, comme commensuration, ont un rôle important à jouer dans ce processus, non seulement parce qu'en les étudiant, on appréhende mieux la distance historique, mais aussi parce qu'au sein de notre propre analyse du tableau, il marque continuellement le contraste entre les gens étudiés et nous. <coughs> d'une certaine manière, ils mettent précisément en lumière notre incapacité à reconstituer complètement l'esprit d'une époque. Mais à vrai dire, faut bien comprendre que un des, enfin, un des aspects par lesquels ce projet est particulièrement insensé, c'est qu'il n'est pas plus porteur d'espoir dans le contemporain. Je veux dire, nous sommes également incapables de situer l'esprit de notre époque parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qui serait euh, vraiment déterminé, clair, limpide et homogène, qu'on pourrait appeler l'esprit du XXIe siècle. Je dirais même l'esprit des années 2020 en France, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre. Nous en sommes bien incapables. Donc, ça aussi, c'est pas mal de garder ça en tête euh, quelque part. Commensuration marque symboliquement la présence de la pensée de Pierrot dans notre réflexion. Lui faire place, c'est déjà avoir accès à un petit peu de théorie. Un terme comme commensuration prend en effet son sens dans un ensemble de distinctions, de couplages, d'ajustements et d'emprunts qui renvoient à des concepts éloignés des nôtres. L'extrême étrangeté de tous ces mots a quelque chose de merveilleux. Et même si ce sentiment s'efface par la suite, cette sorte de demi-vie peut durer très longtemps. Curieusement, quand un de nos concepts vient d'un mot ancien qui a changé de sens, l'impression de distance est particulièrement forte et tenace. Pour saisir cette tension, il suffit de comparer splendor, donc tel qu'il pouvait être employé par exemple au XIIIe siècle, et l'actuel splendeur. Donc euh, splendor, au XIIIe, j'imagine qu'il avait encore son sens latin euh, d'éclat. De, de brillance, salut Donio, comment vas-tu? Et aussi d'une certaine perfection de la forme. Bon, il n'a plus du tout euh, cette position-là, le terme Splendor. Diseño, au XVIe siècle et dessin. Effectivement, en designant au XVIe siècle, vous l'ai déjà dit. Il a encore ce double sens noétique et noématique, celui du spéculatif et euh, on pourrait dire du, du formalisé. Il est à la fois le dessin E-I-N et le dessin IN. Il est encore tout ça en même temps, tenu en un seul mot. Il a cessé de l'être après le XVIIe siècle. C'est une autre histoire, on pourrait en parler. Mais alors, au XVIe, il a encore ce sens-là, ce, ce rassemblement-là. Euh, Donio a réussi à nous pêcher encore un abominable cœur que je ne connaissais pas. Où as-tu été pêché cette horreur De comparer encore sentimental au XVIIIe siècle et sentimental aujourd'hui. Alors, sentimental, moi je me suis demandé qu'est-ce qu'il signifiait encore au XVIIIe siècle, qu'est-ce que ça voulait dire donc j'ai fait le truc pour de vrai, je suis allé chercher dans le dictionnaire critique de la langue française qui a été publié par moi aussi au 18e, 1787. Alors voilà ce qui se disait à cette époque. Sentimental, néologisme à l'époque, qui a encore l'air un peu précieux. Le ton larmoyant et sentimental. On a voulu que la danse fût sentimentale, abbé de Fontenay. Les numéros, expression douce, naïve et sentimentale chez Mercier. Ces tirades sentimentales qui sont si à la mode et qui rendent nos écrits modernes si obscurs, si fatigants et si froids. Ce mot pourra rester dans le style critique. On l'emploie dans le Mercure très sérieusement, comme a fait M. Mercier dans le Mercure. Je suppose que c'est la, la publication du Mercure de France, des éditions littéraires. Le tableau, est un des derniers, le, dab, le tableau des derniers moments de cet infortuné est peint avec ces couleurs sentimentales qui sont le caractère distinctif des productions de M. Arnaud des couleurs sentimentales, quel jargon. Donc quelques néologues ont dit aussi sentimenter pour passionner. Cet acteur sentimente tout, <laughs> tout ce qu'il dit. Voilà. Donc vous voyez ce que, le, ce que, à quoi renvoie le terme sentimental à cette époque C'est-à-dire à cet endroit-là, un pathos exagéré. Euh, et euh, avec une fonction expressive. Voilà ce que signifie sentimental euh, dans le, le dictionnaire du 18e, dans ce dictionnaire en tout cas. Impression au 19e siècle et impression au 20e siècle. Alors, je vous ai trouvé ce que voulait dire impression euh, dans le dictionnaire de l'Académie française de 1832. Et en fait, pour avoir comparé les deux, ce n'est pas très différent de l'édition précédente, donc celle de 1798. Euh, impression, action par laquelle une chose appliquée sur une autre y laisse une empreinte des traits, ou le résultat de cette action. L'impression d'un corps sur un autre. L'impression d'un cachet sur de la cire. L'impression d'un seau. Donc, tous ces sens-là, impression là encore, c'est pas été si léger que le sable en recevait à peine l'impression. En termes d'anatomie, impression digitale, légère dépression qu'on observe à la face interne des os du crâne et qu'on dirait faite par l'impression des, des doigts. Pardon. Impression se dit particulièrement de l'action ou de la manière de tirer des, en, des empreintes d'une surface où il y a des creux ou des saillies propres à se charger d'une couleur qui par compression se reporte sur une autre surface. Donc tous ces termes hein, d'estampage de, en fait ou d'empreinte. Euh, ouais. L'action d'imprimer un livre, tatati, tatata. Et... On finit sur. Impression se dit aussi de l'effet que l'action d'une chose quelconque se produit sur un corps. Il est sensible aux moindres impressions de l'air, aux moindres impressions du changement de temps. Il se dit quelquefois de ce qui reste de l'action d'une chose à exercer sur le corps. Impression se dit figurément de l'effet qu'une chose quelconque produit dans le cœur ou dans l'esprit. Donc, le caractère passif de, de la réception d'une information sensible, par exemple. Et donc, effectivement, quand je lis les dernières fonctions, impression, en termes de peinture, signifie la couleur qui se met sur la toile ou sur un panneau, soit à l'huile, soit en détrempe, et qui sert de première couche à l'ouvrage. Donc, une préparation, si vous voulez. Peinture d'impression, la peinture à la couche plate que font les peintres en bâtiment. Ce qui manque là-dedans, évidemment, c'est la question. Euh, de, de l'intuition. C'est-à-dire, dans le contemporain, l'impression touche surtout euh, le, le fait d'imaginer de, de, entre la, la déduction et la sensation avoir l'impression de quelque chose, cette notion semble un peu absente, effectivement, des, euh, de ce qui est proposé là dans, dans, dans ces dictionnaires. Alors, avoir l'intuition sensitive, la sensation de quelque chose. c'est n'est pas si éloigné, on sent bien qu'il y, y a un nuage sémantique dans lequel ça peut se ra raccorder, et qu'il euh, y a un devenir dans, la, dans ces définitions de l'impression dans ce sens. Mais il n'est pas encore là. Ainsi, l'usage critique des termes des acteurs historiques est une sorte d'affirmation linguistique de notre distance par rapport à la pensée d'une autre culture. Leur présence intermittente dans notre texte signale une forme d'intention à laquelle nous n'avons pas accès. Quant à la troisième raison, elle a à nouveau à voir avec ce que je disais au départ sur le langage de la critique d'art. Et c'est pourquoi je me contenterai de l'évoquer en quelques mots. J'ai suggéré au début de ce livre qu'entre des concepts et un tableau, la relation est toujours réciproque. Un concept nous permet de faire ressortir un aspect particulier d'un tableau, et en même temps, il gagne en précision, enfin le concept, hein, dans notre esprit quand nous nous reportons à ce que nous voyons dans ce tableau. Ce processus est bénéfique pour nous. L'effort qu'il nous demande nous amène à regarder le tableau de plus près. Ne pas confondre cet auteur à deux balles et partout et cet auteur sentiment en tout. Waouh! <laughs> C'est le verbe sentimenter est étrange, hein, il est assez barbare. Hein. Le nuage de fumée sémantique du cigare du vendredi. Euh, à cet égard, des concepts tels que commensuration sont extraordinairement stimulants. Comme nous ne maîtrisons pas ces concepts avec facilité et qu'ils nous demeurent étrangers, Devons être particulièrement actifs dans notre travail de mise en relation. Ce sont des concepts super ostensifs. Alors là, il a mis super ostensif avec un tiret, mais je crois que de temps en temps, il l'écrit en un seul mot, raccoler, donc comme rapproché pardon, accolé. Euh, donc ostensif, même euh, dans, dans le domaine des énoncés, dans le domaine verbal, euh, c'est ce qui sort du cadre strictement logique de la preuve pour montrer. Donc, du, du, on pourrait dire qu'on sort de la démonstration logique, on montre, on fait voir ce qu'on est en train de démontrer, ce dont on parle, et on peut le faire même en sortant du cadre linguistique pour exposer visiblement la preuve. Alors qu'est-ce que c'est un concept super ostensif J'imagine que c'est un concept qui sort l'ostentivité euh, probablement de, de son cadre. Je vais voir ce qu'il entend par là. Vérité et validation. Décorum externe, décorum interne et parcimonie positive. Il n'arrête pas de rajouter des petites touches de concept, ce Saligo, sans être bien clair sur l'endroit où il nous conduit. En ce qui concerne la directive de Piero, nous avons noté jusqu'ici que le tableau devait notamment représenter le baptême du Christ. Être de la main de Piero, et s'inscrire dans la catégorie des retables. Tout ça, on, je pense que c'était euh, au moins quelques petites choses à peu près sûres euh, qu'on pouvait dire à, à ce propos, à tes souhaits, euh, Agnès. Euh, Qu'est-ce que. On peut rapidement. Euh, alors on avait évoqué. évoqué Il <laughs> faut peut-être remettre une bûche, Agnès, si tu as le si froid. Remettre une bûche <laughs> Oui. Euh, c'est bon. bon pour les bûches. Ouais. Euh, donc, le retable, je vous l'avais dit euh, ce que c'est, mais je peux vous le rappeler rapidement. C'est un tableau d'hôtel, donc ça donne. Enfin, ouais, un tableau, bûche, pas forcément. Hein, bûche, euh, bûche. Comment dire C'est un plan décoratif vertical. Ça donne l'effet monumental d'un plan de coupe organisant l'espace liturgique, donc à proximité d'un hôtel, sur un hôtel ou derrière un hôtel. Un peu comme les grandes iconostases, vous voyez, dans les églises orthodoxes et cloisons peintes. Donc ce, le retable peut être en bois sculpté, il peut être en, en peinture, alors que bon, dans les, les iconostases orthodoxes, ce ne sont que des, des, des dizaines de, de petits opérateurs picturaux les uns à côté des autres, comme une espèce d'éventail comme ça de, de saints, la plupart du temps. Chez les orthodoxes, ça sépare la nef et le sanctuaire, ça découpe entre le plan terrestre, le plan spirituel, le plan divin, euh, l'espace liturgique. Et chez les catholiques, cette concentration d'images se situe sur ou derrière l'autel, derrière les autels, puisque... Plusieurs chapelles donnent plusieurs autels. Donc l'autel, c'est cette métaphore à la fois euh, du tombeau, euh, au départ de la table, la mensa, la table où on mange. Donc euh, on revit comme ça le moment de la commande de l'Eucharistie. Mm. Au départ, cette disposition, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, euh, prend son origine dans le culte, euh, le culte des reliques. Et. Euh, euh, c'était des superstructures pour poser les reliquaires, qu'on appelle par ailleurs des lipsanotechs, c'est des très grands dispositifs comme ça de, de reliques et de reliquaires. Et le, la table d'hôtel est devenue un véritable accessoire peu à peu de, de la liturgie, avec très souvent donc, un retable derrière, imposant, qui, qui par ailleurs, quand il est polyptique, donc quand il a plusieurs volets, salut Solarius, euh, peut participer à la vie liturgique par des gestes qui vont, euh, qui vont scander euh, l'année liturgique. Par exemple, euh, certains retables euh, s'ouvrent et se ferment selon euh, les fêtes du calendrier chrétien. Voilà. Mm. Donc, ça, c'est euh, pour le retable. Et euh, celui-ci est consacré au euh, Vatème du Christ. Alors, on a pour l'instant, euh, comment dire, on n'a pas évoqué le, le sujet lui-même, parce que, bon, j'ai. J'ai pensé à comment qu'il vous était euh, qu'il vous était familier, mais on peut en parler un petit peu. C'est important parce que ça peut nous permettre peut-être au cas par exemple où ce côté euh, historico-combinatoire du baptême qui est inscrit hein, dans, dans l'histoire de ce moment-là du Nouveau Testament. Euh, soit pris en charge, pris en compte par euh, Piero della Francesca, alors on le comprendra mieux en le regardant ensemble ce tableau, à quel endroit, à quel moment, euh, ça viendra s'inscrire, finalement, comme peut-être, on ne sait jamais, hein, une espèce d'avancée dialogique à l'intérieur du tableau. Donc c'est quoi ce, euh, comment, euh, ce baptême Vous le savez, le baptême euh, du Christ se déroule dans le jardin, dans, le, dans les eaux du Jourdain, et pas du jardin. Dans les eaux du Jourdain, euh, ce baptême, donc c'est un geste lustral, un geste purificateur. D'où vient-il On pourrait imaginer qu'il vient tout droit d'un rite juif, comme beaucoup, euh, je dirais, de, de la construction de la première église, mais... C'est non, en fait, pas vraiment. Enfin, en tout cas, c'est pas la longue histoire euh, du geste lustral. puisqu'il y a eu euh, un revival du baptême, c'est important parce que c'est lié directement à la personnalité de saint Jean le Baptiste. Ce geste euh, purificateur avait disparu des pratiques juives. Il a été réactualisé en fait par Élisée. Euh, Élisée, c'était un disciple du prophète Élie. Et Élisée va rétablir ce geste. Hein, je ne sais plus, à, à, j'ai plus en tête exactement le, le passage. Euh, J'aurais dû aller vous le chercher, je suis con. Mais toujours est-il que ça se passe comme ça. Élisée rencontre Naaman, le lépreux. C'était un général païen, un général du roi d'Aram, atteint par la lèpre. Il le plonge cette fois dans les eaux du jardin pour le purifier. Et euh, Naaman, le lépreux, guérit se convertit. Alors, on dit, quand je dis on, on dit doxalement, on dit pas au bistrot, hein, on dit que Baptiste est le précurseur du Messie, qu'il annonce son avènement, et pour ça on le compare à Élie, parce que le prophète Élie aurait fait ça, enfin il l'aurait fait selon la lecture typologique. La lecture typologique, c'est une lecture par laquelle les chrétiens comparent les événements de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ils comparent les deux alliances et trouvent des va-et-vient comme ça. Euh, euh de typologie, euh, trouvant comme ça un moyen, c'est une chose que vous verrez très souvent illustrée sur les, les devantaux d'un grand portail d'église, par exemple. Il y en a des très significativement beaux, euh, comme celui par exemple du Duomo euh, de Pise. On compare comme ça, pas à pas, tel moment euh, de l'Ancien Testament au Nouveau. Alors on peut comparer par exemple, comme c'est le cas du jubé par exemple de, de Albi, on compare euh, Jonas et la baleine et. Au moment où Jonas sort de la baleine, on compare ça au moment de la résurrection, comme si c'en était une espèce de métaphore préparatoire. Euh, dans cette typologie ancienne, enfin, dans cette typologie pardon, qui fait dialoguer l'ancien le Nouveau euh, Testament, eh bien, on fait du, euh, comment, du Baptiste la réincarnation d'Élie à cause de cette annonce que l'on veut lire chez Élie euh, de l'arrivée du Messie. Mais pour autant, euh, c'est Élisée qui, par l'onction lustrale, va restituer le baptême par l'eau, et euh, on pourrait dire que, de ce point de vue, le Baptiste est très largement aussi le, le la réincarnation d'Élisée, pas seulement d'Élie, donc de son disciple. Et, alors, ce que vous voyez là au-dessus de la tête du Christ sur l'image, c'est évidemment le Saint-Esprit. Euh, pour une raison simple, ce n'est pas un choix euh, comment, arbitraire de Piero della Francesca. On regardera d'ailleurs, si vous voulez, tout à l'heure quelques, euh, quelques autres représentations de ce moment, bah, faites par d'autres peintres. Les, la plupart du temps, l'Esprit Saint y est sous la forme d'une colombe, parce que ça renvoie directement à une théophanie, c'est-à-dire une manifestation du divin. Qui est orchestré à ce moment-là, à partir du moment où le Christ est baptisé. Alors, ah, chez Saint Luc, euh, littéralement, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et suite de la théophanie, et du ciel, il y eut une voix Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mes complaisances. C'est-à-dire que nous avons, à ce moment-là, une cohabitation des trois hypostases, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au moment de cette théophanie. Donc le Jourdain, l'endroit où il est euh, où il est comment euh, baptisé par euh, Jean le Baptiste, c'est une limite infranchissable pour Moïse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moïse s'arrête, ne pénètre pas la Terre Promise, ne traverse pas le Jourdain. C'est Josué son successeur, qui va achever la mission et conduira les Hébreux vers la terre promise et va traverser le Jourdain. Il est cette limite. Donc il va, Josué va mener la conquête du pays de Canaan, va franchir le Jourdain et va y installer les tribus d'Israël, ce que Moïse n'avait pas pu faire. Et ici, alors, au moment du baptême du Christ, ce qui se passe, donc euh, comment euh, le baptiste restaure d'une certaine manière un rapport euh, à la terre promise un rapport spirituel et symbolique, et le baptême permet de franchir, cette fois-ci le Jourdain comme frontière symbolique, c'est de franchir le territoire pécamineux, la terre des, des péchés, de se laver de ses fautes pour toucher à la terre promise, à la terre promise spirituelle. Et donc le Christ, à ce moment-là, par son propre baptême, dit quelque chose de son ministère. Il nous dit quel va être son fardeau, puisqu'il se fait baptiser, il parle donc du péché, il parle du péché euh, à laver, et vous vous doutez bien qu'il ne parle pas du sien, puisqu'il est censé être fils de Dieu, faut pas déconner quand même. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il affirme euh, la prise en charge des péchés du monde, pas ce baptême même. Il nous dit, enfin il dit aux chrétiens, pas à moi, qu'il épouse et qu'il prend en charge les péchés du monde. Voilà. Alors. Ça te fait penser à la fin de la planète des singes, la dernière trilogie en date. Ça se trouve, ils sont inspirés de la planète des singes pour écrire le premier testament. <rire> <rire> Belle hypothèse, <elle> juste... <laughs> Alarius. Le Messie est annoncé par une étoile on pense donc faire une étoile de Baptiste. Tu vois qu'ils vous êtes en pleine forme. Ça va donner ce soir, les calembours merdiques. Je sens que ça va donner. Alors, euh, bienvenue à vous, euh, chers calombordeurs et calombordeuses. Continuons donc. On a trois termes à peu près certains. Ça représente le baptême du Christ. C'est fait par Piero della Francesca. Et ça s'inscrit dans la catégorie des retables. Voilà. Nous avons décomposé ce genre. On a parlé du genre la dernière fois, j'ai pris un petit peu de temps pour vous en parler, de la notion de genre, hein, en montrant qu'il tenait en gros dans l'attente que le tableau soit clair, émouvant, mémorable, conforme au dogme et digne d'éloge. Nous avons observé que la culture de Pierrot offrait une ressource particulière, un certain type de capacité et de disposition mathématique, qui si elles atteignaient chez Pierrot un degré tout à fait exceptionnel, était déjà hautement développé chez ses clients. Nous avons fait appel au concept de commensuration, qui s'était avéré fort complexe, et puisque c'est un concept de Pierrot lui-même, nous avons admis implicitement qu'il avait dû jouer un rôle actif dans son intention. Voilà, donc là, on voit bien l'avancée par inférence hein, à laquelle tient euh, comment, euh, notre bac -sindale. Précisons enfin que si nous recueillons toutes ces données intentionnelles, c'est pour les remettre en relation ostensible avec le tableau, donc pour retourner au tableau, pour le, le faire à nouveau apparaître et pour le regarder. Et en elles-mêmes, elles sont tout à fait insipides. Mais quelle est la part de vérité ici Ou Pour donner une forme plus générale à la question, comment évalue-t-on la relation entre l'intention inférée et la vérité si je pose la question sous une forme naïve, c'est parce que ce qui va suivre risque d'être l'une des parties les plus naïves de ce livre. D'une part, j'y aborde des points de philosophie pour lesquels je n'ai pas de compétences, et d'autre part, beaucoup de gens considèrent qu'il est de toute manière malvenu et naïf de soulever ce genre de questions dans le cours d'une interprétation d'œuvre d'art. On aura en tout cas compris que j'évite l'idée de signification qu'on a bien compris. Quel est le piège, à votre avis, le plus gros piège de l'observation du tableau comme signification Et on pourrait dire que c'est le piège dans lequel vont s'engouffrer, évidemment, tous les logiciens qui se sont pensés sur l'analyse des images. C'est que ça n'a absolument aucun sens de traquer dans une image la signification, parce que ce que cela voudrait dire... C'est que le seul motif à regarder une image, c'est d'en finir avec elle comme image pour toucher ce qui en elle fait langage. Autrement dit, la seule chose qui conduirait à regarder une image, ce serait de la faire disparaître enfin. À ce titre-là, on se demande bien pourquoi elles existeraient. Nous sommes bien d'accord. Elle n'auraient donc rien de plus à nous apporter que d'avoir été les véhicules momentanés d'un discours auquel elles sont subordonnées beaucoup plus important qu'elle. C'est évidemment complètement con. Ce que font les images, c'est bien autre chose que de signifier. Moi, j'espère qu'avec ça, vous êtes à peu près d'accord, que ce n'est pas, pas un truc qui devrait nous arrêter ensemble, que vous, vous pouvez vous mettre d'accord avec moi sur euh, cette proposition. Je ne veux pas aborder le baptême du Christ comme un texte avec une ou plusieurs significations. Je veux l'aborder comme un objet d'explication historique et ceci implique que j'identifie un certain nombre de ces causes. Ce sont là des conditions nécessaires mais non suffisantes. Alors on l'avait bien vu avec l'exemple du pont, on avait sérié toute une série de conditions qui étaient nécessaires pour que le pont apparaisse sous cette forme mais pas suffisantes oui, puisque évidemment elle ne résumait pas tout ce qui s'était passé comme, euh, comme processus de création pour aboutir à ce pont-là plutôt qu'autre chose. Elles sont choisies pour des raisons d'ordre critique. Et mon choix n'est pas exhaustif. Mais il peut être incorrect ou, pour parler simplement, euh, faux. Convenons d'abord que par vérité, nous entendrons une forme de correspondance avec la réalité. Et que la réalité à laquelle nous voulons nous conformer n'est pas simplement la conscience que nous avons de la présence du tableau, mais. Une série d'événements mentaux et physiques qui se sont réellement déroulés à San Sepolcro en 1450, ou enfin dans ces années-là. Donc, les, ces événements dont le fait de faire ce tableau fait partie. Alors, je vous rappelle, hein, San Sepolcro, c'est l'endroit où, euh, voilà, où est réalisé euh, ce tableau, bled duquel euh, Piero est lui-même issu, et ça se trouve à peu près là. Vous voyez à cet endroit-là, c'est pas très 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 loin euh, à euh, l'est de Florence. Voilà, c'est ici. Mais le docteur Wacky qui pour peut peut-être la première fois, choisi de donner à cet invraisemblable inventaire de, de choses aberrantes qu'est euh, la collection de citations sur cette chaîne une vraie fonction de citation, <laughs> c'est-à-dire avec peut-être un, un vague fond euh, déitique. Que se passe-t-il <laughs> Ceci est affaire de choix. Piero avait coutume de faire des modèles en argile et de les recouvrir de draps souples en faisant de multiples plis. Il s'en servait alors pour le dessin ou d'autres choses similaires. Donc là, on voit notre Piero della Francesca. Euh, C'est euh, un choix que font beaucoup de peintres et qui est assez intéressant. C'est un mode de... De l'action et du processus pictural qui est très très différent de celui d'utiliser des modèles vivants pour composer une scène euh, et pour peindre. C'est-à-dire que par ce fait, en faisant un modello en anglaise, on se donne la possibilité d'excéder par exemple la position des corps et les limites. Euh, temporel du, euh, du maintien de ses positions, c'est-à-dire qu'on on produit déjà une fiction décor avant même d'avoir commencé à peindre, et qu'on écarte finalement un certain plan de véridicité euh, anatomique, considérant que finalement il n'est pas nécessaire, c'est pas le problème, qu'on travaille vraiment à une pensée de l'espace et de la composition. J'ai <laughs> dit docteur Wark troll parce que troller sur cette chaîne, c'est dire des trucs sérieux. <laughs> tu as sans doute raison. C'est une chaîne de Cheyenne contraire ici. Ah, je crois que je vais devoir mettre une petite bûche. Ça va pas Je vois bien. Pourquoi que... Ouais. Tu ouais. ouais, ouais. veux que je te tienne pour cigare Non Ouais, ah, c'est c'est ça, c'est un monde renversé. Où le vrai est un moment du faux, comme dirait l'autre. Cette phrase, donc, celle qui décrit... Euh... Ah ben, elle existe, la commande, Solarius, c'est la commande Buch. Elle existe, c'est pour l'exclamation Buch. Euh... Je l'ai mise aujourd'hui avec la commande bagarre, puisque ça m'a été réclamé. Moi, <laughs> j'obéis. Donc, cette phrase hein, qui décrit donc, euh, Pierrot euh, faisant ses petits modèles en argile apparaît sous la plume du plus grand de tous les historiens d'art, on pourrait dire le fondateur hein, de l'histoire de l'art, euh, Giorgio Vasari, et quiconque le lit attentivement apprend à reconnaître que ce type de remarque a chez lui valeur d'inférence. Il est peu probable qu'il ait eu la preuve d'une pratique dont nous aimerions pouvoir affirmer aussi fermement l'existence. Mais peu importe. Le caractère générique de sa remarque montre bien qu'il faut la prendre pour ce qu'elle est. Une vérité critique. Alors, Pline ne faisait pas autrement hein, quand il racontait euh, des histoires édifiantes euh, pour... Euh... <laughs> Alors, les immolos en fait. Moi je n'ai pas les retours de son donc... <laughs> Euh, comment Pline ne faisait pas autrement quand il racontait des histoires édifiantes sur Zeuxis, sur Parasio sur... Le, Leur fausseté était assez évidente puisque la plupart du temps, il était capable d'attribuer euh, la même histoire exemplaire à plusieurs peintres. On comprend bien que la valeur démonstrative reposait pas sur euh, des rapports d'authenticité, mais tout à fait autre chose. C'était des postulats critiques ou des postulats théoriques. Euh, Pline l'Ancien, Solarius, dans euh, son histoire naturelle. Le caractère donc de, de, de générique de sa remarque montre qu'il faut la prendre pour ce qu'elle est, une vérité critique, pour ainsi dire, dont la pertinence apparaît dès qu'on regarde, par exemple, l'ange blanc qui se tient au centre du groupe du baptême du Christ. Alors voyons en quoi cet ange blanc serait euh, capable voilà, de dire quelque chose de la proposition vasarienne. Est-ce que l'ange blanc contient. Peut-être par un impossible par exemple, c'est-à-dire quelque chose qui nous écarterait du plan de véridicité corporelle. Est-ce que cet ange blanc, ah pardon, j'oubliais de vous le mettre, nous ferait approcher la vérité théorique proposée par Vasari Et aucun lecteur de l'époque ne devait douter de sa valeur historique. À l'époque de Vasari, cette proposition est une espèce de justification théorique, si vous voulez, salut, bichette! <laughs> comment vas-tu? on ne peut envier, on ne peut l'aisance avec laquelle vasari évolue entre critique et histoire. mais notre propre époque est plus crispée sur ces sujets, et si je vous disais tous uniment quelque chose de ce genre, en sujet de pierrot, vous en seriez en droit d'attendre de moi que je prouve ce que j'avance, et ce que je serais bien incapable de faire. évidemment! Mais cette approche, comment on pourrait la décrire Il y a un côté approche rhétorique, c'est-à-dire où l'on concède que l'éloquence euh, critique peut consister par une anecdote même fausse à révéler quelque chose dans l'espace du regard qui va porter notre attention sur une particularité compositionnelle, poétique, intellectuelle, plastique, sur un tableau. En d'autres termes, le statut de l'anecdote de Vasari à cet endroit, à propos d'un Piero della Francesca en train de bricoler des machins en terre glaise et de poser des petites suites pour les observer, décrit un certain rapport, supposément mis en évidence par les caractères même de la peinture, de Piero della Francesca et d'une certaine théorie de l'espace, de ce, ce à quoi il l'ouvre. Euh, notamment ici par un autre rapport au, au, au corps représenté, c'est-à-dire finalement un, une antériorité de la picturalité définitive par un usage des objets qui n'est pas un usage d'observateur euh, naturaliste, mais bien un usage d'une composition en vue d'une fin, déterminée par tout à fait autre chose que de, de mettre en évidence un type de proportion qui serait des proportions non pas picturales, mais des proportions extra-picturales entre les corps. J'espère que c'est clair. Euh, convenons aussi que le rapport qui s'établit entre une explication et la réalité historique qu'elle vise a le caractère sommaire d'un diagramme. C'est un peu le, le type de rapport qui existe entre les plans schématiques du Bay Area Rapid Transport System, donc le BART, ou du métro londonien, et la réalité complexe des choses réelles. Donc le, le BART, c'est hein, un transit ferroviaire rapide au service de la région de la baie de San Francisco en Californie, si vous voulez savoir. Alors, c'est quoi donc, cet écart qui a à la fois un écart et un lien, on est d'accord, hein, entre le diagramme et la chose à laquelle il se réfère, et qui tient finalement la possibilité de les regarder, peut-être en dehors de... Euh, comment dire En dehors de, de la, la profusion finalement des, des parasites euh, à la théorie ou à la proposition théorique, que représenterait un, la, la, un strict naturalisme, par exemple Alors, voyons ce qu'il en dit. Petit 1. Le diagramme laisse beaucoup de choses de côté. C'est à la fois pour lui et contre lui. Tout dépend dans quel domaine on, on place les caractères d'exemplarité. Hein. Petit 2. Il représente une vaste étendue à une échelle réduite et le mouvement sous une forme statique. Petit 3. Le système de représentation, tracé ou. Terme symbolique auquel il obéit à une action déformante sur les éléments qu'il met en évidence. Petit 4. Le médium de représentation est conventionnel et exige lui-même une forme particulière de compréhension. Conventionnel, on veut dire par là qu'il repose sur une série de règles connues euh, de part et d'autre, hein, celui qui produit le diagramme et ceux qui le regardent, donc une série de conventions qui leur permettent de s'entendre, quel que soit l'objet auquel se réfère le diagramme, gardant en fait en place ce système de convention, un système symbolique qui enfin, qu soit partagé euh, à cet endroit-là. Petit 5, il vise un usage donné, donc il a une version heuristique. Petit 6, seul son rapport à une réalité plus complexe lui donne sa signification. C'est en tant qu'il s'y réfère qu'il peut trouver euh, le, un sens hein, à nous amener. L'important est qu'à l'intérieur de ses propres limites, il soit juste. Puisque dans les mêmes limites, il pourrait être faux. Si le plan indiquait que le Bart va à Palo Alto, même dans ses propres termes, il ne correspondrait pas à la réalité. Puisque je vous l'ai dit, euh, si c'est un système de transit, le Barth, euh, dans la région de la baie de San Francisco. Et euh, comment... Euh, je ne sais pas s'il peut l'atteindre. En Palo Alto, vous voyez ce que c'est. Hein. C'est connu pour être le, le berceau de la Silicon Valley. C'est une ville au sud au sud de la péninsule de San Francisco. Voilà. Euh, par ailleurs, c'est connu, mais je pense que vous, vous le savez, enfin, si vous ne le savez pas, dans l'histoire de la psychologie, puisque dans les années 50, il y a une école de Palo Alto qui approche les questions euh, psy sous une approche cybernétique. Voilà. Il va découler des recherches faites à Palo Alto dans cette période-là, autour notamment de la, de la schizophrénie, euh, le développement de ce qu'on va appeler les thé thérapies familiales. Voilà, bon, pour Palo Alto. Donc bref, si le plan indiquait que le barbe va à Palo Alto, même dans ses propres termes, donc les termes selon lesquels il fonctionne en quelque sorte, il ne correspondrait pas à la réalité. C'est aussi un observatoire astronomique, nous dit Dr. Wack. D'accord. La différence, c'est que tandis que nous pouvons sortir, nous assurer de l'exactitude du plan de Barthes en examinant directement où vont les trains, nous ne pouvons pas nous rendre dans le San Sepolcro de 1450 pour vérifier que notre diagramme correspond aux pensées et aux actes de Piero della Francesca. Pour prouver la validité de nos explications, il nous faut trouver des moyens indirects. Alors, avant de poursuivre. Sur la démarche scientifique, vous savez ce que je vais faire après avoir secoué les bûches? Je vais faire pipi. N'en non, non, profitez pas pour tout saloper, non? Hein <laughs> Même si je sais évidemment que vous allez faire le contraire. Vous êtes même capable de contrarier votre propre contrariété, c'est ça <laughs> Ministresse de la Culture. Ah oui, c'est vrai que c'est Rachida Dati, c'est ça. Hein Quel truc. C'est le moment où... Alors, euh, qu'est-ce que je disais ah, Ce qui pourrait être assez agréable pour commencer à approcher Piero de la Francesca et son baptême, puisque nous allons essayer de voir ce qu'il est, c'est peut-être de voir ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire euh, d'aller voir comment d'autres que lui ont traité le même sujet. Donc, ça peut être intéressant de voir ce qu'ils en ont fait. Alors, par exemple, là, je vous, ai mont je vous montre un, un baptême du Christ euh, par euh, Verrocchio. Celui-là est un peu particulier parce que ce travaux-tableau euh, se trouve euh, aux Offices, à Florence. Hein. Et euh, il n'est pas fait que de la main de Verrocchio, il est fait en, avec son élève, avec euh, Léonard de Vinci. Donc c'est un tableau à, où l'élève et le maître travaillent ensemble et Verrocchio, peu après, arrêtera la peinture et poursuivra son œuvre de sculpteur et d'orfèvre, mais en ouais. considérant que son élève est un bien meilleur peintre que lui. C'est un très très beau tableau. Je l'encourage à aller aux offices voir cette belle chose. De toute façon, il y a des milliers d'autres choses à voir aux offices. Donc on voit quelques points communs dans le maintien de certains éléments du dispositif, mais on y voit apparaître aussi des choses qui n'ont rien à voir avec tout ça, notamment le traitement littéral de la présence euh, du Père, hein, qui est censé se manifester en l'espèce d'une voix, et là, euh, quelque chose d'autre euh, se passe dans la procession euh, de la partie supérieure, euh, qui passe par le visible. Évidemment, c'est compliqué de, euh, vous en doutez bien, de donner à la voix de Dieu, euh, sans passer par des artifices grossiers, une présence visible. On note aussi une présence d'ange, comme l'avait, choisi de le, de le, faire Pierrot, qui vient assez vite hein, dans la tradition iconographique de, du baptême du Christ, bien que, à ma connaissance, il n'y ait pas d'ange décrit comme présent dans les Évangiles. Mais bon, les plus familiers que moi de, de ce passage pourront peut-être euh, me contredire. Je crois que j'ai été... Attendez. Est-ce que j'ai été vous chercher le passage Ouais, je l'ai. C'est ça. C'est dans Matthieu 3. Hein. Je vous ai pris Matthieu. Alors bon. Il vous cache pas que... La traduction n'est pas ouf, mais c'est parce que plutôt que de m'embarquer dans mes propres Bibles qui sont quand même pesantes et chiantes à mettre sur la table, j'ai décidé d'aller chercher en ligne une traduction et c'est la traduction de Louis II que pas tip top. Mais bon, on s'en fout. Pour l'occasion, c'est juste voir un petit peu ce qu'il s'y dit. On va voir s'il y a des anges dans la description. Vous voyez qu'ils sont partout. Ici, je vous ai choisi euh, le baptême du Christ par Giotto. Ça se trouve à Padova, à Padoue. Hein, à la. Euh, comment. Euh, à la chapelle Scrovegni. C'est très, très impressionnant. Cette composition est vraiment très différente. Le journal sépare vraiment le monde. Là, en l'occurrence, la, la terre promise spirituelle semble être vraiment euh, prise par la position des anges de ce côté-là. Il y a un travail sur l'éclat de peinture qui est très, très étonnant chez Giotto. Regardez ça, qui semble quand même d'une invraisemblable contemporanéité dans le geste de peinture. Et voilà ce que nous dit le... Donc on retrouve le choix hein, de de Verrocchio et de Vinci d'avoir euh, rendu visible euh, le père. Hein. Et le, le geste, lui, ne semble pas matérialiser la colombe du Saint-Esprit, qui est pourtant décrite dans mes souvenirs dans l'Évangile, mais on voit ça. Alors, la prédication de Jean-Baptiste. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste. Donc on est chez Matthieu, Matthieu 3.1. D'accord euh, qui prêchait dans le désert de Judée, il disait ⁇ Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche ⁇ Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit ⁇ C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendiez ses sentiers droits. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venus se faire baptiser par lui, il leur dit :« Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude, ne vous avisez pas de dire en vous « nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants d'Abraham. Peut-être plus certainement donc, que de laver des Sadducéens et des Pharisiens. Donc les Pharisiens tenaient le temple à l'époque, euh, à l'époque qui était sous protectorat romain. Euh, je crois que c'était un tétrarque, euh, c'était le tétrarque Hérode Antipas au moment où euh, le Baptiste fait euh, ce livre à ses onctions lustrales, je crois, dans mes souvenirs. Euh, il continue déjà la hache est mise à la racine des arbres tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu donc considère les sadducéens et les pharisiens comme des collabos hein. moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance et évidemment pas à la, à, la, à la hauteur de de la parole de Dieu je vous baptise d'eau en vue de la repentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. On pouvait voir par exemple, on a regardé ensemble le retable d'Issenheim euh, la dernière fois avec la crucifixion euh, euh, très très brutale euh, de Grunewald. Et si vous vous en souvenez, il y a le baptiste à sa droite qui le montre du doigt. Et ce qui est écrit en latin à côté de lui, c'est euh, Il grandit et je diminue. Donc ça se réfère directement à ce verset hein, Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son air de battage, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc voilà le, la description faite par Matthieu. Alors, comme les évangiles sont, euh, en tout cas, il y en a trois d'entre eux qui sont synoptiques, hein, le, celui de Jean est à part. Euh, le même passage pourrait être, euh, on pourrait s'amuser hein, à, à les regarder tous les trois, le lire chez Marc et chez Luc. Et là, c'est Matthieu. Mm. Donc là, vous avez la version de Giotto. Est-ce que je vous en ai mis d'autres? Ouais, il y a celui-là. Ah oui, parce que comme on avait parlé un petit peu des giottesques de la région de Padoue, je vous avais parlé de Giusto di Menabuoi. Donc ça, c'est dans le baptistère, dans le baptistère de Padoue, euh, et c'est le, le choix fait par Giusto di Menabuoi pour mettre en scène euh, le, le baptême du Christ. C'est intéressant, hein, le, on tourne autour de la date. Hein, donc, il y en a un qui est plus tardif, le premier que je vous ai montré. Les autres sont un peu plus précoces que celui de Piero. On tourne comme ça tout autour. Ça, c'est un peintre toscan assez chouette que j'aime beaucoup, euh, qui est découvert à Florence. Euh, alors, je ne sais plus si c'est à Santa Trinita, mais il a peint à fresque la salle capitulaire euh, d'une des églises de, de Florence. C'est assez génial. C'est Niccolò di Pietro Gerini, un très très chouette peintre. Hein. Là, on a une toute autre combinaison. Euh, Globalement, on va retrouver plein de points communs. C'est évidemment dans leurs différences euh, que tous ces tableaux montrent aussi toute la largesse euh, qui est offerte finalement aux peintres hein, d'interprétation. Et c'est pas seulement sur un plan euh, esthétique. Il hein, y a vraiment des plans euh, qu'on pourrait dire théologiques au fond qui s'articulent dans ces différents choix. Nicolo di Pietro Gerini. Voilà. Et j'ai fini, je crois, là-dessus. <laughs> je, je vais vous rendre et vous montrer un truc un peu surdimensionné. Alors, c'est pas le seul, euh, la seule représentation que le Pérugin que le ait fait du euh, baptême du Christ, mais c'est évidemment une des plus, une des plus importantes. Euh, enfin, elle est importante, tu en termes monumental hein, du truc. Euh, c'est euh, ce qu'il a réalisé pour euh, la chapelle Sixtine. Alors, je ne sais pas si euh, vous êtes déjà allé à la chapelle. Si vous n'y êtes pas allé, vous n'êtes peut-être pas familier de l'idée qu'en fait, s'y trouve bien d'autres choses que les euh, comment que les, euh, que les magnifiques fresques de michel Et en fait, il y a beaucoup d'autres fresques tout autour, euh, dans le premier registre, qui sont extrêmement belles. Vous trouvez euh, des gens aussi importants que Signorelli, euh, Botticelli et aussi le Pérugin, voilà, qui en a fait là une scène tout à fait dingue, extrêmement riche et variée. Là où il y a toute la population euh, qui vient se faire euh, baptiser sur les rives du Jourdain. Il existe effectivement des Pokémon Giotto, nous dit la euh, carte de Michard. Mais oui, euh, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, il y a bien quatre tortues bien connues qu'on est dans de peindre, pourquoi pas Pokémon Giotto, je ne suis pas spécialement surpris. Donc voilà, là, vous avez des parties pris extrêmement différents. Bon après, c'est plus la même chose. Eh ben, du coup, ça va peut-être nous permettre de regarder complètement différemment maintenant notre euh, période à la Francesca. Ça, ça va changer notre regard, hein on est le fait d'avoir été nous promener un petit peu dans d'autres propositions. Alors, une démarche scientifique suppose, c'est à peine nécessaire de le dire, qu'on dérive les prédictions impliquées par l'explication d'un objet et qu'on teste ces prédictions. Ah, ça va être un peu compliqué, mais bon. Si nos prédictions sont fausses, c'est que nous nous sommes trompés. Sous une forme diffuse, cette pratique sous-tend une large part de l'activité de l'historien. Ou plutôt, on peut reformuler une grande partie de ce que fait l'historien sous une forme proche de ce type de procédure. Par exemple, la notion de genre que j'utilisais plus haut, lorsque je citais le genre du retable. C'est marrant hein, de parler du genre du retable, mais euh, bon, le retable c'est aussi un contexte. Hein, c'est un contexte liturgique, c'est un espace. Euh, Est-ce que c'est un genre C'est étrange, mais euh, on parlait comme genre. C'est un choix plutôt curieux. Ce n'est pas ce à quoi nous sommes habitués quand on parle de la notion de genre. La notion de genre, que j'étais plus haut en citant le genre, de, le, le, le genre du retable, en un sens, c'est une théorie. Je peux la reformuler sous la forme de prédictions. Cinq en tout. Sur les retables. Et ces prédictions peuvent être testées avec un certain degré de rigueur en examinant bah, des retables du XVe siècle. Comme souvent dans les sciences humaines, il faut vite abandonner l'exigence d'un succès total pour se contenter d'espérer un degré suffisant de corrélation. Ah oui, n'oublions pas qu'en plus si on parle d'art on touche au cœur de l'objet même, la possibilité d'être contredit. C'est-à-dire que la production d'images est aussi une production d'espaces extrêmement en tension sur les affirmations et les contradictions. Ce sont des espaces agonistiques aussi, de théorie, de position euh, picturale, autant que de position, euh, comment on pourrait dire ça, euh, discursive. C'est-à-dire, s'y si dispute aussi bien dans la peinture des renversements euh, de la peinture par elle-même et euh, des renversements du sujet par la peinture. Donc à partir de là, on peut imaginer que quand bien même. On pourrait travailler sur des constantes, il se trouve que la constance n'est pas à proprement parler une constante de la peinture. Donc vous voyez bien toutes les difficultés auxquelles on s'arrive. Il est clair qu'il existe des tableaux, des retables pardon, du 15 siècle qui ne répondent pas complètement à ces critères. Mais la théorie vise des probabilités et non des vérités universelles. En tout cas, en histoire de l'art... Euh, c'est certain. Le genre, qui plus est, n'est pas ma première préoccupation. C'est un moyen qui doit me permettre d'atteindre un but. Et quand je le mets à l'épreuve, c'est l'un de mes outils, un des outils que je teste, et non l'explication que je fais d'un tableau particulier. Bon, ici, le, le baptême du Christ. Or, dès qu'on se trouve devant un cas particulier, je crois que plutôt que genre, on aurait peut-être choisi dispositif à cet endroit, mais je ne sais pas comment le, la traduction est, est possible. On, euh, vous le savez, Baxendal est anglo-saxon, donc je n'ai pas le texte anglais devant le nez. J'aurais été assez intéressé de voir, par exemple, s'il y a une ambiguïté, euh, ou plutôt un, un cadre culturel plus souple pour le mot genre chez, euh, chez les anglo-saxons. J'en sais rien du tout. Or, dès qu'on se trouve devant un cas particulier, les formes directes de prédiction s'avèrent aussi triviales que faibles. Imaginons par exemple que je sois parti d'un postulat disant que la catégorie d'intérêt visuel à l'intérieur de laquelle travaillait Pierrot, une certaine commensuration ou quelque chose de cet ordre, faisait partie des données qu'il avait à l'esprit lorsqu'il peignait le baptême du Christ. On peut, à partir de là, conclure qu'une attention relativement grande au jeu lié de la perspective et de la proportion doit transparaître dans sa peinture. Mais ceci est décevant pour au moins deux raisons. D'abord, c'est une vérité première ennuyeuse. Et d'autre part, l'affirmation est faible. Une prédiction scientifique a valeur de loi générale et doit pouvoir faire l'objet de nombreuses vérifications. Alors que ma prédiction, qui est déjà d'une grande précision euh, discutable, une relativement grande attention, c'est ce qu'il a dit. Hein, euh, ne fait l'objet que d'une seule mise à l'épreuve. Toute tentative visant à lui donner une forme générale, ouvrez les guillemets, les peintres qui ont à l'esprit un certain type d'intérêt visuel, etc., débouche sur une formulation vide. En bref, ce modèle est strictement prédictif, ne nous fournit pas les moyens dont nous avons besoin pour établir la validité de nos explications, quand celles-ci portent sur un objet aussi spécifique et complexe qu'un tableau. D'autant, on pourrait rajouter ça, mais il y a un autre problème. C'est que... Il y a de multiples problèmes. C'est qu'en termes de prédictibilité, la chose ne peut pas à nouveau advenir. Une loi physique, l'intérêt de la gravitation universelle, c'est qu'elle n'a pas existé au XVe siècle pour cesser d'exister au XVIe. Elle est donc toujours l'objet d'une vérifiabilité, d'une remise en route, si vous voulez, de la proposition. Et là, en l'occurrence, en historien, on n'a pas d'autre chose à faire que d'offrir des cadres de prédiction qui vont reposer en termes de vérifiabilité sur un nombre finie de réalisation humaine et en plus en sachant que nous n'avons pas accès à toutes. Pourquoi Parce qu'une bonne partie du matériel a été détruit. Euh, nous ne possédons pas tous les tableaux du XVe. On ne peut pas douter du fait qu'une grande partie d'entre eux n'ont pas survécu à l'histoire, ce qui limite évidemment euh, la possibilité d'être en pleine confiance sur les caractères prédictifs de nos propositions théoriques. Donc vous voyez. Quelques limites à se poser en scientifique à cet endroit-là, en tout cas avec cette méthode-là. Euh, L'histoire de l'art serait-elle probabiliste, dit Doctorat Oui. Oui, carrément. Euh, il me semble, par exemple, que le travail d'un certain type d'historien qu'on appelle les attributionnistes est clairement un travail de probabiliste. Oui. Il nous faudrait trouver une voie plus oblique. En matière d'explication historique, la philosophie insiste particulièrement sur un ensemble de conditions externes d'adéquation. Donc externe à l'objet. Dans le cas présent, elle nous pousserait à vérifier que notre analyse d'un acte intentionnel est compatible avec ce que son auteur a pu faire en d'autres occasions, avec ce qu'il a pu dire sur ses intentions. Donc là un truc externe. Et avec les possibilités qu'offrait la culture à laquelle il appartenait. Là encore, une série externe. Donc on ne peut pas trouver que en le tableau euh, les formes déductibles de sa raison. Ça, je pense que vous le comprenez toutes, même si vous comprenez également que les formes internes de sa raison existent. Ça s'appelle le fait de peindre, euh, le fait de peindre euh, à tout moment. C'est à dire à la fois comme designio, c'est-à-dire comme projet de peinture, et le fait de peindre à la fois comme processus, le pendant la peinture, sont des cadres assez déterminants pour sa forme. C'est-à-dire que repose aussi là-dessus hein, quelque chose de sa réalisation. Mais là, en l'occurrence, on est pratiquement dans de l'inatteignable. La raison pour laquelle on va devoir se déporter d'une certaine façon sur euh, les cadres externes. Nous avons un peu avancé en ce sens. Nous avons élevé Pierrot. Au niveau d'un genre, nous sommes allés chercher dans son discours le terme programmatique de commensurazione. En gros, Piero della Francesca affirme un terme euh, comme fondement de sa pensée de la peinture. Donc on peut supposer que son caractère programmatique veut dire que d'une manière ou d'une autre, un tel fondement vise à être réalisé par la peinture. Vous voyez comment ça fonctionne. Et nous avons indiqué que les gens de son milieu avaient des compétences mathématiques particulières. La philosophie pourrait aussi nous inciter à construire la rationalité interne d'une conduite intentionnelle comme une sorte d'affirmation logique en acte comme une sorte de syllogisme pratique, si vous voulez. Donc, on avait euh, déjà parlé ensemble de la pensée syllogistique, de ce que c'était qu'un syllogisme. Donc, on va essayer de comprendre ce que pourrait être un syllogisme pratique, hein, c'est-à-dire, euh, au fond, une série de gestes fonctionnant comme, euh, dans un formalisme logique, euh, des séries de propositions. Voilà. Donc, dans le syllogisme, vous vous souvenez, c'est la base hein, du formalisme logique. C'était le... Est ce qu'on pouvait trouver dans le, les premiers analytiques d'Aristote, hein, le troisième livre de l'Organon, la, la proposition d'ici c'était ce raisonnement euh, déductif qui était fondé sur des relations euh, de, de, entre elles, de propositions, donc deux propositions de, proposition, euh, de prémisses, voilà, la majeure et la mineure, et puis une conclusion qui se déduisait bah, du rapprochement de la première prémisse, la majeure, la deuxième prémisse, la mineure, et hop, la dernière qu'on allait pouvoir déduire et qu'elle allait être la dernière proposition ou, si vous voulez, la, la conclusion. Voilà. part des rapports, euh, généralement, d'inclusion ou d'exclusion des deux prémices. As par, euh, enfin, en tout cas, des objets des deux prémices, le caractère inclusif ou exclusif de l'une par rapport à l'autre. La plus connue, vous le savez, c'est toujours la même sort sorte, puisqu'on n'a pas envie de se faire chier à choisir un autre exemple c'est tous les hommes sont mortels, euh, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, tata. Ta, 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 ta. Voilà. Bon. Eh bien essayer d'imaginer un syllogisme pratique, c'est essayer d'imaginer un dispositif, salut au un, un dispositif dans lequel des gestes euh, pourraient fonctionner un petit peu de cette façon comme ce type d'opérateur. Alors là, j'ai pas d'idée en tête de ce à quoi ça peut, euh, à quoi ça, comment ça peut prendre matière, comment ça peut se réifier, comment ça peut prendre corps, mais on peut accepter l'idée que la peinture, le, le moment de peinture, la construction picturale a euh, ces cadres de, de raisons euh, comment internes, de plis internes, de propositions plastiques qui, euh, pour telle proposition plastique, vont trouver dans ses voisines des justifications et oui, avec des plans de rationalité qui lui appartiennent, plans de rationalité picturaux ou thématiques, si, si, dans le rapport que ce plan pictural entretient avec son sujet, bon, ici le baptême du Christ. Mais cette affirmation prendrait ultimement la forme d'une œuvre achevée, et nous serions inévitablement ramenés vers une méthode d'interprétation plus traditionnelle. L'herméneutique. Bon, il ramène l'herméneutique, c'est étonnant, puisqu'il a dit lui-même qu'il ne voulait pas considérer le tableau comme un texte et qu'il ne voulait pas parler de signification. Or, vous le savez sans doute, l'herméneutique, c'est vraiment la science de la lecture, mais au sens sacré du terme. L'herméneutique, c'est un terme qui été développé par rapport à la littérature sacrée, pour dégager la signification du texte sacré, ou plutôt les significations, les plans de signification. Je ne vais pas vous refaire ici ce soir les. La lecture traditionnelle des quatre plans, mais en tout cas, restons sur cette idée, l'herméneutique comme science du texte sacré, au service de la traque, de l'enquête sur sa signification. L'herméneutique exigerait aussi que nos affirmations soient compatibles avec des faits et des actes extérieurs à l'objet immédiat de notre analyse. Que ce soit conforme, en fait, que la... Si vous voulez, que le... La raison interne ne soit pas niée, réduite ou contradictoire aux raisons externes qu'à telle ou telle forme d'exister. Il faut que tout ça puisse fonctionner ensemble, vous en doutez bien. La légitimité et la convenance générique nous poussent à vérifier que ce que nous énonçons comme une vérité était concevable dans la culture que nous étudions et ne contredit pas euh, sa conception des genres et des sortes. Mais, L'herméneutique insiste aussi sur une des conditions internes d'adéquation. Euh, en l'occurrence, selon les types d'herméneutique sacrés, beaucoup plus, hein, je dirais. En tout cas, dans la, 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 la tradition juive herméneutique, par exemple, l'existence de la signification repose beaucoup sur la construction interne au texte, puisque finalement... La condition externe, elle est d'une certaine manière régulée par l'origine sacrée du texte. Si vous voulez, est-il nécessaire pour euh, un lecteur, euh, pour un herméneute euh, chrétien ou juif, de trouver une justification externe au fait d'écrit à la signification du texte à partir du moment où le texte est censé être énoncé par Dieu, dans lequel il trouve la totalité de sa justification On ne va pas ausculter le caractère historique de la Bible quand on est un euh, croyant avec la comparaison avec des caractères historiques externes, puisque la Bible fonde l'histoire. Vous voyez le, le, le mouvement que propose l'herméneutique dans ce cadre. On dit l'outre et pas herméneutique. Oh la vache Oh, suze Pique un peu celui-là. Hein. <laughs> ah, c'est Solarius qui a commencé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu <laughs> Qu'est-ce que je disais Nos affirmations doivent non seulement être compatibles avec tel ou tel aspect du tableau, mais elles ne doivent pouvoir être infirmées ni par la totalité de ces aspects. Euh, C'est bien toute la difficulté hein, à euh, comment je dirais à tenter hasardeusement de poser des non pas des significations, on va dire des signifiants, c'est-à-dire des zones de production du sens. On ne peut pas le faire en dépit du tableau comme totalité. On peut, il faut que d'une manière ou d'une autre on puisse jaillir de tout ça euh, comment dire, une raison harmonieuse du tableau. Vous n'allez pas, par exemple, faire une petite fixette sur un détail du tableau en disant Ah oui, ça, ça signifie ça et ça et ça. En ne tenant pas compte du fait que dans tel contexte pictural, dans telle scène, ça n'a absolument aucun sens de postuler, par exemple, que tel animal symbolise je ne sais pas quelle connerie, si cette je ne sais pas quelle connerie n'a rien à voir avec le sujet du tableau. Il y a un moment où vous devez freiner votre cheval et vous dire non, il faut garder en tête la, le tableau comme totalité, avec sa vocation euh, totale, et euh, vous ne pouvez pas morceler comme ça la pratique euh, des inférences uniquement sur les petits objets qui vous intéressent. Donc cette contradiction, il faut en tenir compte, même quand on aime penser imprudemment. Et si vous trouvez, euh, euh, comment je dirais, un, un plan euh, de lecture euh, symbolique ou autre chose qui fasse jaillir euh, à l'intérieur d'un tableau une, une, une idée, une proposition, euh, ah, euh, là, ça quand même, euh, ça produit tel ou tel effet. Gardez bien en tête qu'il faut pour que ça apparaisse, que ça ait effectivement également du sens dans le sujet général de ce tableau, dans sa façon d'être composé, etc. Ça ne peut pas lui être contradictoire. Alors, je ne vocalise pas tous vos calembours pourris, puisque sinon je vais m'y perdre, mais je vous lis, Suze. Euh, ceci, cependant, ne nous dit pas grand-chose sur l'aspect fonctionnel des bonnes explications, et on retourne sur les formes faibles des vieux critères généraux. L'économie et l'utilité pragmatique. Ah, ça aussi... C'est une critériologie faible, je dirais, euh, comme dans un roman, par exemple, il serait risqué d'imaginer que tout ce qui est là est euh, non seulement euh, porte-sens d'accompagnateur, mais est univoque. Parce qu'en en fait, on ne doit pas oublier que les moments de création sont réellement des moments de création. Et euh, quel que soit l'espace pictural qu'on regarde, même si c'est un tableau religieux du XVe siècle, il y a une quantité ahurissante de propositions qui sont des propositions libres. Parce que la peinture existe comme peinture, existe à elle-même comme peinture, elle fait apparaître aussi euh, ce qu'on pourrait appeler des digression sentimentale, digression picturale, bah, tout un monde hein, qui est celui de la peinture qui se fait. Et à partir de là, il ne faut pas non plus être obsédé hein, par l'idée que tout ce qui est là doit absolument être là pour une raison. On est d'accord C'est important aussi que vous gardiez ça. Donc une lecture euh, purement d'utilité pragmatique est redoutable parce qu'elle reviendrait finalement, là encore, hein, à être complètement arc-boutée à une lecture de la signification. La manière la plus simple d'atteindre un certain niveau d'explication cohérente a des chances alors d'être la plus attrayante. Il faut prouver la nécessité d'invoquer tel ou tel aspect ou circonstance. L'explication doit payer son propre péage et la manière la plus évidente dont elle peut le faire, c'est en résolvant une énigme observée dans l'objet ou en attirant notre attention sur une particularité de l'objet jusque-là ignorée. Produire une hypothèse, si vous voulez. C'est produire un nouage. Et un nouage se fait bien, euh, je dirais, entre des plans. Un nouage nouveau, inattendu, hein, et, et voir jusqu'à quel point il est intellectuellement, poétiquement, picturalement euh, significatif. Tout ceci est dit de manière très superficielle et très brusque. Mais les questions que j'évoque ici sont très connues et très accessibles. Et je tiens à éviter toute considération méthodologique trop inhibante. Si on prend maintenant les arguments du paragraphe précédent. Et si on laisse de côté l'ordre du raisonnement, on s'aperçoit qu'ils définissent trois critères qui communiquent entre eux, ou, comme je préférais le dire, trois attitudes autocritiques qui reposent sur un fond de bon sens. Comme spécialiste de la tradition classique, je parlerai volontiers ici du décorum externe, de décorum interne et de parcimonie. Donc, euh, les trois termes qui vous souvenez, hein, qui marquaient le, comment le, 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 le frontispice de ce chapitre, en fait, qui, qui l'ouvrait euh, comme sous-titre, euh, sont enfin rappelés à l'intérieur ici euh, du texte euh, décorum interne, décorum externe et parcimonie. Mais vous préférerez sans doute que j'utilise les termes de légitimité historique, d'ordre pictural et démonstratif et de nécessité ou de fertilité critique on en est exactement au plan hein, que j'étais en train de vous décrire entre les conditions d'apparition sociale et historique entre la raison interne d'un de, de, tableau de se constituer et évidemment par rapport à l'hypothèse qui va être posée, bah, sa fertilité tout simplement sa fertilité critique la persimonie, il faut que ça ait du sens c'est pas la peine non plus de se lancer dans le n'importe quoi Il ne s'agit pas cependant de méthodes de démonstration, mais de positions à partir desquelles on peut réfléchir sur les raisons qui permettent d'affirmer que telle explication intentionnelle est plus probable que telle autre. La première position, celle concernant la légitimité, consiste à considérer les conditions externes d'adéquation, donc cadre socio-historique, politique et religieux par exemple. La plupart du temps, il s'agit simplement d'éviter, comme c'est normal, tout anachronisme. Nous essayons de ne pas prêter à la culture du peintre bah, des caractéristiques euh, qu'elle n'a pas. Lorsque nous étudions un tableau, nous le regardons à la lumière d'autres tableaux du même peintre, persuadés que derrière les changements doit apparaître une certaine continuité. Et ceci s'applique particulièrement à une culture comme celle de Piero della Francesca, où l'œuvre du peintre est elle-même vue comme « genre ». Donc, on voit bien une extension du terme genre. On pourrait dire que c'est une, une forme particulière de la catégorie hein, qui est en train de créer Bakshinda à part entière. Mais ça sous-entend que un certain principe d'homogénéité. Ouais, on va dire ça comme ça. Dispositif avec principe d'homogénéité. Euh, dispositif et processus. Euh, nous nous appuyons fortement sur cette notion de type ou de genre pour capter des aspects moins évidents et aller vers des distinctions plus subtiles de manière. Mais nous devons être particulièrement attentifs sur deux points. Alors, peut-être que ça vaudrait le coup, je ne sais pas si lui-même il s'y réfère plus tard, mais euh, on pourrait s'intéresser à un certain moment à aller voir quelques autres tableaux de pierre della Francesca. Ce serait peut-être pas mal. Alors, justement pour construire quelque chose, hein, comme le, le caractère un peu contextuel de cette fameuse adéquation externe. Ce serait pas mal. Alors, c'est quoi les deux points Ou est-ce qu'on regarde d'autres pirotes de la Francesca tout de suite On va voir les deux points. D'abord, il s'agit de ne pas pousser l'exigence de légitimité au point d'écarter toute forme d'originalité, de refus ou de provocation. Beaucoup de grands tableaux ont quelque chose d'illégitime. C'est aussi la raison que j'évoquais tout à l'heure, hein, euh, même que j'invoquais, de s'autoriser à penser, au moins momentanément, au moins pendant une certaine suspension de rationalité, on pourrait dire ça, hein, on pourrait dire, on va laisser de côté un tout petit instant euh, le cas de rationalité et tout fond, on veut dire pour faire des propositions imprudentes, puis après on voit si ça a du sens ou si c'est juste des débile, farfelu, etc. D'autre part, il faut savoir distinguer plusieurs niveaux d'autorité. Je peux citer un texte de l'époque, par exemple, montrant que les Italiens du XVe siècle possédaient telle, telle notion. Mais à l'encontre, je peux aussi savoir que dans un genre donné comme celui du retable, il n'a jamais été fait appel à une telle notion de telle nature. Comme cette seconde observation a une portée plus générale que la première, je vais choisir de m'y tenir. Et ce n'est que si le contexte plus large de l'explication l'exige, que je déciderai de ne pas en tenir compte. La deuxième position, celle concernant l'ordre, porte sur la juste compréhension du schéma organisationnel qui sous-tend l'objet étudié. Et ce schéma, on pourrait dire qu'il se superpose, euh, plus ou moins, ou en tout cas en partie, à la notion euh, de du diagramme dans lequel, finalement, se produit le cadre de subjectivation euh, tout entier, avec ses processus de création, son histoire euh, et ses modes. Chem qui se reflète de manière différente et informelle dans la méthode d'explication adoptée. Euh, je renvoyais à le, la notion de diagramme parce qu'on a vu ensemble en live, je ne sais plus quand, hein, euh, le travail de Deleuze sur Cézanne. Ça date un peu, mais peut-être que vous avez quelques bouts de ça en mémoire. L'organisation interne et l'explication ont toutes deux un ordre et une consistance propre. Si le terme n'était pas employé dans des sens techniques par l'herméneutique et la philosophie de la vérité, j'aurais parlé ici de cohérence. Ordre sonne de manière un peu faible, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure à titre personnel. J'ai pas hésité à choisir ce terme, ça me paraissait pas mal. Je pense ici à un champ qui englobe des notions comme celle d'articulation, de système, de totalité ou d'ensemble. Le fait qu'il soit difficile de postuler l'existence d'une unité et d'une force intentionnelle sans émettre un jugement de valeur. Sur le degré d'organisation qu'on attribue à l'acteur et à l'objet ne doit pas nous gêner. Seules les très grandes œuvres peuvent supporter le genre d'analyse que nous voulons tenter. Les œuvres médiocres demeurent impénétrables. Je ne sais pas trop ce qu'il entend par là. Il veut dire par là peut-être que les œuvres médiocres ne sont pas foutues d'installer des plans de cohérence et sont restent pigé dans le diagramme, comme disait Deleuze. Euh, ce qui pourrait apparaître comme un manque d'unité ou d'organisation dans la peinture étudiée ne sera probablement que le signe de la faillite de l'explication elle-même, qui n'aura pas su comprendre comment tel ou tel élément, apparemment isolé, s'intégrait dans une unité intentionnelle. Ainsi, l'un dans l'autre, l'explication qui postule le plus haut degré d'unité et d'organisation semble préférable. La troisième position concerne faut pas que je vous lise, à la nécessité ou la fertilité critique. Il est vain de recourir à une explication de type inférentiel si elle ne contribue pas à mettre en valeur les caractéristiques du tableau en tant qu'objet visuel. Salut Cogito Ergosem. C'est vrai que ça ferait un bon titre de roman piégé dans le diagramme. Entre la SF et le polar. Je reviendrai sur les conséquences de ceci, mais il est clair qu'il existe quantité d'éléments au XVe siècle qui paraissent compatibles avec le baptême du Christ de Piero della Francesca, et que pourtant nous ne citerons pas parce qu'ils ne sont pas nécessaires à notre propos. C'est même ce qui définit la critique inférentielle. Donc là, on va parler de la notion d'utilité, mais finalement, afin de fertilité. C'est bien le grand problème d'un nombre considérable de, de livres d'art, c'est finalement de dessemer des banalités euh, toutes vraies, mais toutes chiantes, à propos de la peinture. Il s'agit donc d'une attitude pragmatique, d'une exigence en quelque sorte d'efficacité. En apparence, ces outils n'ont rien de redoutable. Mais si on les assemble énergiquement, et si on les utilise comme on ferait euh, d'un trident, ils peuvent s'avérer extrêmement tranchants. Je ne sais pas pourquoi il a pris le trident comme exemple d'instrument tranchant. C'est sandales, des fois, je ne comprends pas. Hein. Nous allons tenter de les tester en examinant une question que nous avons jusqu'à présent évitée et qui touche au problème de la signification religieuse d'un tableau comme le baptême du Christ. <coughs> Or, cette question avait coulé beaucoup d'encre. <coughs> Trois exemples d'analyse iconographique. Ah ben bah, il est déjà fini ce pauvre bizarre. Oh ben bah, je dis déjà, il m'a fait deux heures, moi c'est bon ça. Trois exemples d'analyse iconographique. Allons-y. La plupart des interprétations du Baptême du Christ partent des traits les plus caractéristiques du tableau et de tout ce qui peut le distinguer d'autres représentations similaires, comme celle qu'on a regardée tout à l'heure. Hein. Un certain nombre de points exigent en effet une explication. Ophana nous dit l'histoire de l'art, c'est souvent d'écrire des tableaux entre deux anecdotes à vérifier. Euh... Alors, ça dépend de quoi on parle. Mais je dirais que tu ne te trompes pas sur 90% de la production euh, euh, de vulgarisation dans ce domaine, qui effectivement ne mérite même pas qu'on s'y arrête. En fait, si vraiment on devait ici dresser une liste de euh, l'histoire de l'art digne d'être lue, je pense que la liste des grands historiens d'art qui méritent d'être lues est relativement euh, courte. Mais elle est quand même plus longue que ne le laisse supposer ta proposition. De temps en temps, on en parle ici, on cite pas mal d'historiens d'art assez euh, féconds, assez productifs, et assez brillants. Mais c'est vrai que globalement, la production en histoire de l'art est encore enlisée dans euh, des euh, descriptions vaseuses et sans aucune sorte d'intérêt. Et euh, effectivement, des anecdotes dont on a perdu euh, la nécessité, semble-t-il, de vérifier euh, d'où elles venaient. Il y a d'abord quelque chose d'étrange dans hein, la manière dont les trois anges viennent en avant sur la gauche du tableau, comme s'ils étaient séparés du reste de la scène. Bon, étrange ou pas, parce que, je dire, le, le domaine d'appartenance euh, des anges au plan euh, qu'est-ce que j'ai fait là Hop on va zoomer un petit peu. Au plan spirituel, peut justifier à lui tout seul, comme il est d'usage par exemple dans pas mal de compositions, d'annonciation, un traitement isolant. On peut aussi se demander pourquoi les spectateurs sont rejetés à l'arrière-plan vers la droite de la composition, un seul d'entre eux étant représenté en train de se dévêtir pour le baptême, et ce que signifie le costume byzantin dont ils sont revêtus. Alors voilà, ici les Cette scène étrange ici qui fait beaucoup parler. On remarque par ailleurs que l'eau change de consistance sous les pieds du Christ. Et voici. À l'arrière-plan et dans des zones médianes du tableau, elle réfléchit la scène, alors qu'à l'avant-plan, elle devient transparente. Une autre interprétation consistant à dire qu'elle s'assèche brusquement. Il y a façons, de deux façons de la lire. Certains observent enfin que le paysage évoque San Sepolcro et la haute vallée du Tibre où se trouve la cité. Alors là, l'idée euh, d'infléchir, d'imprimer dans, euh, dans un tableau dont la storia est, euh, prend consistance dans le Nouveau Testament des éléments appartenant à l'immédiat euh, sensible culturel social euh, du peintre ou du commanditaire est quand même extrêmement fréquent. Si on regardait euh, d'autres tableaux, comme tout à l'heure on a pu voir un uh, Giotto, euh, il n'est pas rare qu'on voit apparaître dans euh, les traits de telle ou telle cité, non pas euh, une cité qui renvoie euh, à une cité antique contemporaine du Christ, mais à une cité contemporaine. Euh, contemporaine plutôt des commanditaires et du pain ça n'est pas si rare euh, donc le tibre euh, effectivement euh, la, la haute vallée du tibre hein, le, le, le tibre c'est euh, ce fleuve qui n'est pas du tout euh, le Jourdain pour le coup. C'est celui qui, qui traverse une partie de l'Italie, qui se jette dans la mer, vous voyez, au niveau de Rome. Il traverse la ville de Rome par ailleurs. Euh, il prend sa source euh, à peu près entre l'Émilie-Romagne et, et les Marches. Je crois que je vous ai fait un plan du Tibre d'ailleurs, je, si je me souviens bien. Alors ça, c'est San Sepolcro, pour vous montrer où passe le fleuve. Attendez, est-ce que j'ai fait ça Ouais, c'est ça. Là, vous avez une carte qui vous montre euh, la partie de l'Italie que traverse le Tibre. C'est un des trois longs fleuves d'Italie. Ces particularités qui posent un problème aux spectateurs ont suscité des commentaires très complexes sur la signification du tableau. Une historienne estime ainsi que les trois anges qui joignent leurs mains ont une triple signification. Leur geste se rapportant à la fois à la Sainte Trinité, au mariage du Christ avec l'Église. Donc on va retourner au tableau. Euh, pour voir avec quoi cette historienne veut faire coïncider la présence des anges que voici voilà <laughs> putain il faut vraiment pas que je vous lise vous êtes insupportable euh, donc renvoyons à la Sainte Trinité au mariage du Christ avec l'Église et au décret d'union des Églises d'Orient et d'Occident signé après le Concile de Florence 1438-1439. Alors là, là... Alors, je vous... le contexte ne peut que vous échapper, je pense, parce que euh, quand même, on est, on, est, on, est, on est loin. Donc, je vais Essayer de vous en parler un petit peu de ce qu'elle propose euh, notamment à propos de, de ce concile et euh, de donc 438-439 concile de Florence c'est pas à proprement parler un euh, concile de Florence c'est plus long que ça c'est le concile de Florence euh, c'est un moment d'un long euh, concile qui va en fait se, se dérouler là, là on est en 38-39 quand le concile est à Florence mais il commence en 31 Hein, il commence à, à Bâle, si je me souviens bien, donc euh, il va traverser l'Italie, ce pauvre concile qui va durer dix ans, parce qu'il va être très perturbé. C'est un concile qui va commencer à Bâle, qui va ensuite être euh, à Bologne, à Ferrare, puis à Florence. Donc euh, si ça vous intéresse euh, d'avoir des, des aspects picturaux du concile, sachez que si vous allez à Sienne, par exemple, il y a les fresques de la Libreria du Duomo, qu'on appelle la Libreria Piccolomini, Uh, Pinturicchio, qui est un peintre uh, génialissime, un, un péruginesque, uh, il, a écrit, il a écrit, il a peint sur tous les murs de, de, de la, la librairie, uh, des scènes de la vie de P2, Pi de uh, Piccolomini, donc en, en plein cœur du bordel qu'est ce concile, et c'est quoi ce concile uh, C'est le 17 e concile uh, œcuménique de l'Église, et uh, pourquoi elle parle, donc de, elle parle de la réunion de, euh, de l'Église d'Orient et d'Occident Ça marche plus ou moins bien. Ce n'était pas le but au début, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans l'histoire des schismes, euh, ce concile, qui sont destinés, donc est, le, le concile est en question est destiné à résoudre la fracture du monde catholique, qui était née du grand schisme, mais du grand schisme d'Occident euh, au départ. Parce que euh, y a, là, il y a deux schismes qui vont être traités. Le, le schisme originel, dont, dont il est question à la fin, qui va effectivement être traité par la dernière partie du Concile, mais au départ, le schisme d'Occident, c'est euh, vers la fin de la période euh, interminable dite Moyen-Âge. C'est compliqué d'appeler ça une période, mais bon, hein, vous le savez, 1000 ans. Donc, bref, à la fin du Moyen-Âge, je vous ai parlé très longuement, et là, je vous renvoie. Au live euh, consacré à Burkhardt, où je vous décris par le menu les affrontements entre Guelph et Giblin. Ça va durer environ deux siècles, à peu près euh, entre le 12e et le 14e. Vous rajoutez au même moment euh, un conflit très violent entre le roi de France, euh, qui est Philippe le Bel, au début du XIVe, et le pape, à l'époque. Donc, qui est euh, Boniface VIII et euh, le conflit entre Philippe le Bel et le pape va conduire à installer pardon, la, la papauté vous avez sûrement déjà entendu parler de ça à Avignon au début du XIVe et euh, la conséquence euh, de, cette, de, de ces querelles, de ce, de ce bordel est assez particulière dans l'histoire du catholicisme donc c'est un schisme interne à l'église catholique romaine et apostolique, c'est pas un schisme avec l'église d'Orient, là c'est un schisme interne c'est qu'il euh, y aura deux lignées de papes. Il y aura deux lignées de papes. Euh, chacun des partis en question va traiter l'autre comme anti-pape, c'est le terme qu'ils vont employer. Il y aura donc une papauté à Rome et une papauté à Avignon. Donc, je vous ai causé, quand on s'était promené dans les courants de pensée du XVIIe, qui opposaient les jésuites et les jansénistes, à des guerres de position entre gallicans et Ultramontin ceux qui se mettaient sous l'obédience du pape et ceux qui, au contraire, visaient à s'en soustraire, la position euh, gallicane, bah, toutes ces perspectives que je vous ai décrites euh, là, elles découlent historiquement de ce dont je vous parle en ce moment, cette guerre de position qui va scinder assez durablement la vie catholique, l'institution catholique, et très notamment en France. Euh, à la mort de Grégoire euh, IX, lui résidait à Avignon, son successeur, Urbain VI, va être rejeté par les cardinaux français. Et à ce moment-là, ils vont élire un autre pape, donc Clément VII. Voilà. Et c'est lui, c'est ce Clément VII euh, qui va venir à Avignon. Urbain VI, lui, sera le pape, ou l'antipape, hein, c'est comme vous voulez, vous choisissez votre parti, je m'en fous entre Avignon et Rome. Lui, euh, Urbain VI, pardon, il va aller <coughs> à Rome. Et euh, pour le concile euh, en question, celui dont on est en train de parler, le concile interminable, euh, dites-vous que le précédent concile... Était censé avoir résolu la crise euh, en question, mais pour tenir fermement euh, cette situation de enfin, cette résolution, il avait décidé de se constituer en institution régulière et donc de se réunir périodiquement. Donc ce concile, là, le nouveau, là, le concile de Bâle, Bologne, Ferrare, Florence, c'est la poursuite de tout ça, qui doit raffermir, en fait, euh, ce, ce lien, on pourrait dire, qui a eu bien du mal à se raccorder. Et en fait, pourquoi c'est si long euh, Tout simplement parce que ça a commencé à merder euh, dès le départ, en fait. Parce que le pape Eugène IV, il décide de dissoudre le concile de Bâle, parce que selon lui, il n'y aurait pas eu assez de monde, donc ça ne valait pas le coup. Mais en fait, il est juste vexé, parce que le concile, comme institution, s'était déclaré supérieur à son autorité. Alors lui, il le transfère à Bologne, comme ça. Il le décrète, mais en fait tout le monde s'en branle. Parce que l'empereur Sigismond, je vous rappelle qu'on est encore sur le socle de ces querelles entre Guelph et Gibelin l'empereur Sigismond, lui, il en a décidé complètement autrement. Donc le concile, malgré la décision de Gênes, euh, bah, il continue à siéger. Entre-temps, il y aura euh, une croisade. Une croisade contre des hérétiques contemporains de cette époque, donc c'est les Hussites. Il y aura un nouveau schisme, il y aura des dissolutions de sessions, il y aura des excommunications, enfin un merdier qui va durer dix ans. Et au final, la série des sessions va aboutir, doctrinalement, à un rapprochement, enfin, entre les églises romaines et grecques. Euh, c'est ce dont parle l'historienne en question. Euh, je dis romaines et grecques parce que. À ma connaissance, on ne disait pas à l'époque euh, comment euh, orthodoxe et catholique. Et pourquoi je dis doctrinalement Parce qu'il semble bien quand même que quand les pontifs des différentes branches du christianisme sont retournés chez eux, euh, les populations n'étaient pas d'accord et ils n'entendaient pas du tout de cette oreille la réunion des deux églises. Donc euh, ça marchait moyen, on va dire. Donc. Ces églises, l'église grecque et euh, l'église romaine, qui vont devenir plus tard église orthodoxe et église catholique, elles étaient séparées, comment euh, Doctrinalement, parce qu'on appelait la querelle du c'est, Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, c'est interminable et j'ai pas envie de. Là, si on part sur la théologie du filioquet, on n'a pas fini. Sur la procession, je vous en fais juste un très très bref, un bref résumé. C'est une querelle qui sépare l'église euh, byzantine de l'église romaine depuis le 8e siècle, donc autant vous dire ça date là, puisqu'on est en 1430 et des brouettes. Euh, et c'était une querelle sur ce qu'on appelle le symbole de Nicée. Et c'est une querelle sur la procession des hypostases. Ils ne sont pas du tout d'accord sur euh, la procession des hypostases parce que ça peut engager un renoncement à, euh, comment, à leur euh, équipotence au nom d'un rapport hiérarchique pour les orthodoxes qui n'est pas supporté par les catholiques. Parce que les uns... Euh, font procéder l'Esprit Saint du Père et du Fils, les catholiques, et les autres posent une succession, une procession hypostasique, hein, qui casse l'équipotence entre les hypostases, donc euh, avec une succession, donc Père, Fils, Saint-Esprit. Et ça va suffire à les séparer pendant autant de siècles. le L'aboutissement de ce concile interminable aura finalement été. Au-delà de la question du schisme euh, en, d'Occident, enfin du schisme qui séparait en deux euh, la, vie, euh, comment, la vie de l'Église euh, purement romaine, pour aboutir finalement à une résolution plus importante, résolution du euh, grand schisme euh, entre l'Orient et l'Occident, entre les Églises d'Orient et l'Église d'Occident. Voilà, j'espère que vous avez suivi. C'était un petit peu dense, mais bon. Que vous compreniez un petit peu de quoi on parle, sinon, tout ça, j'imagine, pour vous, c'est forcément très très flou. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous montrer quelques belles images de la librairie Piccolomini. Ça va nous distraire un peu de, de ce côté, euh, probablement assez lourd, de tout ce dont je viens de vous parler. Voilà la librairie Piccolomini qui se trouve dans la cathédrale de Sienne, le Duomo de Sienne. Elle est peinte à fraises par Pintoricchio, qui est un peintre pas Beaucoup beaucoup étudié en France, enfin pas super, hein, qui n'intéresse pas énormément euh, les historiens d'art français, puisqu'on parlait de l'histoire de l'art et des euh, comment euh, des, des, des faiblesses de l'histoire de l'art la, généraliste, mais aussi le fait que la question de l'importance des artistes et des œuvres elle sépare beaucoup hein, les. Euh, Comment les, euh, les historiens, euh, entre peintres importants, peintres peintre pas importants, et en fait on étudie toujours plus ou moins les mêmes en, en France depuis longtemps, et on résume l'histoire de la Renaissance italienne à quelques, quelques noms, pas beaucoup. Donc dans cette, euh, dans cette magnifique série de fresques peintes par euh, Pinturicchio, euh, je suis un peintre que j'aime énormément, que d'aucuns tiennent pour anecdotique, ce qui est selon moi euh, pas du tout. Eh bien, euh, cette série de relate quelques-uns des événements qui se déroulent pendant, euh, pendant cette période et pendant les moments de fracture à l'intérieur de, de l'Église romaine entre pape et antipape et euh, on voit le déplacement du concile à un certain moment. Enfin, on suit comme ça les, les mouvements euh, des papes et euh, la réorganisation... De l'église. Voilà, c'est tous les épisodes de Pie II, hein, la vie de Pie II, donc euh, Piccolomini, qui est un des papes pris dans cette histoire. Vous avez un tableau dans le tableau qui est détaillé ici. Donc, euh, je vous conseille vraiment, parce que la, la librairie, est, c'est qu'une petite partie du duomo, donc euh, vous pourriez imaginer que ça vaut pas forcément le coup de payer deux ou trois balles pour rentrer euh, dans une librairie euh, et passer à côté de ce petit joyau. Ce serait vraiment dommage. Donc si vous allez à Sienne, si vous allez au duomo, ne ratez pas ça. C'est un cycle de fresques absolument génial. Puis ça vous permettra de rencontrer l'œuvre d'un type euh, vraiment passionnant, Pinturicchio. Ça, si je me souviens bien, il y, y a quelques... Euh, Quelques livres d'enluminure, notamment il y en a quelques-uns peints par Libéral Daverona. Hein. Et donc il y, a, il y a plusieurs autres belles choses hein, dans la librairie. Voilà. Bon, c'est... j'espère qu'il n'y avait pas trop de reflets, que vous avez un peu vu quelque chose. Euh... Alors. Alors. Tu dis qu'il faut faire attention à la composition de son schisme, sinon après ça fait mal à la tête. <laughs> Bon, euh, où en est-on Donc, une historienne a fait cette proposition avec les anges de. Euh, comment. Euh, de lecture des anges, je ne sais pas où ça nous conduit, euh, dans le baptême de pierre della Francesca. Alors, dans cette vue, donc dans la vue de cette historienne, je pense, hein, les figures du fond se réfèrent simultanément à l'église d'Orient et à l'Épiphanie, et au moment où le Christ se manifeste au roi mage. Et donc, le fait que le baptême ait lieu sur le tibre près de saint sepolcro serait alors une façon d'affirmer la primauté de rome question qui avait en effet été discutée au concile de florence hein, comme je vous l'ai dit elle commence sur le schisme qui séparait euh, les deux lignes de pape il faudrait penser que l'étrange rivière s'arrête dans son cours pour couler si on peut dire dans une double direction son flot s'approchant et s'éloignant à la fois du Christ et du Saint-Sépulcre. Euh, Saint-Sépulcre, c'est ce que veut dire hein, le nom de ce bled, le bled de Pierrot de la Francesca. Une autre spécialiste pense que les anges font allusion au mariage et en particulier aux noces de cana. Alors les noces de cana, vous vous en souvenez, c'est celles... Du, où a lieu le premier miracle du Christ, celui où il va changer l'eau en vin, qui était honoré à l'occasion de la même fête que le baptême et l'épiphanie, et interprété comme symbole de l'union du Christ avec l'Église. Les personnages qui apparaissent à l'arrière-plan du tableau représenteraient alors l'épiphanie, et il y aurait en outre une explication possible au fait qu'ils soient quatre plutôt que trois. En effet, la Bible, qui nulle part ne mentionne ce dernier chiffre, se réfère dans le psaume 72, donc le psaume de David, hein, à quatre rois dans lesquels certains pères de l'Église ont vu une préfiguration des mages de l'Épiphanie. Alors le psaume 70 de, de David, euh, je vous l'ai trouvé, donc on va essayer de voir là-dedans à quel moment il est question de ça. Ô euh, oh Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice, tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par les faits de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, il écrasera l'oppresseur, on te craindra, tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. <laughs> il serait <laughs> comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Donc les rois de Tarsis et des îles. Les rois de Seba et de Saba, oui, quatre rois, effectivement, c'est à cet endroit-là. Ok. Je vois, je vois. Voilà <laughs> pour le psaume 72. En même temps, il faudrait lire dans l'image de Sepolcro et du Tibre, ainsi que dans celle du Noyer qui domine la selle, l'arbre renvoyant à l'ancien nom de la vallée, Val des Nocea ou Vallée des Noyers, toute une autre série d'allusions. Alors l'arbre en question, qui surplombe la scène, c'est celui voilà, que vous voyez là. On va voir la place qu'il prend à cet endroit-là. C'est quand même assez impressionnant. Ce n'est pas un détail dans ce tableau. Et effectivement, il y a un moment où la question d'une justification d'une telle emphase devient assez importante. Je vous noterez que ce tableau est, est, est plein hein, d'éléments assez étranges. Regardez notamment celui-ci. L'apparition à cet endroit-là d'une nuée dont la position dans l'espace est proprement insensée par rapport à la proposition de cet arc à cet endroit-là. Donc il y a une forme de traversée qui est elle-même extrêmement troublante dans cet axe. C'est peut-être le moyen assez brillant par l'indécision qu'il propose à cet endroit-là que Piero della Francesca a trouvé pour ne pas avoir à configurer dans le visible la position du Dieu unique qui doit être présent dans cette théophanie et qui n'est qu'une voix à cet endroit là. Donc il faudrait voir en quoi cette étrange chose à cet endroit-là peut renvoyer à ce type de proposition. Voilà. Mais bon, on note effectivement que la, la, la puissance de cet arbre et la, la, la scansion qu'il fait de l'espace n'est pas euh, anecdotique hein, dans la composition euh, de ce baptême. Mmh. Attendez, est-ce qu'il ne pourrait pas mettre une petite bûche Ouais, je crois que je vais mettre une petite bûche. Et j'arrive. Bah, que l'arbre fasse lien entre ciel et terre, c'est, je dirais, euh, comment dire? C'est un oui-non, <laughs> au sens où euh, le, le ciel en question est oblitéré euh, par une suture euh, architecturale qui, euh, <laughs> qui produit une autre condition, en fait, de, de ce lien. Et donc, il faut tenir compte à cet endroit-là. Euh, D'autre part, euh, la question, euh, enfin, je dirais qu'elle est assez insuffisante, puisque ce lien, il n'a il pas besoin d'être surétabli à cet endroit-là. Le Christ, qui peut être représenté, c'est vrai, de temps en temps, hein, en l'espèce, par un arbre ou voire par une colonne, ayant cette fonction, en fait, de, de faire une jonction entre le plan terrestre euh, et le plan euh, spirituel ici apparaîtrait comme incroyablement redondant. En tout cas, euh, on devrait se poser la question euh, de cette présence euh, obstinée. Mais bon, ça, ça ne l'exclut pas, mais ça me paraît insuffisant pour euh, en justifier euh, une telle imposition. En particulier, il y aurait là une allusion au fait, enfin, le, ce, comment ce noyer-là, euh, et le possible lien au Val des Nocières, la vallée des Noyers. Une allusion au fait que San Sepulcro était vu par ses habitants comme une sorte de nouvelle Jérusalem. Le nom de la ville vient en effet d'une légende selon laquelle des pèlerins auraient rapporté en ce lieu des reliques du Saint-Sépulcre et localement l'église du couvent des Camaldules, alors les Camaldules c'est un ordre, hein, était considérée comme un équivalent de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et si la soudaine transparence de l'étrange rivière peut s'expliquer par l'angle de réflexion du eau immobile, elle évoque cependant un brusque assèchement qui renvoie à une légende médiévale selon laquelle la rivière du Jourdain se serait immobilisée au moment du baptême en signe du caractère divin du Christ et de sa mission. Bon, là encore, évidemment, on est dans une expectative puisque l'une des grandes difficultés euh, de la question des sources revient pas simplement à leur existence, mais aussi à leur connaissabilité par les acteurs du moment. Il ne suffit pas de mettre en lumière le fait que tel écrivain ait pu produire un texte euh, un peu avant ou au moment ou euh, comment euh, un peu moment ou avant euh, le, la réalisation du tableau. Il faut encore pouvoir affirmer dans quelle mesure cette proposition, ce texte, fait partie effectivement de la culture de Pierrot. Ça reste compliqué. Enfin, c'est les, les, les peintres n'écrivent pas euh, toujours, voire euh, pas souvent sur euh, le tissu de relations culturelles qui sont les leurs et le, le socle sur lequel ils fondent euh, leur histoire et on n'a pas forcément tous les éléments pour connaître bah, la totalité du contexte culturel dans lequel se développe un peintre Alors, tu dis peu de gens le savent mais derrière la toile est écrit j'ai fait un arbre euh, pour le lien entre le ciel et la terre le ciel avec Dieu le... et la terre les mortels parce que les gens sont sur sur terre tu as une source pour ça ou non euh, d'ailleurs, est-ce bien une toile hein euh, Est-ce que ce ne serait pas plutôt un tableau de bois, le, un volet de bois, le baptême Je ne sais plus d'ailleurs. Je n'ai pas de détails sur... Un, si vous pouvez chercher sur quel support est peint le tableau de, de Pierrot, ça m'intéresse. On ne peut résumer des interprétations aussi savantes et ingénieuses relevant d'une haute iconographie sans les trahir. Elle s'appuie en effet sur des éléments additionnels la plupart du temps emprunté à l'antiquité tardive ou au Moyen Âge. <laughs> C'est très drôle, au final. Hein <laughs> ah, ah bon, euh... <laughs> la plupart du temps emprunté à l'antiquité tardive ou au Moyen Âge. Et une présentation aussi rapide et aussi peu documentée que la nôtre ne saurait leur rendre justice. En outre... Ce n'est pas vers ce genre d'explication que la critique inférentielle qui prend appui sur les trois positions autocritiques présentées ci-dessus. Car précisément, on peut se demander s'il est légitime de s'appuyer sur des textes et des artefacts qui appartiennent non à la culture du XVe siècle, mais à celle de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge. Et si une intention aussi stratifiée et multiple est réellement compatible avec la théorie et la pratique d'où procèdent les représentations des retables du XVe siècle. Donc là on est un petit peu dans... Euh, c'est une sur peuplier. D'accord. Donc c'est bien un panneau de bois, c'est pas une toile. Ça m'aurait étonné. Une toile, franchement, euh, au 15e siècle, je ne vois pas trop. Quoi. À mon avis, la toile, ça commence vraiment à se répandre euh, à, à partir du euh, fin 16e, début 17e, c'est ça. Euh... En plus, c'est un tableau de... C'est un retable, donc euh, il y a toutes les bonnes raisons d'être fait sur bois. Salut médiol <laughs> où j'en étais. Quant aux critères d'ordre, donc là on parle de la rationalité interne en quelque sorte, il est mis à mal par les sauts multiples demandés à l'attention par ces interprétations. Leur parcours erratique à travers le champ du tableau et dans sa profondeur ne respecte pas l'organisation propre de la peinture. Et je crois que ça c'est un argument qui est hyper important. Si vous le comprenez bien. Euh... On a une proposition visuel spatial matériel' est ce tableau qui pose les conditions mêmes des opérations du regard par des séries d'invitations qu'il constitue à travers ces lignes de force parfois euh, les peintres vont développer à partir de on va dire du 16e et c'est surtout au 17e que ça va se développer des artifices rhétoriques des mains c'est très très présent dans la peinture du xviie français qui vont réorganiser les plans de lecture, c'est-à-dire du parcours du regard à travers le tableau. On est d'accord à, à cette époque, à l'époque de Piero della Francesca, l'artifice le plus souvent utilisé par les peintres pour inviter à poser euh, le regard à tel ou tel endroit, c'est plutôt l'œil, c'est-à-dire le regard des protagonistes du tableau produit. Des lignes d'intensité particulière et aussi des lignes vectorielles pour euh, sillonner euh, l'espace du tableau. Reste le reste, c'est-à-dire l'architectonie, la, la façon de suturer les différents espaces qu'il compose. Là, on voit bien euh, la, la puissance hein, des, des lignes de démarcation euh, qu'impose euh, Pierrot et qui sont aussi bien euh, plastiques que chromatiques plastique évidemment avec ce parcours du regard au sol euh, scandé euh, par euh, les, 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 le, le contourage le, le, comment le, le filet euh, du jourdain ligne de force posée par l'arc et, et, et ces deux arbres hein, qui vont constituer un jeu de profondeur entraînant le regard sur la gauche euh, à emprisonner à cloisonner ses anges entre deux plans de profondeur donc il y a toute une espèce de raison qui est une raison vraiment plastique, une raison vraiment picturale, hein, qui va organiser votre parcours. Et les exigences intellectuelles que posaient les deux historiennes tout à l'heure sautillent d'un endroit à l'autre du tableau en faisant comme si tout ça n'existait pas. Et effectivement, on peut douter réellement que les deux plans d'organisation, l'un qui serait intellectuel avec sa petite symbolique et son bazar, soient aussi contradictoires avec l'organisation picturale. Les quatre particularités qui nous intéressent peuvent être expliquées par d'autres moyens, qui respecteront davantage ces critères d'économie, légitimité et de cohérence. En fait, une analyse iconographique très simple, comme celle qui suit, devrait suffire. Ce qui est de plus étrange visuellement dans ce tableau, c'est la présence insistante, obsédante des trois anges. Une simple référence homilétique à la doctrine des trois baptêmes fournit une clé. Alors l'homilétique, si vous ne savez pas ce que c'est, salut à toi Corbeau. L'homilétique, c'est une sorte de point de rencontre, si vous voulez, entre euh, le monde religieux et le monde rhétorique. C'est une partie de la théologie, euh, de la théologie pastorale, une partie dont l'objet c'est l'éloquence dans la prédication et dans l'homélie. D'accord Et la fameuse doctrine des trois baptêmes. Alors moi j'ai rien trouvé. Salut à toi, VBubble101. J'ai rien trouvé sur la doctrine des trois baptêmes, donc c'est la première fois que j'en entendais parler euh, par Baxindal. J'ai trouvé une page, donc je vous mets le lien, qui parle tout de même d'une doctrine baptismale assez complexe. Voilà le lien, et voilà ce qu'on peut y lire en partie. Je ne vais pas vous en lire le détail, parce qu'on n'en finirait pas, ça serait euh, assez, assez long, et on ne va pas se perdre là-dedans. Mais on peut voir que non pas trois, mais plusieurs plans. De euh, lecture. Alors, hop. Ce qui est proposé par euh, cette page, hein, qui est un, une page d'enseignement biblique euh, chrétienne, il y a une doctrine des baptêmes qui dit L'objectif de ce cours est de connaître les différents types de baptêmes dont nous parle la Bible. La doctrine des baptêmes est évoquée dans Hébreux 6,7 comme faisant partie des doctrines de base. Donc, Chrétiens, pour le coup, on parle d'hébreu, donc on parle des épîtres de, euh, de Paul, hein. <coughs> faisant euh, partie des doctrines de base à connaître lorsqu'on est chrétien. On ne parle pas de doctrine du baptême, mais bien de la doctrine des baptêmes, parce qu'il y a différents types de baptême. Non pas qu'il y ait différents types de baptême d'eau, le baptême d'eau est un type de baptême parmi d'autres que nous allons aborder dans ce cours. Et là, il y a le baptême du baptiste, qui est un baptême d'eau, le baptême d'eau au nom de Jésus, le baptême ou bain de régénération, donc on, qui est cité dans Éphésiens, le baptême dans le corps du Christ, c'est une, une autre forme de baptême, qui consiste à être enseveli avec le Christ et à ressusciter avec lui dans une nouveauté de vie. Le baptême du Saint-Esprit, donc être baptisé de l'Esprit, c'est être inondé par le Saint-Esprit, euh, peut-être comme quand dans la Pentecôte, euh, les flammes du Saint-Esprit euh, tombent sur les apôtres. Il y a le baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit s'accompagne toujours d'un baptême de feu. Il est écrit que Jésus nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, ça, c'est dans Luc. Il y a le baptême de souffrance. Un baptême peu connu par les chrétiens. Pourtant, ils doivent boire la coupe de ce baptême aussi. Euh, et ça, on trouve ça dans Marc. Jésus dit à ses disciples Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de ce, que vais je boire, de ce que je vais boire ou être baptisé du baptême Donc, je vais être baptisé. Donc, là, le baptême de souffrance, je pense qu'il peut être à la base. Euh, par exemple, il peut être à la base de la théologie de l'imitation. Vous savez que pour bon, la question de l'imitation du Christ, pour prendre avec lui euh, la douleur euh, donc de, de, de la rédemption, qui peut paraître un mouvement super bizarre, parce que soit le Christ rédime, soit il ne rédime pas. On ne voit pas pourquoi il aurait besoin de nous pour rédimer le monde euh, avec lui. Bon, mettons mais toujours est-il qu'il y, y aura un cours de cette forme-là imitative, c'est une sorte de, de recours à ces fameuses formes, euh, comment on pourrait dire, ces formes immédiates de la foi qui se vivent sans le recours au texte et à l'étude. Et, euh, et euh, cette euh, pratique de l'imitation de Jésus-Christ va énormément se développer au XVe siècle, par exemple, puisqu'il y a un texte important qui va être publié à ce moment-là, qui est un texte de Thomas Akempis s'appelle « appelle imitation de Jésus-Christ. Donc on est peut-être dans ce type de proposition, <coughs> donc euh, je, duquel vont pouvoir découler après toutes sortes de, de pratiques, hein, comme euh, la, la pratique de, euh, de, de la silice ou euh, de la flagellation, qui sont d'autres façons hein, de partager la souffrance euh, du Christ, etc., etc. Voilà, voilà, voilà. C'est donc euh, la, le seul endroit où j'ai trouvé quelque chose qui pouvait... Euh, euh, éclairer un petit peu la proposition de de Baxendale, mais bon, voyons, voyons, voyons. Le baptême du Christ est à l'origine de l'institution du sacrement du baptême. Le premier de tous les sacrements, bien sûr. Le commentaire sur le baptême du Christ, par exemple, dans les sermons sur la fête du baptême, ne manquait pas d'insister sur la nature de ce sacrement. En fait. La doctrine des trois baptêmes est très présente au XVe siècle. Et le seul ouvrage de référence dont nous ayons besoin est quelque chose comme la Summa Theologica, écrite au XVe siècle, au milieu du XVe siècle. Alors ce pas la somme théologique de Thomas d'Aquin, hein, c'est donc celle d'un certain Saint Antonin de Florence. Alors Saint Antonin de Florence, <coughs> les, euh, comment les historiens d'art le connaissent un petit peu, puisque Antonin de, de Florence, qui est un, un frère dominicain et un théologien entre le 14e et le 15e siècle, hein, était proche de Fra Angelico et il a guidé, semble-t-il, Fra Angelico euh, dans ses belles fresques, dans le, le, le programme de ses fresques à San Marco. Donc à Florence, hein, vous avez déjà vu le, le couvent de, de San Marco et vous connaissez peut-être les, euh, les magnifiques pièces euh, peintes par euh, Fra Angelico à cet endroit-là. Donc Saint Antonin de Florence, dont nous retiendrons plus particulièrement deux passages. Le sermon sur le baptême du Christ et le chapitre sur le baptême. Si Piero a fréquenté les églises de Florence durant ses années d'apprentissage, il a certainement assisté aux prêches de Saint Antonin. Et par ailleurs, euh, comment euh, euh, Piero della Francesca? Son, ne manque pas, semble-t-il, hein, d'avoir été influencé euh, un peu, enfin le terme est mal choisi, mais d'avoir été vivement marqué par la façon dont euh, Fra Angelico traitait les, euh, les plantes, les, les, les tapis de fleurs et, et d'herbes qui sont euh, présents dans son propre tableau, là, dans son... Ici. Et c on peut voir dans ce traitement hein, des, des tas de choses qui font penser pas mal à la façon dont Fra Angelico traitait lui-même euh, ce type de motif. Alors, euh, si ça vous intéresse, vous regarder d'ailleurs un petit peu, euh, je vous ai trouvé des, quelques images de Fra Angelico. Attendez, je vais chercher ça. Hop. Voilà, Hop. attendez, c'est pas celle-là que j'ai cherché. Je voulais insister sur oh, ça c'est les cellules de San Marco. Donc, les, tous ces trucs-là, c'est les choses qu'il apparaît à San Marco. Hein. Donc, une annonciation ici avec à l'arrière-plan, euh, euh, probablement Thomas d'Aquin. Ça aussi, là vous voyez Saint Dominique, ici, que vous saurez reconnaître à ah, sa tenue de dominicain, évidemment, mais à l'étoile rouge euh, qu'il y a dans euh, son nimbe. Et pour le traitement euh, des plantes, ça aussi, hein, c'est une des cellules de Saint Marco. C'est une dérision du Christ. Donc, c'est un motif assez proche, euh, cette espèce d'envolée de, comme ça de, de, de choses autour du visage du Christ en dérision. Ça peut vous faire penser aux, aux Arma Christi euh, des siècles précédents. Et euh, là aussi, c'est lui, c'est encore une cellule de San Marco. C'est <coughs> une transfiguration hein, entre Moïse et Élie. Là, vous voyez euh, Moïse ici et Élie là. Et ici, bah, encore euh, Saint, Saint Dominique. Et c'est c'est Piero della Francesca. C'est lui, c'est encore Pierrot de della Francesca. Mais je pensais avoir. Ah, voilà, c'est ça. Voilà le traitement. C'est ça que je vais vous chercher. Là, par exemple, c'est dans le martyr de Saint-Côme et d'Amiens. Le traitement des plantes par Frangelico. Ou ici, dans un de ses grands tableaux d'hôtel sur un retable. Voilà. Ou ici, toujours dans un, un volet de son cycle sur les martyrs de Saint-Côme et Saint-Damien. Agnès, il y a un gâteau au four Oui. Tu vas aller en train de l'oublier, ça sent fort. Hein Je crois tu en train de brûler. Moi, il risque de brûler, là. <laughs> Méfie-toi. On y retourne. Donc voilà, on retourne sur Fran euh, sur euh, de la Francesca. Voilà. Il a brûlé <laughs> Merde. Euh... Continuons avec cette histoire de baptême donc, et de euh, Saint-Antonin de Florence. La doctrine des trois baptêmes euh, permettait de surmonter une difficulté réelle. En effet, si les non baptisés sont damnés, certaines catégories d'âmes qui ne le méritent pas, les martyrs non baptisés par exemple, sont exclus du purgatoire et condamnés au supplice éternel. Dommage. Bon ça, euh, cette question là elle, est, euh, enfin, elle ne se manifeste pas au 15 siècle hein, on est d'accord, hein. on n'attend pas euh, du tout euh, comment euh, on n'attend pas Saint-Antoine d'influence pour se poser ces questions, si ces questions vous intéressent elles bah, sont par exemple très présentes au 13 siècle dans l'invention du purgatoire euh, la question des âmes des innocents par exemple, ou des âmes des anciens donc avant l'avènement du Christ on peut pas reprocher aux âmes justes qui euh, sont nées avant l'arrivée du Christ sur terre, de ne pas avoir été baptisées. ça n'a aucun sens, donc évidemment c'est un problème théologique de fond auquel euh, les théologiens bah, ont pensé bien, bien avant évidemment le 15e siècle vous pouvez vous en douter donc si ces questions vous intéressent euh, et bien lisez par exemple le Purgatoire de Jacques Lecoq super bouquin voilà passionnant on considérait donc qu'à côté du sacrement proprement dit du baptême le baptême par l'eau existait aussi un baptême du sang baptismus sanguinis Réservé à ceux qui mouraient pour le Christ et un baptême du Saint-Esprit, Baptismus Flaminis. La possibilité d'obtenir la rémission du péché originel, point le plus crucial de tous, sans avoir reçu le baptême par l'eau, le Baptismus Flaminis, comportait cependant un danger, puisque les gens risquaient de ne plus ressentir un besoin aussi urgent de se soumettre ou de soumettre leurs enfants aux modalités habituelles du sacrement du baptême. En conséquence, il fut précisé que à la différence des deux autres, le baptême par l'eau ne nous lavait pas simplement du péché originel, en nous préservant du châtiment éternel, mais imprimait une marque réelle sur notre âme, en la prédisposant au bien, un peu comme euh, l'ordination imprime sa marque sur un prêtre. Ouvrez les guillemets. Il atténue notre inclination pour le péché et illumine l'esprit, particulièrement dans le domaine de la foi. Ainsi, le baptême par l'eau avait un pouvoir spécifique qu'on ne retrouve ni dans le baptême du sang, ni dans le baptême de l'esprit. D'où le caractère particulier des trois anges qui sont là. Tous les anges sont l'esprit. Euh, les anges, on en a parlé un petit peu ensemble. Euh, il y a toutes sortes d'anges dans la, la, la tradition chrétienne, mais c'est un héritage assez long. Alors, bon, euh, les anges, vous voyez à peu près ce que c'est. C'est des créatures entière spirituelle qui sont intermédiaires entre Dieu et les hommes. Donc ça veut dire aussi que picturalement, on arrive à un... ça veut pas dire qu'ils se manifestent pas euh, sous des enveloppes euh, dans les dans les récits euh, les récits bibliques, ils peuvent être manifestés. Ils sont intercessifs, à ce moment-là, ils apparaissent, ils sont vus comme dans euh, enfin, comme Tobie qui voit Raphaël et qui est conduit par lui à travers le désert, euh, mais ils sont pas toujours vus. La Vierge par exemple ne voit pas l'ange Gabriel, elle le perçoit comme un souffle. Donc c'est pas parce qu'il est dans le tableau qui fait partie du monde visible. Donc on doit toujours se poser la question quand on voit des anges dans un tableau euh, à quel domaine euh, possible ils appartiennent à cet endroit-là. Ils ne font pas, pas forcément partie du dispositif visuel dans lequel euh, se présente la scène. Et euh, il existe pour les chrétiens euh, une hiérarchie céleste assez complexe, on l'a évoqué je crois en parlant euh, de euh, comment, euh, en parlant de, de, je crois, du baptistère de Florence et des mosaïques qui se trouvent à son plafond. Cette hiérarchie, on fait reposer en fait, sa fondation en général sur euh, le pseudodéniste, l'aréopagite, qui était un, un théologien néo euh, du 5e, 6e siècle. Après euh, l'ère chrétienne, hein, évidemment, puisque chrétien. Euh, cette hiérarchie, on peut quand même retrouver des sources, euh, enfin, en tout cas, l'idée d'une hiérarchie entre les créatures célestes, plus généralement, donc avant euh, que, d'une certaine manière, Denis la Réopagite ne vienne le, la thématiser de, de façon un peu fixe, un peu ferme, euh, dans la période hellénistique, donc, la période hellénistique, c'est euh, après la, la classique, c'est celle qui couvre euh, la période après la mort d'Alexandre le Grand, donc 300 avant l'ère chrétienne. Donc, avant euh, les propositions chrétiennes de cette hiérarchie, on a pu trouver euh, des propositions d'une hiérarchie céleste, donc plutôt sur un socle de la tradition juive. Et puis, on va, ça va être relayé après par euh, les pères de l'église euh, grecque donc euh, Grégoire de Nazianze, euh, Ephraim, Saint Jean Chrysostome, ils vont, ils vont relayer, ils vont établir cette espèce de systématique d'une théorie euh, euh, angélique euh, ordonnée avec euh, une division triadique en trois groupes de trois et construire autour de ça une espèce de, oui, de, de monde strictement hiérarchisé. Donc les trois groupes sont, le groupe principal c'est les Séraphins, les Chérubins et les Trônes au-dessous desquels vous allez trouver les dominations, les vertus et les puissances, au-dessous desquels vous allez trouver les principautés, les archanges et enfin les anges. Donc c'est une sorte de déclinaison hiérarchique sur un principe néoplatonicien, donc découlant de l'un, hein, le principe néoplatonicien de l'un, dont toutes ces catégories angéliques sont au fond des sortes d'émanations, et ça va servir ensuite de modèle métaphysique pendant pas mal de siècles. Donc voilà pour les anges, donc pour présenter un petit peu cette catégorie à part de, de créatures. Euh... Qu'est-ce que je disais Les trois anges. Ils sont l'esprit. La couronne que porte l'ange de droite, donc on va regarder un petit peu de plus près nos trois anges, une fois de plus. Hop, hop. Voilà. On y va. Peut être identifié au laurier du martyr. Ici. Donc une certaine catégorie de, de saints, on pourrait dire les, les proto-saints des saints martyrs. Cependant, l'ange du milieu, vêtu comme s'il était préparé pour être baptisé par l'eau, donc on pourrait même dire conduit dans ce cas-là au baptême par les deux autres anges, euh, se réfère ainsi que l'indique ses deux compagnons à l'exemple du Christ et le blanc de sa tenue répond à la tache blanche de l'homme baptisé sur la droite. Donc, s'il y a bien une chose qui est claire, on a parlé tout à l'heure de l'organisation chromatique de, du tableau. Je pense qu'on ne peut pas à, passer outre hein, cette barrière, mais qui, est, après tout, pourrait très bien hein, séparer le plan spirituel dans lequel est conçue euh, cette structure et euh, du renvoi qui s'y fait ici. Mais effectivement, l'espace des corps est scandé par trois. De trois corps blancs, hein, celui du Christ, celui euh, de l'homme de la foule qui vient euh, ici se faire baptiser, et celui de cet ange. Donc il répond à la tâche blanche de l'homme baptisé sur la droite, dont le, le Christ fait en quelque sorte l'axe. Toutes les autres étrangetés réelles du tableau s'éclairent maintenant. Les spectateurs, dont l'accoutrement byzantinisant fournit la couleur orientale, locale, chère à Pierrot, ont été repoussés vers le fond du tableau pour ne pas brouiller la scène du premier plan. Ils auraient pu en particulier détourner l'attention du personnage solitaire, qui fait écho à l'ange du milieu et s'apprête pour le baptême. L'eau sous les pieds du Christ qui reçoit le baptême est transparente. Et elle symbolise l'effet produit par la cause matérielle du baptême euh, par l'eau. Alors, cause matérielle, hein, on, en est, on a causé ensemble les quatre causes, vous vous en souvenez un petit peu, j'espère, les quatre causes aristotéliciennes, la cause matérielle, la cause efficiente, la cause formelle et la cause finale. Donc voilà, les quatre causes. Hein, la cause matérielle, c'est la matière qui va constituer la chose. Euh, que bon, alors, évidemment, c'est toujours bizarre hein, de parler de cause finale pour, parce qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais c'est les, les causes répondent à la question pourquoi cette chose? donc là, là pourquoi, ça veut à la fois dire d'où vient la chose et où va-t-elle? pourquoi elle est faite? Donc la cause matérielle, c'est ce par quoi elle est faite, la matière qui constitue la chose. Euh, la cause efficiente, c'est sa cause motrice, etc. etc. La cause formelle, c'est son essence. Et la cause finale, c'est en vue de quoi la chose est faite. D'accord bon, on, a, on, a, on a parlé longuement de ça la dernière fois. Et je ne vais pas vous refaire la théorie aristotélicienne des causes. On ne va pas y passer la nuit non plus. Donc c'est la cause matérielle du baptême par l'eau. Selon Saint Antonin, L'eau est un corps diaphane, c'est-à-dire transparent, ce qui fait qu'elle est sensible à la lumière. Et c'est parce que le baptême confère la lumière de la foi qu'il est appelé sacrement de foi. Là, on a un dispositif analogique. En ce qui concerne le paysage San Sepolcro-esque, il n'était pas rare d'imaginer les récits religieux dans des paysages rappelant plus ou moins un lieu donné. Les livres de dévotion de l'époque expliquent le sens de cette pratique. On pourra même le voir, si vous voulez, dans un autre tableau de Piero della Francesca euh, à Arezzo, dans le cycle de fresques de la, la Vraie Croix. Vous verrez qu'on voit apparaître la ville d'Arezzo à un endroit où mm, elle n'est pas censée hein, être présentée. Comment c'est écrit euh, Dans les livres de dévotion, ici. Citation. Pour mieux graver l'histoire de la passion dans ton esprit et en mémoriser plus facilement chaque action, il est nécessaire et utile d'en fixer les lieux et les personnages dans ton esprit. Visualise une ville précise, par exemple, qui sera la ville de Jérusalem en pensant à une ville que tu connais. Bien, donc produire du familier pour réinjecter, salut d'animer réinjecter en fait la storia biblique à l'intérieur du contemporain, l'ancrer en quelque sorte dans votre immédiatement sensible. Vous comprenez le sens en fait de, de ce désir à cette organisation. Ceci devait favoriser la méditation privée. En dépeignant un cadre d'ensemble familier, le peintre s'attachait à produire une image mémorable et parlante. Mais d'habitude, Piero est très attentif à la description des villes. Or, dans le cas présent, il se soucie trop peu de San pour qu'il soit nécessaire d'insister. Et l'exemple en question, je ne sais pas si je l'ai là. Je vais regarder ça, attendez un peu. Hop, hop, hop. je, vais, je cherche un exemple intéressant euh, justement à Arezzo. Hop, hop, hop. Je vous épargne mon, ma... Recherche, c'est pas très intéressant pour vous. Voilà. Là, on va avoir un exemple intéressant. Voilà. Avec la ville. Ici, on est dans la légende de la vraie croix. Hein, donc, il y a toute l'histoire du cycle euh, qui met à jour l'origine, le, enfin, le bois de la vraie croix, son invention, la traversée du pont par la reine de Sabah. Enfin, toute cette histoire quoi, qui commence avec l'arbre qui pousse près du cadavre d'Adam. Et là, vous voyez, dans cette scène hein, de l'invention de la vraie croix, à l'arrière, vous avez une vue d'Arezzo, et qui est relativement précise hein, par rapport euh, à l'état de la ville contemporaine au moment où euh, Piero faisait sa fresque. Donc là, il est assez soucieux de la rendre, ce qui fait que n'importe quel euh, arétin, n'importe quel habitant d'Arezzo reconnaît instantanément sa ville. Il me semble que cette explication, tout en rendant compte de chaque particularité du tableau, répond mieux. Que ne le fait la haute iconographie ou principe de légitimité, d'ordre et de nécessité. En termes de critique inférentielle, elle paraît plus valide. Elle va en tout cas nous servir de butée, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que les questions de validité sont toujours des questions de validité relative. Et puisque nous pouvons à présent avancer, nous allons non seulement tenter de repérer les défauts de cet exposé, qui j'en suis sûr est inexact, de manière à trouver une explication plus valide, mais nous allons aussi essayer de formuler les conditions dans lesquelles il serait possible d'opérer une sérieuse autocritique à l'intérieur de nos trois modes autocritiques. Je vois trois principales sources d'erreur dans mon explication. La plus évidente et la plus désastreuse est que j'ai négligé, après en avoir trop longuement parlé, le principe selon lequel un tableau peut avantageusement être interprété comme une solution apportée à un problème donc chose dont il avait été indûment question quand on devant la nature des problèmes par exemple on pourrait dire empiriste euh, euh, et euh, optique que se pouvait se poser chardin euh, selon les lectures philosophiques de son époque euh, locke et condillac ou euh, les problèmes de représentation que pouvait se poser vous vous en souvenez picasso pour son portrait de kahnweiler réponse à un problème Dès qu'on reprend l'habitude de chercher des significations, on se met en quête de signes. Et bien entendu, immédiatement, bah, on en trouve. En second lieu, j'ai pas suffisamment prêté attention au langage pictural propre à Pierrot. Alors même que je disais plus haut que ce n'était rien moins qu'un langage générique. Cette deuxième négligence se combinait malencontreusement avec la première. Dans la mesure où le langage de Pierrot constituait certainement une partie du problème de Pierrot. Enfin, j'ai pas utilisé avec suffisamment de rigueur les principes de légitimité, ordre, nécessité. La position centrale du Christ dans le tableau, donc ordre. Alors on va regarder à nouveau ce tableau. Désolé, on passe d'un endroit à l'autre. La position centrale du Christ dans le tableau, donc ordre, qui est le point de départ adéquat, et les différentes fonctions de l'image religieuse, donc légitimité, devraient nous amener à penser que le sujet du tableau est le baptême du Christ. Et non la doctrine théologique du baptême, ou le concile de Florence, ou euh, une triple fête. À partir de là, on doit se demander si la nécessité, le tableau représente des particularités qui ne s'expliquent pas par le simple fait qu'il donne une représentation littérale d'une scène et de sa signification religieuse directe. Le mieux est de repartir du récit biblique, Saint Matthieu. Alors là, lui, il a donné... Euh, la traduction d'Olivetan, mais bon, moi je vous l'ai déjà lu euh, tout à l'heure, et c'est exactement le chapitre que je vous ai lu, euh, Saint Matthieu 3, etc. Donc vous l'avez encore un petit peu en tête, les pharisiens, les sadducéens euh, qui veulent euh, se faire euh, baptiser, il leur dit d'aller euh, euh, se faire cuire le cul, etc. etc. Bon. Par contre, je ne vous ai pas lu la fin, euh, donc c'est bien de les lire là. A donc vint Jésus de Galilée au Jordan pour être baptisé de lui. Donc il a choisi une traduction euh, plus ancienne, une traduction donc euh, euh, d'Olivetan. C'est ce que j'ai dit. C'est moi qui dois être baptisé de toi et tu viens à moi Et Jésus lui répondit et lui dit Permets-le maintenant, car ainsi nous convient faire pour accomplir toute justice. Lors, il le permit. Et quand Jésus fut baptisé, un continent, il monta hors de l'eau. Et voici les cieux qui furent ouverts, Et vint l'esprit de Dieu descendant comme une colombe. Et vint y lui. Et venant sur y lui. Voici aussi une voix du ciel disant Donc ça c'est la théophanie dont je vous parlais tout à l'heure. tu et mon fils bien aimé auquel les princes mon bon plaisir. Les principaux éléments du récit sont Jean vint jusqu'au Jourdain, enfin Jean le Baptiste, hein, vêtu d'un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir. Ça c'est littéral. Là, en l'occurrence, ça l'est beaucoup plus que dans les représentations qu'on a regardées tout à l'heure, puisqu'on lui adjoignait souvent un manteau de vraiment beaucoup plus glorieux que sa simple tunique de poils. Et puis des gens le rejoignent et quelques-uns sont baptisés. Jean repoussa cependant les pharisiens et les sadducéens en leur disant que les arbres stériles seraient coupés et leur bois jeté au feu. Et lui, il ajouta que celui qui venait après lui était plus fort que lui, donc le Christ les à ce moment, parut Jésus qui insista pour être baptisé par Jean, puis Dieu envoya le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe et fit connaître sa satisfaction. Et voilà. Qu'est-ce que des hommes du XVe siècle pouvaient retenir de ce récit Si on s'en tient au sermon sur le baptême de Saint-Antonin, un, Saint un contemporain, donc là c'est la question de la légitimité, donc le cadre extérieur de rationalité, on voit se dégager trois éléments essentiels. Saint Antonin souligne d'abord que c'est la première manifestation de la Trinité et qu'elle est impressionnante. Oui, c'est la première fois qu'on on voit évoquer en même temps les hypostases. Alors là, elles ne sont pas présentées, si vous voulez, dans un tel ordre disjonctif que celui d'un tableau et d'une narration comme consubstantielles, ces hypostases, mais en tout cas, elles sont là, ensemble, tenues ensemble par le récit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu envoie sur Terre le Saint-Esprit qui a pris la forme d'une colombe. Il s'arrête ensuite sur l'institution du premier sacrement, le baptême, rite de purification, qui doit nous laver de la tâche du péché originel, ou du moins nous permettre d'échapper au supplice éternel. Enfin, et ce point est effectivement très important, il voit dans cette scène un exemple frappant de l'humilité du Christ. Il descendit jusqu'au Jourdain, et lui qui était sans péché insista pour être purifié par un homme qui lui était inférieur. Donc on annonce hein, la prise en charge, la rédemption de tous les péchés du monde par le Christ. On retrouve donc les trois mystères fondamentaux et le choix de Saint Antonin est parfaitement orthodoxe. Ces mystères sont exposés dans d'autres sermons manuels de l'époque et Pierrot les résume, donc là, les résume par l'ordre hein, interne de son travail, dans la zone privilégiée du tableau, qui partant de la colombe pour la Trinité, descend en passant par la coupe d'eau et par l'eau elle-même, pour le sacrement qui doit nous purifier, jusqu'à la tête du Christ qui baisse les yeux. Avec humilité, cette zone-là du tableau, que voici. C'est le sujet central du tableau. Bon, ceci n'explique pas bien sûr les trois particularités, les quatre hommes, les quatre hommes pardon, qui apparaissent à l'arrière-plan, peut-être l'étrange lit de la rivière et la présence un peu indiscrète des anges, qui chaque fois ont appelé des explications assez sophistiquées jusqu'ici. Il faut d'abord penser aux problèmes complexes que Pierrot affronte dans ce tableau. Son baptême du Christ s'inscrit dans une tradition picturale. Donc là, je vous en ai montré beaucoup. Euh, je vous ai pas montré le plus tardif. Je vous en avais chopé un beau euh, de, comme on Tintoret. Mais si on parle de tradition picturale, dans ce cas-là, acceptons l'idée qu'on va regarder des choses plus anciennes que Pierrot. Donc, on ne va pas se plonger dans le 16e siècle là. C'est d'elle que viennent les anges, dont il n'est pas fait mention dans l'évangile, et le groupe de spectateurs. Vous avez pu remarquer que sur toutes les versions qu'on a regardées, hein, que ce soit Giotto, Giusto di Menaboy, on a vu quoi encore On a Niccolo di Pietro Gerini, et je crois que c'est tout. Euh... C'est d'elle que viennent les anges. Et deux facteurs particuliers compliquent son travail dans cette tradition. En premier lieu, ça me semble avoir joué un rôle essentiel, il n'y avait pas de tradition fixant les règles de représentation du baptême du Christ pour ce type de tableau vertical, d'assez grand format, à plan des figures de grande taille. On trouvait surtout des panneaux verticaux avec des figures de petite taille ou bien des baptêmes qui se pliaient aux grands espaces horizontaux de la fresque, l'un ou l'autre. Or, Pierrot devait proposer une scène digne du panneau central d'un retable. C'est pas un sujet fréquent hein, pour le... les retables. Au fin et l'arbre, on ne sait toujours pas. Personne ne sort tant que j'ai pas je, je ne sais pas, enfin, on va trouver. C'est quand même intéressant. Alors, par exemple, tu parlais du ciel terre. Admettons que l'implicite ce soit plus de spirituel, temporel. Et là, tu l'as ta solution. C'est à dire il faut aménager un espace du visible pour l'invisible. Euh, la manifestation de l'invisible, elle a un lieu nécessaire. C'est le lieu nécessité par la théophanie. En d'autres termes, la manifestation de la théophanie, c'est juste Père-Fils-Saint-Esprit, à travers l'apparition de la Sainte Colombe et la voix du Père au-dessus du Fils. Révélation à cet endroit-là de la consubstantialité des hypostases, c'est-à-dire à ce moment-là, apparition d'un espace. Euh, a priori n'appartenant pas au plan terrestre, qui vient s'y incruster. Les anges, qui font partie de la tradition picturale, deviendraient alors un problème. Ils parasiteraient la puissance de cette théophanie. En produisant un arbre dont la tradition est de couper plan spirituel et terrestre, on aménage dans la partie gauche du tableau une seconde poche laissée à cet endroit-là pour l'espace du spirituel et de l'invisible, sans saloper la puissance à cet endroit-là de la théophanie. Ouais, c'est tout à fait de ce point de vue-là compréhensible, légitimement, et ça vient effectivement cloisonner l'espace angélique pour le tenir dans une certaine distance de la planche centrale, tout en ne renonçant pas à la tradition iconographique. Voilà. Alors, oui, la, la, la forme même de l'homme qui se déshabille est particulière, c'est vrai. Mais bon, à la limite, là, on, on peut toucher à la question de la commensuration et euh, la question architecturale, architectonique, enfin bon. Oui, c'est évidemment, c'est un endroit tout à fait étonnant. Il n'est pas non plus nécessaire, on l'a dit tout à l'heure, de s'intriquer à la euh, comment à la, à la question de la signification. Donc on ne va pas non plus être obsédé par ça. Euh, tu avais dit plus haut l'aménagement d'un espace spécifique pour ne pas parasiter la théophanie. Je n'ai pas vu ça au final. J'ai vu juste le truc traditionnel, arbre-ciel-terre, enfin, pas, pas grand-chose qui nous aide à comprendre euh, en, en quoi d'un seul coup il s'imposait. Ça n'a pas beaucoup de rapport, il me semble. En premier lieu, en. Ah, où j'en étais Ah oui en premier lieu, et ceci me semble avoir joué un rôle essentiel, il n'y avait pas de tradition fixant les règles de représentation. Tatatitata. En second lieu, il s'appuyait sur un langage qui lui était propre. La situation qui en découle peut être pensée en termes de difficultés et de moyens particuliers. La difficulté tenait dans le traitement du premier plan, qui risquait de paraître surchargé. Très simplement, euh, un grand format vertical et de ce genre ne permettait pas de placer les spectateurs sur le côté du tableau. Le peintre risquait d'évaluer le groupe central du Christ et de Jean en le comprimant. En outre, le style même de Pierrot, fondé sur la monumentalité des figures, donc la monumentalité on, on l'obtient, vous le comprenez, en abaissant singulièrement euh, le point de vue. Juste, hein, vous abaissez le regard, ce qui donne un léger effet... Euh, comment euh, Un léger effet à début de contre-plongée, en tout cas le spectateur a une position euh, dévotionnelle, il est plus bas hein, que les figures, comme s'il était en prière devant lui. Ça donne ce caractère monumental. Donc ce, ce traitement monumental n'allait pas dans le sens d'un traitement qui qu aurait consisté à tasser les personnages secondaires au premier plan, où ils auraient formé un rang étroit. Pour représenter ce type de scène, Pierrot a besoin d'un peu d'espace latéral. Ses spectateurs ne sont jamais véritablement discrets. Mais il disposait aussi de ressources particulières, parmi lesquelles figure ce qu'il aurait appelé commensuration, terme qui désigne aussi la possibilité d'enregistrer, grâce au système de la perspective, la récession et l'organisation de l'espace en profondeur, en avançant à l'intérieur du tableau. Salut Pectase. Ceci lui permettait de conserver les figures du baptisé et des spectateurs tout en maintenant le Christ et Jean au premier plan, dans la position dominante qui devait être la leur. La solution de Pierrot est marquée par la clarté spatio-temporelle avec laquelle il organise la première moitié du texte de Matthieu, qui se déploie selon une série de plans qui vont de l'arrière vers l'avant du tableau, ce qui fait dans ce cas-là, vous voyez, dans les, les, les trois types d'organisation, une fonction supérieure qui est celle de l'ordre, c'est-à-dire l'organisation interne d'une cohérence picturale. Au loin, on distingue les collines, les collines d'où le Christ et Jean sont descendus. Puis on voit les auditeurs de Jean et les souches auxquelles il compare certains d'entre eux. Un objet qui symbolise le type de baptême lui est associé. Et enfin, en suivant le cours de la rivière, on arrive au groupe central du Christ et de Jean. Je crois que ceci suffit à expliquer, là c'est la question de la nécessité, la parcimonie si vous voulez, les quatre personnages vêtus de riches costumes orientaux. Il ne représente ni l'église byzantine, ni les quatre rois mages, mais simplement les pharisiens, les sadducéens, etc. Le premier plan du tableau a lui aussi quelque chose d'étrange, puisqu'on passe brusquement d'une eau lisse comme un miroir à une eau transparente. À travers saint Antonin, j'évoquais la question de la pénétrabilité du baptisé à la lumière de la foi. Et ceci avait une apparence de légitimité sur le plan de la chronologie et de la logique. Mais ce type d'explication ne répond à aucune nécessité. Et il est nécessaire d'être plus attentif à l'organisation picturale. A nouveau, il faut tenir compte aussi bien de la tradition picturale que du langage de Pierrot. Pierrot donne souvent à ses rivières l'apparence de miroirs, comme dans le plan intermédiaire de ce tableau. Il est clair que l'ajustement optique des phénomènes de réflexion l'intéresse. Je crois que là, on voit bien effectivement à quel point il prend un plaisir incroyable, hein, ici, à mettre ça en lumière. Mais dans le cas présent, ça lui pose un petit problème. Imaginons le personnage du Christ dans le langage de Pierrot, sans pied. C'est un choix qui n'est pas vraiment fait par les autres. À chaque fois, on joue beaucoup. Vous verrez, bah, on peut regarder les pieds d'ailleurs chez euh, les autres. Hein. Et je pense qu'à chaque fois, ils font ce choix. Et je pense qu'ils le font parce qu'il ne peut pas être question de toucher l'intégrité du Christ. Voilà. Regardez par exemple l'exemple qui est choisi ici par le couple le tandem Verrocchio Leonardo ici dans aux offices ici le choix qui est fait par Giotto à la chapelle Scrovegni le choix qui est fait ici par Giusto di Menaboi Le choix qui est fait par Niccolò di Pietro Gerini, vous voyez. Ici par le Perugino, le Perugin. À la Sixtine. Voilà, et je me demande si plus tardivement, c'est-à-dire au moment, voilà. Eh oui, on change complètement d'optique là. Voilà ce qui peut se passer plus tard. On n'est plus dans la même perspective avec le Tintoret. C'est tout à fait autre chose. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Donc ça n'a rien à voir, mais voilà. En tout cas, dans la tradition picturale dans laquelle euh, se trouve notre Pierrot, pas question de toucher à l'intégrité du Christ. Donc on voit ses pieds. Pire, imaginons-le non plus avec des pieds, mais comme le voudrait ce type de langage, avec le reflet peint de ses mollets, s'il avait suivi la directive qu'il s'est donnée ici. Cependant, la tradition picturale apportait quelque chose qui pouvait jouer à la fois comme élément du problème et de solution. De fait, si le tableau n'avait pas perdu la plupart de ses réaux à la feuille d'or, il hein, n'y aurait rien de particulier à expliquer. Les anges de Christ et Jean avaient au départ des auréoles dorées. Et les ailes et les bords des vêtements étaient aussi parsemés de touches d'or. Mais surtout, il y avait une sorte de pluie dorée, de rayons lumineux d'origine divine. Donc, il devait sans doute tomber, comme on l'a vu sur un autre exemple tout à l'heure. Hein. Voilà. Ici, sans doute assez drôle. Regardez, on va zoomer et c'est possible qu'il en reste quelque chose. On voit bien la série des petits traits verticaux qui ont perdu leur or. Vous voyez cette espèce de pluie d'or Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on a pu retrouver sur les autres choix. Comme ici, par exemple. Et ces marques-là ont disparu sur le baptême de Pierrot. À la Renaissance, on représentait souvent le baptême du Christ ainsi. Dans le tableau de Pierrot, les stries de la dorure ressortent encore clairement dans la zone où apparaît la colombe. Elles représentent la lumière divine qui, depuis le ciel, illumine le Christ et bien sûr toute la surface de l'eau autour de lui. Le Christ se tient en quelque sorte dans la lumière d'un projecteur divin. Cela non seulement justifie la transparence de l'eau, mais trouve dans cette transparence, et là on touche à l'ordre de ce tableau, sa transcription visuelle idéale. Cette lumière est eh bien celle de Dieu et non celle de la foi. La troisième étrangeté du tableau tient dans la présence un peu envahissante des anges qui ont été interprétés comme, euh, contre les lois du décorum, comme une métaphore des trois baptêmes, ou euh, de l'union des églises byzantines et romaines, c'était vraiment beaucoup beaucoup demandé quand même, ou du mariage du Christ avec l'église, et ou des noces de cana. Tout le monde reconnaît qu'il n'y a rien d'étonnant dans le fait que des anges assistent au baptême du Christ. Même s'ils ne sont pas mentionnés dans la Bible, ils font partie intégrante de la scène depuis des siècles. Ça on a pu le voir ensemble, ils sont toujours là. Mais certains les trouvent atypiques sous d'autres aspects. Les iconographes soulignent par exemple qu'ils ne remplissent pas leur fonction habituelle qui est de porter le vêtement du Christ pendant son baptême. Or, c'est une simple erreur d'observation. Les anges de Pierre ne portent habituellement pas de stole sur l'épaule. Alors là, c'est écrit de stole sur l'épaule, mais je, je pense qu'il y a un problème, parce que stole, euh, je, je pense que c'est un problème de traduction. Euh, je, je ne crois pas que stole existe, enfin à ma connaissance, euh, ça n'existe pas, donc je suppose que c'est des étoles dont il est question. Hein. Alors l'étole, c'est un vêtement qui... Euh, il peut se porter croisé ou décroisé, c'est une sorte de pièce de tissu longue, vous voyez, qu'on peut voir sur les, les épaules des prêtres et qui pendent devant la, jazu, la chasuble, pardon. Ou euh, chez les, les diacres euh, par-dessus la, la dalmatique. Euh... Les anges de Pierrot ne portent habituellement pas de stole sur l'épaule. Or, et c'est dans la seule œuvre de Pierrot qui nous soit parvenue où le Christ porte un vêtement de dessus. Donc. Euh, la résurrection qui est visible à san sepolcro. ce dernier a justement la couleur rose, une couleur importante pour piero. du vêtement qui pend sur l'épaule de l'ange qui apparaît ici à droite, on le voit ici. Alors, ce vêtement-là pourrait bien être la réponse. Il ne fait pas corps avec cet ange et ne doit pas être considéré comme une étole, mais plutôt comme le port du vêtement du christ puisque dans une autre scène de la résurrection, eh bien, le christ porte ce vêtement rose. Alors, je sais pas, j'ai chopé la. Non pas la résurrection, mais la transfiguration tout à l'heure. Est-ce qu'on le voit sur la transfiguration Là, on est toujours à Arezzo. C'est la victoire de Constantin sur Maxence. Là, on a bien Pierrot de la Francesca. Attendez. Non. C'est d'autres tableaux de Pierrot. Euh... Avec d'autres anges, par ailleurs. Ah, bah non, j'ai pas le. C'est dommage. J'aurais dû aller vous chercher ça. J'ai pas vu qu'il en parlait. Une présentation des anges, comme celle qu'on peut trouver dans les tableaux d'autres peintres, serait aussi absurde que des capes de toréador dans l'ambiance du tableau de Perrault. On fait aussi observer que les trois anges devaient normalement vénérer l'événement qui se déroule devant eux, ce qu'ils ne font pas. Peut-être est-il temps de tenter de mieux comprendre ce qu'est un ange en général. Donc on en a parlé un peu tout à l'heure. Saint Antonin nous apprend au fil d'un raisonnement tout à fait conforme à l'orthodoxie de l'époque que parmi neuf sortes différentes d'êtres angéliques, on a parlé tout à l'heure des hiérarchies hein, qui existent, ce que nous entendons dont habituellement par le terme ange correspond à la toute dernière de ces catégories. Et que, compte non tenu d'un nombre limité de vertus et d'archanges, les anges sont les seuls à converser avec l'homme. Ils soutiennent notre piété, représentent une source d'inspiration intellectuelle par le Saint-Esprit. Pour remplir ce rôle, ils prennent parfois une forme humaine, symbolisant la jeunesse, la beauté, afin de se montrer à nous au moment précis où nous prions. Et surtout, ils sont présents quand le prêtre dit la messe près de l'autel. Or, ce tableau a été fait pour un autel. Il est clair en tout cas que ces anges ne sont pas en train de mimer les trois baptêmes ou les conciles de florence ou les noces de cana <coughs> ce sont des esprits ce ne sont pas des interprètes dans l'art du XVe siècle ils jouent le rôle d'inspirateurs intellectuels de plusieurs manières ils peuvent nous donner l'exemple de la dévotion nous indiquer directement ce vers quoi nous devons nous diriger ou diriger notre attention ou euh, nous rappeler tel ou tel point hein, d'un mystère particulier en cédant, dans les cas extrêmes d'un phylactère ou euh, d'un texte alors, est-ce que j'ai pensé à vous prendre un, un, un exemple de ça J'espère que oui. Euh, je crois que j'en ai pris un chez. Euh, ah oui, je sais. On va regarder ça dans un contemporain. Hein. Contemporain de Piero, euh, c'est. Euh, voilà, ici. Là, on est dans un grand retable de, de Luca Della Robbia. Donc les Della Robbia, c'est uh, uh, une famille uh, de, comment, de, de sculpteurs uh, assez incroyables de, de Florence. On en parle sans doute un autre jour. Et là, on voit typiquement voilà, ce genre de présentation. avec des. Euh, ça, c'est vraiment un héritage de l'art du Moyen Âge. Hein. Ange avec phylactère, mais bon, la telle qu'il surprenante à la même époque que Pierrot. Je pense que les trois anges de Pierrot accompagnent ces trois types d'actions, mais dans son style. D'une manière générale, ces anges n'ont rien de démonstratif. Au contraire, ils nous entraînent toujours avec beaucoup de subtilité dans les représentations tout en retenue de Pierrot. Dans le cas le plus simple, l'ange nous regarde et désigne d'un geste l'objet vers lequel doit aller notre dévotion. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver euh, comme exemple On n'a qu'à prendre un exemple chez Pierrot lui-même de cet usage. Euh, ici, par exemple. Voilà. Donc, c'est la Vierge entre quatre anges, et on voit bien euh, le, le, leur côté, euh, com comment ils organisent finalement euh, des instructions dévotionnelles ou des, des attitudes euh, à avoir. Donc, l'ange nous regarde et désigne d'un geste l'objet vers lequel doit aller notre dévotion. Ça, c'est l'ange de droite. Hein. Une formule plus raffinée veut qu'un ange nous regarde tandis qu'un autre regarde l'objet de nos prières. La fonction de médiateur étant alors scindée entre deux membres d'une classe. Voilà. Par exemple, chez Pierrot, avec deux anges, la Vierge avec l'enfant et deux anges. Pierrot trouve dans le baptême du Christ sa solution la plus accomplie. Examinons ces têtes si semblables. Un ange capte notre regard, un autre nous renvoie l'image d'une attention frontale, tournée directement vers son objet, tandis que le dernier, pivotant sur lui-même, nous renvoie d'un geste vers la scène centrale. Mais il existe des rapports encore plus subtils, qui nous entraînent plus avant dans le travail de Pierrot. Là, on touche à l'organisation. Ainsi, l'ange du milieu nous renvoie à la scène du baptême en formant une troisième tâche blanche qui vient compléter celle du Christ, au centre, et celle de l'homme qui se courbe sur la droite. Au lieu de tenir un phylactère où on pourrait dire par exemple, lave-moi, je serai plus blanc que neige ça c'est un texte extrait du psaume 51. Hein. Il transmet son message à travers le jeu des couleurs et l'ordonnancement des tons, c'est-à-dire que cette instruction est picturale d'un seul coup. N'y a-t-il donc rien dans ces anges qui demande une explication Il me semble que nous en sommes à un stade où c'est à chacun d'apporter sa réponse. Votre sentiment sur ce sujet vaut certainement le mien. Personnellement, je crois qu'il y a encore quelque chose. À expliquer. C'est ce que je vais essayer de faire dans le reste de cette section. Ce besoin d'explication vient, me semble-t-il, du fait que Piero s'écarte en trois occasions de son langage habituel. En premier lieu, le groupe d'Ange, fondé sur un extraordinaire jeu d'interaction et différenciation, est réellement d'une complexité tout à fait exceptionnelle. Ceci ne provient pas seulement du mouvement croisé des mains ou du geste de l'ange qui pose sa main sur l'épaule de son voisin, mais aussi des rapports qui se créent plus particulièrement entre leurs pieds. Dans la peinture de Pierrot, les pieds sont souvent engagés dans un dialogue. En second lieu, c'est la seule fois où un ange, chez Pierrot, arbore un drapé aussi plongeant que celui dont est revêtu ici l'ange blanc. Hop là, il a sauté. Ici. En troisième lieu, si les anges de Pierrot portent parfois un diadème ou une couronne de roses, aucun autre n'est représenté avec ce genre de guirlande sur la tête. Bon, c'était pas si éloigné celui qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était un bourrelet de tissu qui ressemble plus à cette espèce de taurus traditionnel qu'on pouvait voir dans les familles de nobles toscans du XVe, hein, qu'on voit bien par exemple sur les coiffures euh, peintes par euh, Paolo Uccello. Hmm. Peu importe d'ailleurs le nom qu'on décide de lui donner, l'image est tellement générale qu'on peut y voir du myrte, euh, du laurier, de l'olivier ou à peu près euh, tout ce qu'on veut. Alors, le myrte, euh, j'ai trouvé une définition par le Muséum d'histoire naturelle. Je ne voyais pas ce que c'était. Je... Ça fait des siècles que j'entends parler de myrte dans les textes sacrés. Je me suis jamais posé la question mais qu'est-ce que c'est en fait Alors voilà la définition du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Le myrte, Myrtus communis, est un arbrisseau so aromatique vivace, toujours vert, au port dressé à la floraison parfumée. Le myrte est un arbre sacré dans de nombreuses civilisations antiques. Le nom latin Myrtus vient du grec myrtos, désignant cet arbuste. Ça la racine mouronne signifie parfum liquide, huile ou essence parfumée. Dans les traditions, il est dit que le myrte est garant d'éternelle jeunesse. Il est planté par une femme, que ce soit chez les Perses, les Grecs ou les Romains. C'est un arbre sacré, symbole de Vénus, déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité. <laughs> ce tableau répond à un problème de fond qui tient, je le répète, dans le fait que le langage de Pierrot entre ici en contact avec une tradition picturale dans les conditions spécifiques que lui impose un panneau vertical d'assez grand format, Donc un panneau central d'hôtel. <laughs> Ce qui complique sa tâche, c'est qu'il est attaché à une certaine conception de l'ange, qu'il montre habituellement sous le trait d'un adolescent culturel, voire un peu lourd, de taille presque adulte. Un tel trio trop homogène risquait de déséquilibrer le tableau. Or, Pierrot ne pouvait le repousser vers l'arrière-plan sans affaiblir sa fonction de cœur. Il pouvait en revanche resserrer le groupe et se servir d'un arbre comme d'une niche latérale où les anges seraient venus se loger. Et un deuxième arbre derrière eux pouvait même faire écho aux rinceaux et entrelacs qui couronnent les niches du passé. Il reste là quelque chose des anciens triptyques. <laughs> Il fallait aussi différencier et alléger le groupe qui risquait, c'est fanin qui va être content, on parle de l'arbre, hein, qui risquait d'apparaître comme une masse inerte et étouffante. En fait, vers le milieu du 15e, ce travail de mise en relation des anges se développe partout. Mais la légèreté qu'il demande, ce n'est pas le point fort de Pierrot, dont le goût va dans une autre direction. On peut donc s'attendre à ce qu'il ait cherché autour de lui des motifs sur lesquels s'appuyer pour développer une composition plus légère. Et à votre avis quel motif ternaire court, un motif qu'on a déjà rencontré plusieurs fois. On l'a même rencontré tout à l'heure à la librairie Piccolomini, d'ailleurs. Tiens, si je me souviens bien. Euh, si vous connaissez le petit tableau, euh, je pense, de Raphaël, qui se trouve avec les trois grâces portant les pommes du jardin des Hespérides, euh, qui se trouve, euh, comment... Euh, au musée Condé à Chantilly. Mais regardez ce qu'on a vu. On a vu la matrice de tout ça. C'est ça. Cette danse de trois grâces qu'on peut voir en plein milieu de la pièce ici euh, de la librairie Piccolomini, c'est quoi Probablement cette pièce antique qui sert de matrice à Raphaël pour les siennes. Évidemment, ce dispositif de, de corps imbriqué ternaire, d'un seul coup, on sait où on l'a vu. Et de la même manière, chez les contemporains, on peut voir un truc intéressant ici. Vous allez comprendre effectivement qu'est-ce que c'est finalement que ce référent. D'un seul coup, on n'a on a pas besoin finalement d'aller uniquement dans l'implicite. Il y a aussi des, euh, des propositions contemporaines. Là, par exemple, c'est euh, une médaille qui a été réalisée par euh, Niccolo Fiorentino, qui est une, la médaille Tornabuoni. Euh, et qu'est-ce qu'on voit au revers de, de, cette, de cette figure hein La figure de Giovanna degli Albizzi, qui est là. Voilà, Giovanna degli Albizzi. Et au dos, on a quoi On a ça. <coughs> Selon le, la même matrice antique hein, qu'on a vue euh, tout à l'heure. Ben C'est là qu'on en vient à cette histoire. Et oui, un mode d'organisation plastique qui euh, peut assister, donner une réponse intéressante et qui en plus s'éteille, on pourrait dire, d'un usage du regard, la con... enfin, une familiarité d'un seul coup. L'une des sources à ton suggéré pourrait être un groupe antique figurant les Trois Grâces. Et il est vrai que la ressemblance est frappante. pierre en s'en est peut-être inspiré. Mais c'est justement parce que la ressemblance est forte que le critique inférentiel hum, répugne à cette explication. Elle fait la part trop belle à la notion d'influence que déteste un vaccin d'Ala. Mais il s'agit d'autre chose. Hein, Puiser dans des matrices, c'est autre chose que de l'influence. C'est plutôt travailler le lieu commun, savoir tirer quelque chose du lieu commun. Ce n'est pas la même chose que l'influence du tout. C'est travailler avec le familier pour faire ressortir l'extraordinaire. Moi, je pense que ça se tient aussi pour ça. Et donc... Ça néglige le travail de transformation que Pierrot a pu opérer à partir de ses ressources propres. Ce qu'on veut trouver, c'est pas quelque chose qui ressemble aux anges de Pierrot, mais quelque chose qui leur ressemblerait compte tenu des transformations opérées par lui. L'idéal, bah, ce serait de trouver quelque chose qui ne ressemblerait pas du tout aux anges de Pierrot, mais dont la rencontre dans le temps où il essayait de trouver une solution au problème plus large que lui posait le tableau aurait pu perturber son mode usuel de représentation des anges au point de donner ce qu'on voit ici. <coughs> 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 Excusez-moi, j'ai visiblement très soif, je vais aller me chercher à boire. Alors. Une demi-seconde et hop. On est sur toi. Le premier fait connu dans la carrière de Piero est que durant l'année 1439, ça m'aurait étonné Solarius. Hein, il travaillait à Florence où il servait d'assistant à Domenico Veneziano. Je crois qu'on a un peu parlé de Domenico. Hein. C'est un peintre euh, très brillant. Du euh, fin 14e, donc un peu plus ancien. Euh, Comment, euh, début 15e, <coughs> qui a été formé lui par le petit génie du gothique international Gentile da Fabriano, à, auquel il doit peut-être un peu l'espèce d'éclat hyper lumineux et comment diaphane de, de ses couleurs, et puis le côté euh, assez luxuriant du travail euh, qu'il y avait chez Gentile euh, da Fabriano sur les plantes, les petites piqûres naturalistes, son monde de brocarts picturaux. Et euh, donc on l'appelle Vénétien, non Mais c'est pas du tout certain qu'il soit vénitien. Il a une forma, une, un bout de sa formation euh, qui est repéré à Venise, mais il est peut-être euh, complètement euh, toscan, actif euh, à Florence surtout, malgré ce bout de formation euh, vénitienne. Et il va continuer euh, d'ailleurs son lien avec ce qu'on va. On appelle le gothique international, puisqu'il aura bossé avec Pisanello, dont on a déjà pas mal parlé, je crois, euh, sur la chaîne, euh, notamment quand on avait été faire les dérives à Breccia et autour. <laughs> Alors, euh... parmi les événements importants à Florence cette année-là, on trouve non seulement le concile de Florence, hein, dont on a parlé euh, tout à l'heure, euh, mais aussi l'achèvement de la grande cantoria de Donatello, avec son extraordinaire frise d'ange chantant et dansant. Or, certains d'entre eux portent des drapés ouverts sur le devant et des guirlandes. Je vous ai trouvé cette incroyable... <laughs> mmh. Cantoria, donc c'est un mobilier de l'église euh, qui a été descendu, mais qui se trouve désormais... Si je me souviens bien, au Musée de l'Opéra de Santa Maria del Fiore à Florence, je crois, donc le Duomo, je crois que si vous allez au Musée de l'œuvre du Duomo, c'est là que se trouve la Cantoria. Euh, ainsi que celle d'ailleurs, si je me souviens bien, de euh, Della Robbia. Alors voilà, les fameux, la fameuse Cantoria. Et on va regarder donc, cette tribune incroyable. Hein. Et voilà comment c'est foutu. Et là, on voit effectivement ces vêtements très très échancrés. Alors, est-ce que est c'était bien la peine de chasser une influence par une autre, M. Baxendal Je ne sais pas. Mais là, oui, on voit, on voit bien à quoi fait allusion Baxendal. Vous imaginez qu'un tel monstre sculptural a fait grand bruit lors de sa réalisation une petite merveille. Bon, bah, je, je suis un peu con parce que j'ai pris des dizaines de photos de ce truc. Et dans l'urgence, j'ai été vous chercher une affreuse photo en ligne. Euh, pas ouf. Bon, je, je regrette de vous montrer une photo aussi crade, mais ça vous donne quand même un petit exemple. Hein. Je pense que on, on peut faire mieux. Euh, ça m'apprendra. Mais euh, j'ai trouvé que ça, j'aurais mieux fait d'aller fouiner dans mes disques durs. Salut Claire La Cantoria, qui apparaît comme l'une des grandes réussites de l'art public des années 1430, offrait tout un répertoire d'anges hyperactifs. Le rapprochement avec le groupe de Pierrot peut paraître absurde, mais euh, cette absurdité même est féconde d'un point de vue critique. On explique une particularité du tableau et en même temps, les œuvres sont suffisamment différentes pour que leur comparaison mette bien en évidence l'originalité de Piero comme de Donatello. Là s'arrêtera la tâche du critique inférentiel qui fera valoir que la découverte du travail de Donatello, à un moment où l'on ressentait le besoin d'introduire plus de variété dans les attitudes des anges, a eu pour effet de modifier l'image que Piero avait coutume de donner de la figure de l'ange qu'on a pu le voir dans ses autres tableaux. Dans les limites strictes de ce qu'on voit ici, les anges de la Cantoria, transformés par Pierrot, ressembleraient sans doute à ceux qu'on voit dans son baptême du Christ. Bon, why not Le mode d'explication autocritique que nous avons voulu adopter nous a conduit à une interprétation minimaliste du tableau en termes de recours iconographique. C'est marrant, c'est que c'est effectivement le cas, mais c'est incroyablement plus convaincant. Hein. <laughs> Obéissant à un certain nombre de directives, le peintre a produit, dans son langage propre, une image pour un retable, avec tout ce que ça implique, où les principaux points du texte de Matthieu 3, bon, vous l'avez encore en tête, hein, sont effectivement traînés, traités en tenant compte d'une tradition picturale elle-même constitutive du problème. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher des significations cachées. Ceci suppose qu'on établisse une distinction tranchée. Entre d'un côté ce qui nous semble avoir joué un rôle direct dans l'intention du peintre et de l'autre ce que certains hommes de l'époque, parmi lesquels il faut compter Pierrot, pouvaient avoir à l'esprit quand ils regardaient ce tableau. Dans le système de la mythologie antique ou dans celui de la théologie chrétienne, dont le mûrissement et l'élaboration ont pris plusieurs siècles, presque tout peut faire sens. Les arbres, les rivières, les couleurs, les groupes composés de douze, sept, trois, voire un élément, comme un même objet signifie souvent plusieurs choses, les processus de condensation sont très fréquents dans l'iconographie, il y a même des figures entières qui ne sont que pure condensation. Pour le coup, là on évoquait ma Arras tout à l'heure, la question de la condensation des trois maris en une est un motif récurrent de l'interprétation de l'histoire de l'art. Et donc effectivement, on ne doit pas douter que la polysémie est ce qui résonne le plus fort dans les œuvres d'art. Donc, euh, en, en, je dirais, dans ce domaine, comme dans tous les autres, il est risqué de se satisfaire d'explications monocausales. Généralement, ce ne sont pas les bonnes. Non. Ou mono, euh, mono si vous voulez. Comme un même objet signifie souvent plusieurs choses, le nombre de symboles qu'on peut légitimement déchiffrer dans le baptême du Christ, devient vite insupportable. Saint Antonin, pour s'en tenir à lui, pourrait déjà nous fournir la matière de plusieurs conférences. Ainsi, il distingue sept niveaux de signification dans le baptême par l'eau, et pour ce qui concerne la colombe que Dieu envoie sur le lieu du baptême, il retient trois grandes lignes d'interprétation. 1. Sa simplicité, ou absence de malignité. 2. Le rôle qu'elle a joué autrefois quand elle est venue annoncer à Noé son sauvetage, ou son salut prochain, en lui apportant un rameau d'olivier. 3. Les sept caractéristiques naturelles des colombes qui symbolisent les sept dons du Saint-Esprit. Pierrot connaissait très probablement ce symbolisme. On peut être sûr que certains de ses contemporains étaient conduits vers ce type d'interprétation quand ils regardaient son baptême du Christ. Rien dans le tableau ne leur interdisait en tout cas. Quitte à élargir le sens du mot cause, il faut reconnaître que ces éléments sont des causes du tableau dans la mesure où il participe du riche potentiel des signification du baptême du Christ, qui est un élément qui a contribué à pousser Piero à peindre le baptême du Christ avec tant de sérieux. Mais ils ne nous sont pas immédiatement ou individuellement nécessaires pour reconstruire l'intention qui nous semble sous-tendre l'organisation particulière des formes et des couleurs que nous percevons dans cette peinture. Nous n'avons pas la raison de les considérer comme spécialement actifs ici, L'intention, au sens faible euh, de l'attribution d'un but ou d'un objet, se révèle être un instrument conceptuel tranchant. Les circonstances s'attachent aux formes et aux couleurs par une sorte d'implication pratique que nous ne pouvons rompre. Si le caractère des formes et des couleurs ne les exige pas ou ne les manifeste pas, ne faisons pas appel à elles. Je voudrais maintenant brièvement revenir sur l'autorité de l'ordre pictural, donc celui des formes hein, et des couleurs. Je suis vraiment désolé, j'aurais dû boire avant, je me suis niqué les cordes. L'outil autocritique que j'ai le moins souvent cité dans la dernière section est celui que nous avions maladroitement nommé ordre. Ah moi, je ne vais pas arriver à vous lire la suite. Hein. C'est celui qui se prête le plus difficilement à une verbalisation directe. En dehors du procédé assez sommaire qui consiste à mettre en évidence un groupe de trois formes blanches ou le déploiement d'une séquence temporelle narrative à travers l'espace de la représentation, le caractère réfléchi de la commensuration de Pierrot rend possible de l'envisager sous forme de diagramme avec moins de simplisme que d'habitude. La mise au carreau du dessin avant le transfert sur le panneau a dû comporter quelques éléments comme ceux qui suivent. Puisque la peinture est de proportion 3 par 2, nous chantons le rôle inhérent à un certain niveau des moitiés, tiers et quarts dans son organisation. Le regard qu'on porte habituellement et des fois assez lourdement sur les tableaux de la Renaissance consiste souvent à essayer de les réorganiser en lignes de force, compositions de volume primaire, etc. etc. Bon, cette méthode rencontre assez rapidement ses limites. Même les données narratives ou iconographiques que nous avons discutées s'intègrent à notre perception de ces relations. Par exemple, l'accent mis sur le cœur des trois anges, la ligne de leur regard à la moitié du tableau, les trois mystères de la Trinité, de la purification et de l'humilité de Saint Antonin, récapitulés dans la section privilégiée du tableau qui va de la colombe à la face du Christ. Donc tout ça on l'a vu tout à l'heure. Dans l'explication verbale d'une peinture, la force de tels éléments, comparée à la signification de telle ou telle chose codifiée dans un dictionnaire de symboles, est difficile à faire ressortir. Et pourtant, leur autorité est fondamentale si nous prenons vraiment au sérieux ces choses visuelles que sont les peintures. Ce sont des données et non une somme de symboles qui constituent le langage du peintre. La bonne critique inférentielle perçoit cette autorité même si elle ne parvient pas à l'évoquer. A fortiori parce que les sommes de symboles sont disjonctives. Alors vous comprendrez bien que. <laughs> Un tableau n'est pas une accumulation de petits éléments ajustés les uns à côté des autres, mais vraiment des grands courants qui traverse et invite le regard à traverser avec eux un espace tabulaire et donc un, un espace de production du continu d'une certaine manière et le, le regard discontinu de la comment dire, de la, la discrimination symbolique euh, d'une grande faiblesse la bonne critique inférentielle perçoit cette autorité même si elle ne parvient pas à l'évoquer on peut au moins tenter de donner un aperçu de ces articulations ne serait-ce qu'en ne les méprisant pas. Par exemple, un certain nombre de raisons font qu'il est difficile de voir dans les plantes qui apparaissent au premier plan du baptême du Christ un symbole de guérison. Ça a été suggéré parfois. D'abord, c'est pas le seul cas où elles apparaissent dans l'œuvre de Pirou. Et ensuite, il faut se souvenir qu'un herbier médiéval est toujours un répertoire médical qui, en tant que tel, traite des propriétés curatives des plantes. Le fait que cinq d'entre elles soient signalées dans des herbiers pour leurs vertus curatives nous apprend quelque chose sur les herbiers et pas sur les tableaux où elles sont représentées. En outre, sur un plan narratif, leur présence se justifie assez puisque, à travers elles, notre attention est une fois de plus attirée sur bah, la fertilité de la vallée. Jean vient juste de sortir du désert où le Christ va bientôt sortir. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans l'organisation picturale qui finalement nous guide. Je parle d'un élément insaisissable, quant en normal, et je n'essaierai pas d'expliciter. Tout ceci semble si fragile, si esthétique, et risque de prendre tellement de temps. Je vais pourtant m'exposer une dernière fois en essayant de le formuler. Piero accordait énormément d'importance à la commensuration, qui incluait le système de la perspective. Ça a pour effet de donner davantage de poids à la représentation de l'espace dans le tableau. Nous l'avons vu utiliser cet outil pour résoudre un problème de lisibilité et de composition. Comme souvent, cependant, un problème secondaire semble avoir surgi de cette première solution. On peut l'inférer du tableau. C'était un problème pour Pierrot, mais un autre que lui n'y aurait peut-être pas été sensible. En termes contemporains, nous dirions que le plan du tableau était en train de perdre son poids ou que la relation entre la surface du tableau et l'espace du tableau n'était plus équilibrée. Donc c'est-à-dire, si vous voulez, le, ce qu'on a l'habitude de séparer entre le plan aptique et optique, tout ce qui appartient à la représentation avec son système illusionniste de profondeur et ce qui appartient à la composition du tableau comme chose matérielle avec ses problèmes, on va dire, d'organisation plastique de surface. Pierrot n'aurait pas décrit le problème ainsi, et s'il a tenté de le conceptualiser, il n'a pas dû aller très loin dans cette voie. On peut imaginer qu'il aimait l'effet produit par certains tableaux plus anciens où, où cet équilibre était respecté, ou encore que cela relevait chez lui du souci de l'artisan pour l'apparence de son travail dans les très étranges et variables conditions d'éclairement qu'on pouvait trouver dans une église de la Renaissance. De ça, évidemment, il est toujours très difficile d'imaginer jusqu'à quel point elles vont organiser un tableau comme celui-ci ou comme n'importe quel retable dont on sait que la destination est de finir dans un espace très peu éclairé et sous des angles souvent euh, bizarroïdes. Et les peintres n'étant pas des couillons, ils en tiennent compte pour peindre. Or, nous, nous le voyons en pleine exposition avec une visibilité totale sur l'image. Ça, ça fausse beaucoup hein. notre compréhension des choix plastiques, par exemple. Quand je parle d'une relation équilibrée entre le plan du tableau et l'espace du tableau, j'adopte bien entendu le point de vue extérieur du profane. Et en même temps, mes termes ont une valeur ostensive. Je me garderai de ramener cette relation à l'accueillante notion de commensuration ou à celle de proportion, bien que nous ayons avec Pierrot une personnalité suffisamment cohérente. Je crois que nous pouvons voir à présent comment Pierrot fait face à ce problème. Dans le baptême du Christ, il cède de différents moyens. Tout se passe comme s'il tentait de contrebalancer à un niveau infra-représentationnel l'énergie qu'a sa représentation de la profondeur spatiale. C'est-à-dire, en delà de la solidité, on pourrait dire de l'illusionnisme lui-même, touché à des rapports de force et donc des jeux de tension qui appartiennent moins à celle de la représentation, en fait, qu'à celle de la proposition plastique en elle-même, comme construction d'un jeu de, de force euh, entre, euh, on pourrait dire, euh, organisation sensible et euh, solidité architectonique. Par exemple, la colombe, au premier plan, fait pratiquement corps avec les nuages qu'on voit au loin dans le ciel. Nuages dont je vous ai fait remarquer que l'un d'entre eux... Hein... <laughs> Elle a tout de même un comportement vraiment très étrange à cet endroit-là. Sur lequel, pour l'instant, moi, j'ai zéro hypothèse. Hein. Enfin, si je vous en ai proposé une, mais je ne suis pas satisfait encore pour ce, ce, ce qu'elle sous-tendrait. Je ne suis pas sûr que ça aille très loin. Hein. Il va falloir trouver mieux, à mon avis. La surface du tableau a ici une structure ou composition distincte de celle qu'on trouve dans le tableau quand on accepte d'y voir la représentation de quelque chose situé dans un espace tridimensionnel, donc ce dont je vous parlais là, cette rencontre-là. On peut passer d'une structure à l'autre et même diffuse cette double expérience perceptive qui nous ramène à la matérialité du tableau en tant qu'objet et sa complexité ordonnée se révèle une source de profonde satisfaction. Piero résout aussi le problème par l'emploi de ce que j'appellerais des formes d'accommodation paradoxale, qui interviennent plusieurs fois dans la peinture. Un exemple simple et mineur est offert par les quelques fleurs étonnamment brillantes et pointues qu'il a choisi de peindre sur les buissons. Alors, ils sont où ces buissons et où sont... Est-ce qu'il appelle buissons ces trucs-là là Est-ce que c'est ça dont on parle non, ça ne peut pas être ça. Où est-ce qu'on parle le buisson Ici peut-être. Derrière les gens là. Ah, je sais pas si la repro permet euh, d'aller assez loin. Hmm. Si c'est ça, derrière les spectateurs qu'il vient de rejeter vers le fond de la scène, ce truc-là. L'effet est double. La réaffirmation du plan du tableau adoucit la violence de la récession spatiale qui caractérise l'espace du tableau. Tandis qu'un stratagème purement narratif compense la diminution des figures en attirant notre attention. Les plantes qui apparaissent au premier plan sont profondément impliquées dans ce jeu et, révèlent des deux et relèvent pardon, des deux registres précédents de double composition et d'accommodation paradoxale. C'est évidemment, vous vous en doutez bien, un jeu de tension qui est très difficile à tenir ensemble. Les deux ensemble, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire maintenir la solidité, c'est ce qui fait toute la force d'une bonne peinture quoi, de son espace illusionniste et de sa surface picturale. Elles reprennent la structure de surface, les teintes et la tonalité des lointaines collines qui apparaissent au-dessus d'elles, réunissant ainsi profondeur et surface. Ce sont des silhouettes très nettes qui s'inscrivent légèrement en avant du plan narratif principal de l'espace représenté. C'est là qu'il faut chercher leur intention et pas dans un système symbolique ou dans un symbolisme répétitif. Je suis sûr que vous serez nombreux à rejeter cette interprétation pour des raisons différentes. Simple effet d'une restauration excessive ou influence de francs On en a parlé tout à l'heure. Hein. Surinterprétation subtile d'un effort fortuit, tatati tata. En fait, on voit bien que je cherche moins à convaincre qu'à clarifier une position. À savoir que Tel est bien le moyen pictural à travers lequel les peintures signifient. C'est pas parce qu'on ne parvient pas toujours à l'explicité qu'il faut en conclure qu'une bonne explication doit le méconnaître. C'est une manière indirecte de rendre compte de l'ordre et parente, on parle de l'ordre interne de la construction du tableau, hein, et parente de celle dont nous avons posé le processus sans le décret. Il se trouve que le, la commensuration de Piero offre des possibilités exceptionnelles de démonstration d'un type d'articulation ou d'ordre. Il est présent de manière si atypique qu'on le voit sur le tableau. Mais on peut observer l'ordre en toutes choses, depuis la forme du coup de pinceau chez un peintre baroque, jusqu'à la restructuration de l'expérience visuelle dans le Kahnweiler de Picasso. Ou encore, dans la manipulation de la vision distincte chez Chardin. La vision distincte, vous vous souvenez, c'est le côté comment la, la, la durée du regard et les accommodations euh, différentes à différents moments qui constituent en fait le, le regard derrière une grande peinture on suppose une grande organisation de la perception de l'émotion de la construction depuis le début j'ai pris soin d'insister sur le fait que le modèle d'explication esquissé dans ce livre n'est pas la manière adéquate de penser les tableaux. Il existe beaucoup de manières adéquates de le faire qui, dans des conditions de perception normale, se combinent. La question a été plutôt de savoir, une fois admis que nous ne pouvons complètement exclure de notre réaction aux peintures un sentiment finalement historique, qu'elles ont été intentionnellement faites par quelqu'un, ce que nous faisons quand nous livrons à ce type d'activité mentale. Et ceci nous a conduit à nous demander si nous pouvions développer cette forme d'approche sans tomber dans l'irrationalité et le délire. J'ai tenté de montrer que c'est possible tant que nous avons conscience des limites et du caractère étrange de cette activité. Toute inférence critique sur l'intention est non seulement conventionnelle, mais aussi précaire. Cette précarité représente en même temps une certaine garantie de vertu. En effet, vous pouvez parfaitement être en désaccord avec ce que j'ai dit du baptême du Christ de Pierre-Louis de la Francesca. Certaines des remarques qu'on a pu lire vers la fin de ce chapitre, en particulier dans les sections 7 et 8, sont provocatrices, ou du moins appellent-elles clairement la discussion et la possibilité d'un désaccord. De manière plus programmatique, j'ai voulu que l'ensemble de ma présentation du tableau de Chardin soit problématique, c'est-à-dire ouverte aux questions de tous ceux auxquels je les soumets. Mais ma présentation n'a pas d'autorité. J'ai une certaine initiative dans la mesure où j'ai commencé et pu recueillir un certain nombre d'informations historiques. Mais c'est vous qui disposez. Ce qui est présent derrière cette ouverture au questionnement et à la discussion, c'est la volonté candide et délibérée de lier histoire et critique, de maintenir le principe d'une double approche. En ce qui concerne le baptême du Christ, j'ai pas mentionné, bien que ce soit un fait historique, hein, que Pierrot était relativement impliqué dans la possession de biens agricoles semblables à ceux que nous voyons à l'arrière-plan du tableau. Ceci n'est pas le type de renseignement qui nous donnerait une perception plus fine de l'ordre du caractère pictural de l'œuvre. Je n'ai pas signalé non plus, tout en sachant que ça aurait pu ajouter à notre compréhension de l'ordre du caractère pictural, que Pierrot s'est inspiré pour la figure de Saint Jean <laughs> d'une victoire couronnant un empereur qui orne un relief du IIe siècle représentant une scène de triomphe. En effet, autant que je sache, ceci ne saurait être tenu pour vrai avec certitude. Si je voulais poursuivre cette réflexion, il faudrait que je passe d'un registre causal à un registre comparatif. L'usage alterné de nos trois modes autocritiques contribue à maintenir l'équilibre. Mais c'est l'exigence d'une nécessité ou fertilité critique, l'exigence d'une parcimonie positive qui maintient actif le lien entre eux. Ce qui n'est pas utile sur le plan écritique, n'est pas de la critique. Et le test de l'utilité est public. L'ironie ici, c'est que plus l'histoire se fait scientifique, plus elle rejoint en un sens la critique. En me référant à la science, je n'entends pas revenir sur le problème des formes de l'explication, qui reste hors de notre portée. Il le dit. Je pense plutôt à la conception bien particulière que les scientifiques se font de la relation à l'espace public. Un scientifique doit non seulement communiquer ses résultats, mais faire part des procédures qu'il a utilisées pour les obtenir. D'autres que lui doivent pouvoir recommencer et vérifier l'expérience qu'il relate. Dans le cas contraire, ses résultats ne sont pas acceptés. C'est un peu la position de la critique inférentielle. On rencontre une expérience esthético-historique et des résultats qu'elle a donnés. Les éléments explicatifs... Historique, intentionnel, avancé à propos du tableau, sont logiquement liés à des remarques sur un ordre pictural observable, et la valeur de ces remarques est susceptible d'être testée par d'autres que nous. L'histoire se trouve ainsi vouée à être de la bonne critique. Notre activité est grande ouverte à l'examen. Il n'y a pas d'experts ici, avec une autorité particulière. Il n'y a que des spécialistes avec des connaissances historiques données. Même si ces spécialistes sont capables, à la différence des non-spécialistes, de proposer des explications, ils doivent accepter de soumettre leurs analyses au jugement des profanes. Si toutes les informations historiques que j'ai rassemblées à propos des idées du XVIIIe siècle sur la vision distincte, la substance, la perception et ainsi de suite n'ont pas permis à d'autres de mieux comprendre la puissance d'une œuvre comme une dame qui prend du thé, alors j'ai échoué. J'ai relaté une expérience et elle ne peut pas être répétée. Non seulement mes arguments critiques tombent, mais mes affirmations historiques sont récusées. C'est très bien ainsi. Non seulement la mise à l'œuvre est vivifiante, mais elle donne à une recherche dont les motivations sont à l'origine, assez égoïste, hein, une vertu et une dignité sociale qu'elle n'aurait jamais eue autrement. Ça fait pas longtemps que la critique d'art est devenue un métier. Pas longtemps non plus qu'elle est reconnue comme une discipline universitaire. Or, en pareil cas, on a tendance à accorder assez vite à ce qu'on fait une autorité particulière. Il me semble que la façon que nous avons de nous retrancher de plus en plus derrière un dispositif savant auquel le profane n'a pas accès, comme la connaissance d'une littérature spécialisée, l'accès à tel ou tel répertoire méthodique, les emprunts qu'on peut faire à tel ou tel modèle conceptuel prestigieux, ou la possession d'un œil prétendument exercé, a quelque chose de moyenâgeux et d'inutile. La critique inférentielle ramène ce dispositif à ce qu'il est, c'est-à-dire une simple convenance heuristique, démonstrative, hein, et rétablit l'autorité de l'expérience visuelle commune d'un ordre pictural donné. Elle appelle la discussion, elle est démocratique. Lorsqu'on revient aux origines de l'histoire de l'art et de la critique d'art moderne qui se situe à la Renaissance, on s'aperçoit qu'elles sont réellement nées de la conversation. Vasari dit lui-même que ce sont les conversations. Qui avait lieu lors des soupers du dîner, des dîner pardon, lors des soupers du cardinal Farnèse, qui lui ont donné l'idée d'écrire ces grandes vies des artistes. Alors, je ne sais pas grand chose du cardinal euh, <coughs> Farnèse, euh, mais j'ai trouvé un portrait de lui. Je vais vous montrer à quoi il ressemblait. Donc, auprès duquel, apparemment, euh, Vasari aurait trouvé des ressources, des, un soutien et peut-être des idées. Pour euh, écrire son, la, 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 la genèse hein, de l'histoire de l'art. Ça, c'est un, un Domenico Veneziano. On a parlé tout à l'heure de Domenico Veneziano. Voilà ce qu'il faisait. C'est beau. Hein? Là, vous voyez bien le lien avec euh, Pisanello et ce genre de choses. Hein? On voit tout de suite. Hein? Ah, là aussi, c'est lui. C'est Domenico. Donc euh, voilà, c'est lui, le cardinal Farnese. Donc, c'est Alessandro Farnese. C'est un mécène et collectionneur. Euh, donc, c'est pour ça qu'on en parle là. Enfin, qu'il est lié à, à Vasari. Euh, il est élu commanditaire, collectionneur d'art. Et donc le bouquin de Vasari, vous vous souvenez de son titre exact, « Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes »,« Les vies des plus excellentes architectes, pittori e scultori italiani euh, »,« Du Cimabue jusqu'à notre temps »,« Da Cimabue in fino al tempo Donc ça aurait été euh, motivé en partie par euh, la rencontre et les conversations avec euh, ce cardinal euh, Farnese. Voilà, voilà. Donc, on imagine les, les dîners entre ceux-là et puis les discussions vives qui font naître une discipline. Euh, L'histoire de l'art. <laughs> Mon Dieu, je pense à être vraiment fatigué. Euh, C'était un type euh, qui avait visiblement, d'ailleurs, euh, le petit père Farnes, des grandes difficultés avec l'autorité. Ça a l'air d'être une sorte d'esprit libre, euh, pas très bien vu des papes. Il a dû quitter le prochain jeu ban. Le. Comment il a dû quitter. Plusieurs fois, euh, comment euh, euh, la Rome et l'environnement de, de Rome, parce que ça se passait pas bien avec le pape, et c'est assez marrant d'ailleurs, parce que si ces difficultés avec euh, Jules III l'ont obligé à quitter Rome et le palais Farnèse, dès qu'il y retourne, il, parce qu'il s'était réfugié où, à, 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 à votre avis, bah, à Avignon, évidemment, euh, évidemment, et ça va pas se mieux. Il attend le pape suivant, et puis, euh, et comment ça change rien. <laughs> Il se fout mal aussi avec le suivant qui est Paul IV. Et euh, euh, notamment puisque c'est un mondain et que Paul IV c'est un mec qui passe son temps à... Comment foutre des gens en taule qui s'opposent à lui Et lui, bah, le, notre cardinal Farnese, c'est un protecteur euh, des intellectuels euh, pas forcément dévots. C'est un protecteur euh, des, des juifs euh, aussi. Euh, et le pape, lui, c'est plutôt un moraliste fatigant. Il, il a l'air plutôt sympathique, ce cardinal euh, Farnese. Hein. Voilà. Donc, c'est les soupers du euh, cardinal qui lui ont donné l'idée d'écrire « ses grandes vites ». Et ces raisonnements les plus vigoureux s'enracinent dans les arguments qui depuis deux ou trois siècles s'échangeaient dans les ateliers. Après tout, si ce n'était pour ce désir de dialogue, pourquoi nous livrerions-nous à un exercice aussi difficile, aussi insolite que celui qui consiste à parler de peinture? Je prétendrai donc que la critique inférentielle est non seulement rationnelle, mais sociable. Et c'est le dernier mot de ce livre. Donc on ne reviendra pas sur le pont. <laughs> on n'y reviendra pas. Voilà. Est-ce que je connais l'art à ah, Fabien Non, Solarius, c'est finalement finir sur un calembour aussi consternant. C'est pas possible. Bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. Que euh, la rencontre euh, avec euh, Baxandal vous a fait plaisir. Cet homme est vraiment délicieux. Je trouve ce final réjouissant. Je trouve que les, euh, en termes d'intention celle qu'il a pour l'histoire de l'art et la critique d'art sont vraiment de belles intentions. Et c'est complètement, ouais, réjouissant de lire des choses pareilles. Voilà, voilà. Donc euh, maintenant, c'est l'heure de nous quitter, les gens. C'est l'heure de d'aller faire de dos pour vous ou pas, et pour ceux qui ne vont pas faire de dos, si vous voulez, on peut peut-être euh, on peut peut-être tout simplement euh, aller faire un petit raid quelque part. Alors, il y a quelqu'un que je n'ai jamais raidé. Après tout, on pourrait se faire ça. Ça pourrait être l'occasion. Je ne sais pas ce qu'il fout. Euh... Ça vous a plu J'en suis content. Prochaine je ne sais pas encore, Susan. Je ne suis... euh, sais pas. Mardi, je ferai bien une lecture avec Gaël, mais on n'a pas décidé le bouquin. J'avais trouvé un, un bouquin de Françoise Vergès sur la colonialité du musée. Mais euh, je pensais le faire comme ça, enlever et à l'arrache. Euh, parce que ça me paraissait une bonne idée. J'avais un peu confiance dans le bouquin. Mais euh, le problème, c'est que j'ai lu les premières pages et il y a des problèmes. Donc le bouquin a l'air intéressant et je pense que la fille est chouette, mais euh, elle fait Elle a un peu les mêmes méthodes à, à, à la serpe euh, que comment... Euh, J'oublie son nom, celle qui a écrit Caliban et la sorcière. Oh la Fédrigoni Non, c'est pas Fédrigoni. Ah C'est du papier. Bref, il y a des choses qui ne vont pas. Donc je suis obligé de, de préparer la lecture pour euh, la documenter, vous expliquer pourquoi ça ne va pas. Pourquoi les premiers... les prémices de son raisonnement sont fausses. Donc elle fait naître le musée euh, genre au XVIIIe siècle, donc non, avec le fameux argument du sous la forme de, 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 sous lequel on connaît le musée. Oui, c'est un peu gentil, mais euh, c'est pas comme si le monde, euh, comme si l'histoire, c'était une série de faits isolés discontinus. Donc je peux pas vous lire le, le bouquin qui a l'air chouette euh, de Françoise Vergès, puisqu'il faut d'abord que je puisse assez correctement quand même euh, documenter les endroits par lesquels ça déconne. Hein. Et ça déconne euh, méthodologiquement, sachez-le. Au final Divergesse, il y a plein de soucis avec elle. Je ne sais pas, je ne la connais pas du tout. Hein, mais euh, en tout cas, si on doit faire le boulot intelligemment euh, sur ce livre, j'ai besoin de préparer. Or avec elle, j'aimerais mieux qu'on fasse une lecture un peu enlevée. Euh, donc voilà. C'est pas grave. Alors, je peux vous euh, envoyer aider chez Sentier battant ou chez Dable Dessineux. Qu'est-ce que vous préférez Sentier battant ou Dable Dessineux alors, je ne connais pas vraiment ni l'un ni l'autre. Celui quel moins de monde, c'est Sentier Battant. Donc, peut-être qu'il faut faire ça. Allez, hop. Ah, je crois que c'est bien. Ah, J'ai l'impression que... Peut-être que je me gourre, mais je crois que c'est pas si mal. Alors, euh, si je me gourre, vous m'engueulerez après. D'accord Alors, Invisibilisation de Triste Noir. Quelle pisse sont les cités Oh, c'est mal, ça. Eh ben on va au Sentier Battant. Eh bon on fait ça. Allez, raid sur Sentier Battant. Oui, oui, je crois que c'est chouette. Euh, voilà. Alors il faut suivre la, la chaîne pour pouvoir causer. D'accord Et je vous dis à très bientôt. Et je suis content que vous ayez passé un bon moment avec Backsyndale. J'espère que ça vous donnera très envie de lire plein de choses de Backsindale. Voilà. Oui c'est ça, c'est Kamel Leouty. Et ben parfait.